Salut à toutes et à tous et bienvenue pour les joueurs du dimanche. J'espère que vous allez tous et tous très très bien. On remercie Sidralcyon qui s'est réabonné. Merci Nicolas Fleur aussi pour ton abonnement. Merci à toutes et tous. Vous régalez, c'est dernière émission de la saison. Hein, là, on est un peu fatigué. On va se terminer avec un petit jeu qu'on a déjà fait sur cette chaîne. Je l'avais fait avec ma femme, Illidan. On avait fait quelques erreurs au cours de la partie qu'on avait corrigées, hein, mais c'était pas fluide, mais saoulé. Toi, tu t'es dit. On va essayer. Je promets rien. On va essayer d'être un peu plus fluide pour cette session avec la Mirof, ouais, qui voulait le tester en plus cette version. Donc on va jouer à Hero Realms avec la version Les Ruines de Tandar. Regardez, c'est ici. Avec une de ruines. Oui, la ruine, pardon, de Tandar. Et on va avancer un petit peu dans ce scénario. Voilà, on va faire le premier scénar. C'est le même, hein, qu'on avait fait avec ma femme, mais j'ai pas envie de trop vous spoil, parce que si vous achetez le jeu, en fait, des combats dans le jeu, je crois que tu en fais. En fait, tu peux en faire plusieurs fois la campagne. Mais en gros, les combats, je crois que quand tu fais toute la campagne, tu en as genre 3 ou 4. Parce qu'en fait, quand tu remportes le premier, après, tu as le choix entre deux. Et quand tu remportes le suivant, tu as le choix entre X. Bah. Et donc, du coup, en fonction des choix que tu fais, tu n'arrives pas au même embranchement. Mais tu pourrais en faire cet embranchement plusieurs fois. Et en fait, tu dois le refaire parce que quand tu commences la campagne, tu as les cartes de base et quand tu avances, tu es de plus en plus puissant. D'accord. Donc si tu te contentes juste de faire tous les monstres, tu vas être trop puissant et tu vas rouler sur tout. Donc, je comprends. Et d'ailleurs, du coup, on avait fait nous le Shards of Infinity qui est aussi de chez Yellow, puisque ce sont des deux jeux de deck building de Yellow. C'est vrai. Qui était en campagne et pareil, tu avais pour une rejouabilité, en fait, ils te proposent des embranchements et tu choisis un petit peu celui que tu veux. Donc là, c'est la base. C'est cool parce que moi j'aime bien Shards évidemment, mais j'aime bien l'univers Heroic Fantasy de cet opus. Hero Realms, parce qu'il y a également Star Realms qui évidemment, est dans l'espace. Oui, oui. Voilà. Mais là en tout cas, on est d'accord qu'on est sur la version. T'as pris le jeu de base. Il faut quand même le jeu de base, c'est ça? Tu prends le jeu de base. Il faut le jeu de base et tu rajoutes la ruine de Tandar qui va. En fait, dans la ruine de Tandar, tu as le deck de l'ennemi, on va dire. Le maître, ils appellent ça. Tout un tas de cartes d'amélioration de ton deck. D'accord. 150 cartes quand même en tout hein, pour, pour l'extension. Je peux vous montrer, ça va de 1 à 5 joueurs visiblement. Voilà. Voilà le contenu en fait du jeu. Merci à toi Nato80160. Merci pour ton abonnement. Donc vous avez effectivement deux boîtes à prendre, la boîte de base et la boîte de la ruine de Tandar. Vous allez en fait avec la boîte de base, vous allez utiliser les cartes disponible dans la boîte de base, la carte d'origine, quoi, auxquelles vous allez ajouter aussi les gemmes de feu que vous allez utiliser, les decks de héros qui sont fournis dans la boîte de base aussi. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui vient des ruines de Tandar? Il y a les deux livrets ici qui sont le livret de règles des ruines de Tandar et le livret d'aventure qui vous explique un petit peu qui sont les monstres que vous allez affronter, etc. Vous avez les cartes de l'ennemi, d'accord, avec les différents grands ennemis que vous allez affronter, d'accord, c'est des grandes cartes, comme ça vous allez pouvoir suivre ça un petit peu. Et en fait, les cartes que vous voyez ici sont donc les decks de héros qu'on va choisir, d'accord, et les cartes que vous voyez à côté sont les améliorations de decks de héros qui vont avec. J'ai fait ça propre. En fait, on a des classes, c'est ça, sorcier, voleuse, d'accord, guerrier, archer et clerc. Et je te propose, mon brof, de choisir ta classe. Est-ce que tu veux qu'on choisisse tout de même des classes que tu n'as pas fait la dernière fois comme ça ? J'en ai rien à foutre. Moi, je suis plutôt. Alors, je me tâte, ça dépend. Toi, tu as plutôt une tête à jouer des guerriers, non ? J'ai peut-être une tête à jouer des guerriers, ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire. Si tu joues guerrier, alors je pense que j'hésite entre archer et sorcier. Est-ce qu'il y en a un qui te paraît. Franchement, prends ce qui te fait plaisir. Moi, je prendrai dans ce qui reste. Ça ne me pose absolument pas de soucis. L'archer, sorte de. Ah, c'est pas vraiment un elfe, mais enfin bon, on pourrait le. Il est dans sa forêt, quoi. Il est tranquille, une sorte d'archer. Qui a l'air très sympathique. Je vais partir là-dessus, mon cher Max. Il y en a un qui dit, Ashlar qui nous dit, mais c'est honteux, on ne peut pas sliver les cartes de monstres avec du katana. Effectivement, c'est des formats un petit peu grands, mais pour le coup, on les mélange pas, celles-ci. Donc il n'y a pas vraiment besoin de les sliver, elles sont un peu à part. D'ailleurs, en vrai, comme c'est un jeu coopération, en réalité, vous voyez, moi, le jeu de base est slivé, mais pas l'extension.
En fait, vous n'avez pas besoin de sliver l'extension. Parce que tu vas prendre des cartes une par une et... Bah, en fait, même si vous ajoutez des nouvelles cartes dans votre deck... Ouais, tu les remplaces. Qu'est-ce que t'en as à foutre de voir le dos de la carte? T'en fous, c'est que... Ah non, ça c'est dégueulasse. Ah, quand tu caches, oh, c'est pour l'adversaire. Oh là là, jusqu'à là, je te suivais, mais non. Mais de toute façon, quand tu vas mélanger ton deck... T'imagines, tu viens d'acheter une carte, t'es en mode « Ah, je sais que c'est la prochaine ». Non, mais non, mais non. Arrête, arrête. De toute façon, hérétique. Je crois que c'est des améliorations, donc au pire... Oui, tu les remplaces. Tu vois, sur le sorcier, par exemple, si je prends le sorcier, donc vous démarrez avec... là, j'ai 4 pièces d'or. Pardon, 5 pièces d'or. J'ai 2 sorts d'embrasement. J'ai un objet, un félin. Bon, c'est tout. Mais en fait, quand tu vas avancer un petit peu... Parce que tu vois, là, c'est mon... Ah, je suis sur le sorcier, alors, tu vois, t'as les règles du sorcier et derrière, est-ce en fait, tu as des capacités de sorcier. En fait, ces capacités, elles vont s'améliorer avec le temps. Est-ce que tu veux que je me télécharge l'appli de points de vie ou pas? Oh, bon, on peut prendre celle de Magic, en vrai, ça marche très bien. Okay, très bien, parce qu'en plus, je sais plus si je vais me la DL en... Vous pouvez compter vos points de vie comme d'habitude, hein, avec ça. Voilà, donc là, j'ai 2 points de vie, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, 11, 12, 13, 14, 15, 16, comme ça, et vous allez... à petit indiquer combien vous avez PV. C'est sympathique, mais ça casse les couilles. Donc on préfère évidemment avoir une petite appli qui fait sa propre. On est beaucoup mieux ainsi. Il y a Steph qui me dit bon choix l'archer, ben, impeccable. Et il y a eu quelques subs qui sont passés, on les remercie. Oui, merci à toutes et à évidemment. Tous, évidemment. Je vais prendre le sorcier. Ah bon? Ça t'emmerde? En fait, si tu prends le sorcier, je prends le guerrier. Bah, prends le guerrier, hein. En fait, j'aime bien qu'il y ait un tank. Je sais pas s'il y a. Vas-y. Mais j'aime bien jouer le guerrier corps à corps, machin. Mais je sais que généralement, c'est toi qui aimes bien jouer. Vas-y, je vais jouer le sorcier. Il y a absolument aucun problème. Alors fais gaffe, je crois qu'avec le guerrier, une compétence que tu dois changer. Je ne veux pas te dire de bêtises. Après, je me crois dans un MMO, mais en vrai, peut-être qu'on va faire archer sorcier, ce sera très bien. Mais t'inquiète, c'est bon, on s'en fout. Juste que t'as envie, frère. Donne-moi pas. Juste le pack là parce que je crois qu'il y a juste une carte que je dois te changer. Je crois que c'est le coup d'épaule ou un truc comme ça. Je ne sais plus, mais je vais le retrouver. Compétence de guerrier, voilà. Compétence de campagne. C'est absolument la même chose, donc ça ne change pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que je crois que tu en as une autre qui change, ce qui est peut-être le coup écrasant. Voilà. Parce que regardez, vous voyez, j'ai des cartes ici. Donc ça, c'est la carte qui est de base. Et en fait, si je ne dis pas de bêtises, je crois que tu as cours renversant. Nanana, charge fracassante. Alors, est-ce que c'est... Voilà, coup écrasant. Et en fait, ça, c'est la version de campagne qui va remplacer. Et donc, du coup, tu vas utiliser ça au lieu de celle-ci. Tac. Voilà. Allez, on part sur le Warrior. Il me semble bien qu'il y avait un truc comme ça. Tiens, voilà ton deck. Tac. Et je te range le reste. Okay. J'ai téléchargé l'application de points de vie. On est, je crois, à 5... Ah non, ça dépend. Ça dépend. Moi, je crois que j'ai 60 points de vie de base. Mm-hmm. Et toi, tu en as combien? 50. 50. Tu es une... Et l'ennemi en a 50 également. Ah ouais, alors attends. On est 4, là? On est 3? On est 3. Je crois que c'est possible. Tu crois que c'est possible? Ah oui, t'en fous. Tu t'ajoutes manuellement. Hop là, bon, je vais retirer, tant pis, le chat, ça me dégoûte. Oui. Et du coup, je nous mets... Moi, je pouvais le faire, les PV. Tu pouvais faire les PV? Ah oui, ça m'arrange, vas-y. Tu t'es déterre là pour le faire là. Je suis déterre parce que je suis quelqu'un d'altruiste. Ouais. Mais ça peut jouer à combien de joueurs? Alors, la version de base, c'est de 2 à 4 joueurs, mais cette version-là, c'est de 1 à 5 joueurs. Ouais, vous pouvez monter jusqu'à 5 joueurs. En fait, vous pouvez jouer toutes les classes. Et en gros, le fonctionnement, c'est que c'est comme si vous étiez... En gros, vous êtes autour d'une table ronde, d'accord? Donc tout le monde est assis les uns à côté des autres. Chaque joueur peut interagir avec les joueurs qui sont à sa gauche et sa droite, d'accord? Ça veut dire que si vous... Je vais t'expliquer en fait tout ça après, mais sachez que c'est comme si vous étiez tous assis en cercle et que le maître avait un siège à la table. D'accord. Et c'est important parce que comme tu peux interagir avec le mec à ta gauche et ta droite, c'est-à-dire que ceux qui sont à gauche et à droite du maître ne sont pas adjacents l'un l'autre, ils ne peuvent pas interagir ensemble. Donc le placement a un petit peu d'importance. Bref. Okay. Je modifie le nombre de joueurs, effectivement, on va se mettre à 3, 50, et toi t'as 60, c'est ça? Ouais, moi je suis à 60. Et regarde moi. Comment ça va être parfait, tu vas pas en revenir, gros, on va faire ça. j'ai du mal à y croire.
On va pas en revenir, c'est que toi t'as 60, c'est ça? Ouais. Voilà. Quelle couleur tu veux? Le bleu. Le bleu, évidemment. Et moi je vais donc prendre le rouge et l'ennemi, je vais lui mettre le noir. Et regarde ce qui va se passer. Est-ce qu'on n'est pas bien? Oh là là là. Comme là. Ça. Mais vous avez tout ce qu'il faut. Hein bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. T'aurais été en mode ah comme ça c'est mieux, on a vraiment nos PV. L'idéal c'était comme ça, mais est-ce que c'est possible? Comme ça. En plein milieu là? Non, pour avoir, tu vois, lui, moi, toi. Mais oui, là, bon, ça, on c'est est possible. À l'envers. Bon, on s'en fout, c'est facile. Tu veux mettre le man à l'endroit? Ah, lui, le mettre à l'endroit? Non. Oh, est-ce que c'est grave? Je ne pense pas, les gens. Les gens vont pas. Quand il va y avoir un 9, ils vont pas savoir si c'est un 6, quoi. Ça ira. Mais effectivement, là, au moins, c'est plus logique, quoi. Plus logique. Le mec, il arrive, il fait ok, je vois ce qui se passe. Ok, comme ça, on joue nos cartes chacun d'un côté voilà, ou de l'autre voilà. Du téléphone. On peut complètement faire ça. Parfait. Il a que 5 points de vie, mais genre, tu vois, déjà les gens... les gens. Vous êtes des connards. Les gens ne comprennent voilà. Pas. Les gens ne comprennent pas. Bien joué, le Killoutre. Bon, du coup, le sorcier, alors, c'est lui, on s'en fout. Donc, du coup, notre truc voilà. De point de vie. Il va juste falloir jeter un œil, effectivement. Et vos personnages ont des petites règles qui sont ouais. Indiquées dessus qui vous permettent de comprendre le truc. Donc, tu vois, lorsque vous jouez avec le deck de héros sorcier, vous commencez à partir avec 50 points de santé. Nanana. Là, il explique que j'ai la capacité transfert et boule de feu. Ok, donc ça, j'ai. En fait, transfert et boule de feu. Tu vas voir. Transfert et boule de feu. En fait, c'est ça. Elle reste devant moi. C'est pour ça qu'elles sont pas slivées. Mmh. Elles restent devant moi. Et en fait, elles sont accessibles. D'accord ? Aucune de ces cartes n'ira dans votre deck personnel. Mélangez les autres cartes, familier, bâton de feu, etc. Afin de créer votre deck personnel de 10 cartes. Donc, il t'explique ensuite comment ça fonctionne. Donc, la carte boule de feu. Les cartes capacités telles que boule de feu ne peuvent être utilisées que pendant le tour de leur propriétaire. Boule de feu est sacrifiée quand vous l'utilisez. Cette carte n'ajoute pas de combat à votre réserve, elle inflige 4 à un joueur et chacun de ses champions, même s'il y a un garde en jeu, elle inflige 4 à tout le monde. C'est une grenade. Voilà, ça c'est la boule de feu qui est ici. Okay. Je vais me mettre dans un coin. N'inquiétez pas si vous la voyez pas, c'est pas très. Je vais peut-être dézoomer un peu. Ah, mais du coup, chouïa. Tu peux le faire qu'une fois par partie, c'est ça? Exactement. Tu dis qu'elle est sacrifiée, elle est détruite. Je sais pas comment c'est. Donc c'est ça. Derrière ça, j'ai les cartes capacités. Tels que transfert ne peuvent être utilisés que pendant le tour de leur propriétaire. Pour activer transfert et bénéficier de son effet, vous devez payer 2 d'or et activer la carte. C'est écrit dessus. Voilà. Activer la carte et payer 2 d'or. Voilà. Vous perdez un point de vie, vous piochez une carte. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. Transfert se mobilise à la fin du tour de son propriétaire. Celui-ci pourra donc l'activer à nouveau. Donc ça par contre, tu la gardes. Tu peux l'utiliser plusieurs fois. Il faut juste payer son coût à chaque fois. Voilà, c'est à peu près tout. Les decks de héros peuvent être joués non seulement en 1 contre 1, mais également dans d'autres formats, blablabla. Bla bla. Donc voilà, j'ai mes cartes de base. Merci voilà. Pour le Prime. Merci beaucoup, effectivement, à la Cori pour ce petit Prime. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des questions, peut-être, pendant ce temps-là? Moi, je vais en profiter pour regarder si j'ai pas, effectivement, des cartes qui sont en fait différentes. Tu vois, par exemple, là, j'ai boule de feu. Je pense qu'elle remplace cette boule de feu-là, parce qu'elle n'inflige pas les mêmes dégâts. Donc, la version de campagne. Qui est moins forte, plus forte. Elle est infliger 4 dégâts aux joueurs ciblés à chacun de ses champions, infliger 4 dégâts à chaque maître et serviteur dans la zone ciblée. Donc, c'est adapté, on va dire, à la version. Et l'autre, c'est transfert, pareil. Transfert, j'ai une version de campagne qui fait exactement la putain de même chose. D'accord, mais merci. Bon, dans le doute, je vais l'utiliser quand même. Merci à Kratos qui a aussi lâché son prime. N'hésitez pas, évidemment, c'est la fin du mois, le début du mois, bref. En tout vous cas. Êtes des bon, alors moi, frérots. J'ai coup d'épaule, parce que je peux mettre des coups d'épaule dans la gueule. Donc, j'imagine que c'est, si jamais je l'engage et que je paye 2. Ah, c'est la même, ça. Si jamais je l'engage et que je paye 2, eh bien, je mets 2 blessures. Et, c'est alors, je veux bien l'autre, parce que... C'est pareil. Non, dans l'autre, il y avait un... En fait, t'as pas retourné. Oui, mais dans l'autre, il y avait l'explication de mon guerrier. Ouais, mais c'est la même chose. C'est que celle-là, en gros, il y a un coup que tu peux utiliser à chaque fois. Je vais garder celle-là. L'autre, tu l'achètes. Je vais passer l'autre parce que je voulais lire ce qu'elle est. Bah oui, mais gros. Mais en fait, c'est basique. Les cartes capacités que coup d'épaule ne peuvent pas être utilisées. Ok, d'accord. Pour activer coup d'épaule, ok. C'est la même chose que ce coup d'épaule se mobilise à la fin du tour de son propriétaire. J'en suis navré. Voilà. D'accord. Donc, j'ai coup d'épaule, basta. T'as coup d'épaule que tu peux utiliser à chaque tour. Voilà. Et celle-là, tu l'utilises qu'une fois dans tout le truc.
D'accord. Je l'appelle. En gros, les compétences, tu peux les utiliser plusieurs fois. Les capacités, c'est une seule. Alors, d'accord, mais moi, j'ai du coup le choix entre celle-ci et celle-là ? Non. Et tu prends la version de campagne. Capacité de campagne du guerrier. Donc là, c'est 9 dégâts répartis entre les serviteurs dans votre en fait, zone. D'accord. Le dos de la carte, c'est quand tu joues dans d'autres modes de jeu. D'accord. Genre quand tu fais du 1v1, d'autres. Là, de base, on joue la version campagne. Donc, ok. Donc, en gros, on a un coup, on va dire, basique, un ulti. Exactement. Ça, il faut séparer. Donc, on peut se mettre genre là, tu vois. Hop, voilà, parfait. Voilà, et on jouera nos cartes ici. Et puis, merci. Et ben, on va se régaler. Et donc, du coup, dans mes cartes, en plus d'avoir de l'or classique, donc, il y a or classique, plus rubis, ça, c'était classique. Mm-hmm. Et ça, j'imagine que c'est que pour le guerrier. Exactement. Alors, j'ai la hache de lancer. Qui mettra deux blessures, et si jouer cette carte vous permet d'atteindre 7 combats ou plus, piocher une carte. On a envie d'avoir 7 combats ou plus. On a un porteur de bouclier qui est mon péon, en fait. Hein. Il ne fait rien, sauf qu'il a garde 3, donc il me permet de tanker. Et on a l'épée longue, qui met quand même 3 dégâts dans la gueule d'un man. Ok. Est-ce qu'on est good ? On est pas mal, hein. On est pas mal. Y a-t-il des gens dans le chat qui ne connaissent pas du tout Hero Realms ? Il y en a quelqu'un qui vont répondre oui, ce qui va me donner la main pour faire un rapide rappel de c'est quoi le jeu. Sinon, tu considères que sur YouTube, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Hero Realms, quoi qu'il arrive, et boum. Ouais, c'est pas faux. Si tu voulais le faire. Ouais, il y en a qui connaissent pas. Alors, je vous le fais très court. Hero Realms, c'est un jeu de deck building. Ça veut dire qu'on démarre avec 10 cartes dans la main qui sont normalement dans le jeu de base identiques à celles de notre adversaire. Normalement, c'est un jeu de 1v1. Je devrais jouer contre Rophelos. Avec ces 10 cartes de base, en gros, tu t'en prends 5, d'accord ? Tu les joues devant toi. En fait, en fonction des symboles que tu as dessus, je vais les mettre ici. En fonction des symboles que tu as dessus, si c'est des symboles rouges, en gros, c'est des dégâts que tu vas infliger à ton adversaire. Si c'est des symboles jaunes, c'est de l'or qui va te servir à acheter de nouvelles cartes au marché. Les cartes au marché sont celles qui sont en haut de l'écran, d'accord ? Au fur et à mesure du jeu, du coup, tu vas infliger des dégâts, acheter des cartes. Infliger des dégâts, acheter des cartes. Et en fait, ces cartes, quand tu les achètes, tu les mets dans ta défausse. Et quand ta pioche est vide, tu prends ta défausse et tu la remélanges. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu remélanges ta défausse, ton deck devient plus puissant. Et tu vas comme ça faire du deck building pour arriver à un deck qui est relativement puissant et qui fait qu'à chaque tour, tu vas finir par sortir des cartes super puissantes qui vont défoncer ton adversaire. Le gagnant étant celui qui met l'adversaire à 0 point de vie. Ça, c'est la base du jeu. Pour le jeu de base, si vous voulez en découvrir plus, vous allez sur YouTube. Il y a une vidéo où on joue à Hero Realms, où on explique tous les détails. Vous découvrirez tout là-bas. Maintenant, on va s'intéresser du coup à la ruine de Tandar, qui est donc son deck de campagne, où cette fois-ci, on va jouer en coopération. Je vais donc jouer en coop avec Rophelos. On est ensemble contre le deck du maître. Le deck du maître, il est ici. On a toujours un marché qui va nous permettre d'acheter des cartes. On a le deck du maître qui, en fait, va... ce que je vais faire, je crois... c'est que le maître, je vais le mettre genre au centre. Voilà, genre comme ça. Là, on est contre les habitués possédés. Exactement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va constituer le deck du maître. J'avais fait exprès de mettre ces cartes-là côte à côte, j'expliquerai pourquoi après. Tu vois, en fait, le deck du maître, des fois, il va mettre des cartes de ton côté, de mon côté, ou des fois, ça va être commun. Voilà, on va faire un petit peu notre sauce. Et on va devoir un petit peu les fumer comme ça. Quelles sont les particularités de la ruine de Tandar par rapport au jeu classique ? Effectivement, comme on est en coopération, on va pouvoir s'entraider. Globalement, un tour de jeu, c'est toujours... donc c'est moi qui vais commencer. C'est le tour du maître, puis le tour du joueur. D'accord. Après, c'est à toi de jouer. C'est avec toi le joueur actif. Et ça va être le tour du maître, puis ton tour. Puis moi, puis toi, puis moi, puis toi. En fait, lui, il joue tout le temps entre nous deux. Ce système-là, qui est pris dans tous les deck building coopératifs, il me semble, permet notamment d'équilibrer que vous soyez 1 ou 5. De toute façon, il jouera à chaque fois entre les tours. Donc. Exactement. Donc, ça, c'est la base. Le méchant, le gentil, le méchant, le gentil, le méchant, le gentil. Ok. Le fait de changer de joueur permet juste, en fait, de changer de joueur actif et du coup, de jouer des choses un petit peu différemment. Maintenant, quelles sont les choses qui changent pour les joueurs par rapport au jeu de base ? Il y a deux choses qui changent pour les joueurs par rapport au jeu de base. Allez, je vais dire trois. La première, c'est l'attaque. Pourquoi ? Parce que de base, tu vas juste attaquer ton adversaire. Et juste s'il y a des champions qui ont la capacité garde, eh bien, tu dois buter les gardes avant d'accéder soit aux autres champions qui n'ont pas garde, soit aux joueurs. Ça, c'est la base. Ici, l'ordre de priorité, il va être de dire je dois d'abord attaquer les adversaires qui sont devant moi, dans ma zone de jeu. D'accord, d'accord.
une fois que j'ai plus personne dans ma zone de jeu, j'ai le droit d'aider mes potes, okay, si je le souhaite, en attaquant les champions qui sont dans leur zone de jeu à eux, ou d'attaquer le maître, ouais, s'il n'a pas lui-même de garde devant lui. D'accord. Donc c'est d'abord les miens, puis si je le souhaite, n'importe quel autre. Mais si je veux attaquer l'ennemi, il faut qu'il n'y ait pas de garde devant lui. Ça veut dire qu'il peut y avoir des créatures, des... Ça s'appelle les créatures, des serviteurs. Des serviteurs. De ton côté, de mon côté, ou de c'est son ça côté. Alors, si je ne dis pas de bêtises, les serviteurs qui sont neutres, on va dire, ils sont, ouais, ni devant toi ni devant moi, sont des serviteurs élites, c'est-à-dire, d'accord, qu'ils attaquent tout le monde. Ah, pas trop bien. Voilà. Donc, tu as plutôt envie de leur péter la gueule. Ok. Ça, c'est la base. Tu as également le heal qui change. Normalement, tu te heal que toi. Là, ici, j'ai le droit de heal les mecs à ma gauche ou à ma droite. Si vous jouez à 5, ça peut avoir un intérêt. La seule contrainte du heal, déjà, c'est que tu ne peux heal que le mec à ta gauche ou à ta droite. Okay. Et que tu dois donner tout le heal. C'est-à-dire, tu ne peux pas le répartir. D'accord. Soit tu te heal toi entièrement, soit tu donnes tout à ton voisin de gauche, soit tout à ton voisin de droite. Mais tu ne peux pas choisir à qui tu donnes un petit peu, machin. Attends, tu ne peux pas répartir pour chaque carte? Non, tu peux pas répartir pour l'ensemble du heal que tu donnes. L'ensemble du heal que tu donnes. Tu me mets un doute. Mais il me semble... En fait, quand tu joues des cartes, tu crées un pool de heal. En fait, pour l'instant, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait dans Shards. D'ailleurs, c'est pas déconnant. Je crois qu'il y a, ouais, un auteur qui est... Voilà. Je vais vérifier parce que tu me mets le doute. Ça me paraît très bizarre, mais... Mais il y a ça. Derrière ça... Ouais, tu veux vérifier, vas-y, c'est vas-y, dans le livret de règles. Okay. Vas-y. Et le dernier truc qui change, c'est le comportement... des monstres, enfin du maître. Lui, en fait, quand il va activer ses différentes créatures, il va gagner justement des points de combat comme ça. Mm-hmm. En fait, quand il va vouloir utiliser ses points de combat, sa règle de priorité est la suivante. Et là, je vais essayer de pas me tromper. D'abord, il va vouloir tuer tous les champions qui ont garde. Et il va commencer par ceux qui ont le plus de points de vie. Il va essayer de tuer les plus gros champions garde. Puis, il va tuer comme ça tous les champions garde qui ont de moins en moins de vie. Quand il n'y a plus de champions garde, sa priorité suivante, c'est de tuer un des joueurs. S'il n'a pas assez de points de dégâts pour tuer un des joueurs, alors il essaye de tuer les champions qui n'ont pas la capacité garde. Et s'il n'y a plus de champions garde et plus de champions du tout, eh bien, il met le reste des dégâts dans un joueur. Ou s'il reste... des champions qui n'ont pas la fonction garde et qu'il lui reste lui quelques dégâts mais pas assez pour tuer un garde, ouais, eh bien il met l'excédent dans la gueule du joueur. Il joue en gros de façon optimale. Intelligente. Intelligente, oui, tout à fait. Juste un truc. Ils appellent ça l'attaque maligne. Quand tu dis un joueur, c'est forcément le joueur actif. Joueur actif. D'accord. Donc je viens de vérifier. C'est normal que tu aies... pu mal comprendre parce que c'est lorsque vous générez de la santé blablabla, mais c'est dès que t'as une carte, c'est par carte, ça c'est par carte. Ok, effectivement par carte c'est tout, ouais. Je crois que j'ai tout dit, franchement le jeu est relativement simple. Maintenant le seul truc qui reste à comprendre, parce qu'en fait la phase de joueur elle se joue comme une partie d'Heroines classique, à part cette règle de priorité que j'ai expliqué. Maintenant le truc qui va être intéressant de savoir, c'est comment fonctionne le deck adverse, qu'est-ce qui se passe quand les cartes sont jouées, et comment on le constitue. Et ça, je vais le faire avec vous, comme ça vous allez découvrir ce qui se passe. Il me faut le livre d'aventure, et on va voir ça ensemble. Donc chapitre 1, tu as un système de mise en place, où justement ils vont t'expliquer qu'on va se battre contre les habitués possédés, d'accord, qui sont ici. Donc rapidement, le lore, c'est vous arrivez dans une taverne, vous vous rendez compte que la taverne, elle est sous l'emprise d'un enchantement, et que du coup, tout le monde pète des câbles et veut se taper dessus. Vous n'êtes pas sous l'emprise de cet enchantement, vous ne savez pas pourquoi. Des boss, tout simplement, n'est pas des PNJ. Nous sommes des boss, exactement. Donc vous mettez la grande carte habitué possédé sur le niveau 1. Alors je vais zoomer sur cette carte pour que vous puissiez comprendre comment elle se lit. Donc on va aller dessus comme ceci. Juste. Ouais. Et je vais aller là-dessus. Hop là, pardon. Donc comment ça se lit ? Habitué possédé, il est là. Comment on lit une carte de boss ? Il y a donc le nom de la carte, en dessous vous voyez sa santé de départ, ici vous voyez le niveau de la carte, elle est niveau 1 pour le moment, puisque au bout d'un moment dans le jeu, elle va passer... Non. Oh là là, le spoil. Elle sera plus forte. Quand est-ce qu'elle passe niveau 2? Quand vous avez 3 cartes maîtrise qui sont en dessous, parce qu'il y a 3 symboles en dessous du niveau 1. Les cartes maîtrise sont les cartes qui ressemblent à ça. Qui vont être dans le deck. Qui vont être dans le deck.
exactement. Quand on va les tirer, on va faire elles font rien, mais du coup on les met en dessous. Ça, ça indique combien de cartes il tire à chaque fois qu'il joue. Pour le moment, une, mais évidemment, quand il va évoluer. Oh, aïe, 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 aïe. Ça va être plus chiant. Et ça, c'est les effets que l'on va faire en fonction de la couleur qui se trouve en haut à droite de la carte, en haut à gauche de la carte. D'accord. Par exemple, si c'est jaune, eh bien, vous allez faire l'effet qui est jaune. Donc là, et là, tu vas me dire, ah, mais si c'est blanc. Bah oui. Comment on fait ? Eh bien, en fait, chaque monstre a une capacité favorite. Ici, la capacité favorite, c'est la rouge, puisqu'il y a des petites étoiles autour. Donc, par défaut, il prendra le rouge. Sauf qu'en fait, peut changer. Quand tu évolues, ça devient le bleu. C'est fais voir un truc. Bleu qui est plus puissant. Moi, j'aime bien le côté un peu Rick Fantasy, là. Je le répète, mais le coup de la taverne et on se tape, ça me va. C'est simple, efficace. C'est clairement dans mon style. Ok. Donc, la mise en place, c'est à peu près tout. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment on constitue le deck. Je t'explique pourquoi. Hop, 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 hop. J'aimerais enlever ça parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir que on va du coup mettre le deck de base, c'est-à-dire toutes les cartes maîtrises, on a 5 de chaque couleur, plus toutes les cartes départ. En bas à gauche des cartes, il y a un petit dé qui t'indique que c'est les cartes de départ. Mais parce qu'on n'est que 2 joueurs, nous allons enlever 9 cartes de ce deck. Au hasard ? Il me semble. Je vérifie dans les règles. C'est au début. Enfin oui, c'est au hasard, mais je crois que c'est 9 cartes. Au tout début, ça a été écrit celle d'après. Alors, autour de la table. 9 cartes. Ouais. À un joueur, tu retires 12. Si vous êtes 5, vous retirez rien, et après, vous en tirez 3 par joueur. D'accord. C'est ça le principe. 3 par joueur en moins. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me retrouve avec 4 cartes. Tire 12, il ne te reste plus grand chose. Ah bah ouais, il t'en reste une. simplement. Donc, de ce deck de départ, on va y ajouter les cartes avec un petit 1 en dessous. Et là, on les met toutes. On ajoute les cartes de maîtrise, sauf que les cartes de maîtrise, on veut qu'elles soient réparties le mieux possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, mon brof ? On stack le deck, en fait. Oui, c'est ça, tu sais. Par exemple, si vous jouez le premier affrontement à 5 joueurs. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va faire ceci. On va mélanger. Encore, okay. C'est la mise en place est un peu plus longue, mais en même temps, elle que je compare à Shards hein, qui a aussi proposé un autre truc qu'on avait fait la dernière fois. Mais du coup, ça a l'air un peu plus chiadé, j'allais dire. Voilà, maintenant on va faire 5 paquets. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Je crois qu'il faut les mettre au centre, quand il y en a trop. Et là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va prendre ces cartes maîtrises, on va les mélanger, et qu'on va en mettre une sur chaque paquet. Ensuite, on mélange ces paquets indépendamment. On ne sait pas trop où elle est. On peut être sûr qu'elle est dans la deuxième carte. Ok. Ça répartit un petit peu l'arrivée des cartes maîtrises. Et voilà. Et ensuite, on va stacker du coup ce paquet sans le remélanger. En le prenant bien dans l'ordre, comme ceci. Et nous avons ici le paquet. Pas mal. Mais tu vois, rien qu'en faisant ça, je pense qu'il aurait fallu les sliver. Tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En tout cas, on utilise, nous, parce qu'on va forcément nous poser la question, des sleeves Katana Ultimate Guard qui sont en TLDR, chers, mais très bien. Exactement. Moi j'ai tout dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les t'y pars. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon pour moi. On y va. Alors, je regarde un petit peu comment sont les cartes, on va mettre, on va se démerder. Tiens, je vais mettre le... On va mettre ça là. Ah oui, ça c'est la carte basique qu'on peut acheter, c'est ça ? C'est ça, tu peux tout le temps acheter. C'est la carte décevante. J'ai une de feu qui te donne 2, ou alors tu la sac pour avoir 3. Décevant, mais parfois ça peut aider. Je commence ? Vas-y, champion. Alors, je vais juste vérifier oui. Dans le chat avant qu'on commence. Parce que j'ai expliqué les règles et tout machin, mais on est bon ? Le son, la musique, machin, tout ça ? Le volume de Rof, le mien ? En général, il ira à l'avant, mais. C'est ça, ce que je me dis. Je pense que. Enfin, tu vois.
Je disais quoi ? Donc là, on est d'accord que c'est d'abord lui qui va jouer. Oui. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Vous pouvez changer le niveau de difficulté de cette manière. En gros, là, on va jouer au niveau qui est dit vétéran. D'accord ? C'est le mode difficile. C'est-à-dire, dès le début, l'ennemi joue, puis je joue, l'ennemi joue, puis tu joues. Il a un tour d'avance. Ensuite, tu as la version intermédiaire, ouais. Où en gros, le premier tour, l'ennemi ne joue pas. D'accord. Ni pour moi, ni pour toi. Ah oui. On a un tour d'avance. Deux tours même. Le mode facile, c'est on a un tour d'avance, mais en plus, on ne met pas les cartes maîtrises dans le deck. Donc en gros, il restera au niveau 1. C'est le mode facile. Ah oui, d'accord. Et le mode très difficile, ah. C'est tu laisses. Je dis pas de bêtises. Tu joues jamais. C'est toi qui ne joue pas pendant le premier tour. Donc il a un tour. Ça veut dire qu'il joue. L'ennemi joue un tour, puis l'ennemi rejoue un tour, puis l'ennemi rejoue un tour, et ensuite c'est à toi qui joue. Il te reste deux points de vie et tu peux commencer à jouer. Voilà. Ok, moi c'est bien, vétéran, c'est ce que j'aurais. Et en gros, ils expliquent que le défi ultime du jeu, c'est de réussir. Parce qu'en fait, il y a des variantes dans le jeu. Et en fait, on peut jouer. Sans être vraiment ensemble. C'est un peu en mode... On essaie de fumer le mec, mais en même temps, on s'entraide pas, tu vois. Ok. Et donc, c'est de faire en très difficile, sans s'entraider et tout, machin. Quand c'est... tu dis s'entraider, on est d'accord que la seule façon de s'entraider... Parce que heal, les deux on façons peut pas de attaquer c'est le... healer et attaquer les autres. Okay. Ouais, c'est ça. Avant que les gens nous posent la question, on va se demander pourquoi tu as du vernis ici. C'est pas du vernis. C'est à cause de Genius. Ouais, il m'a mis un coup de raquette de padel dans le doigt il y a quelques semaines, maintenant. Ouais, non, il y a une... Non, 10 jours peut-être. Ouais, il y a un moment. Et ça faisait très mal. Maintenant, c'est juste moche, mais ça fait plus mal. Donc voilà, c'est juste moche. Non, mais ça va partir. C'est hein, pas toi. Moche, c'est différent. C'est... Parle pas comme ça des gens qui mettent du vernis. Allons-y. On est tipar. Ah oui, le dé. Faut lancer le dé. C'est vrai. C'est pourquoi vrai. Bon, je t'ai eu, je suis content. Je dis pourquoi. Allez, c'est parti. Vas-y. Une seule carte. Donc là, il est sur ta gueule. Il est sur ma gueule. Bam. Ivrogne belliqueux. Ah ouais. Je suis extrêmement déçu. Il est inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ivrogne belliqueux, il est inconscient. Les joueurs adjacents infligent au serviteur le double de dégâts. Bah voilà. Les joueurs adjacents. C'est-à-dire que si c'est toi qui le tapes, tu lui fais plus mal. Adjacent, c'est pas toi ? Bah. Oui. Sinon, s'il n'était pas devant moi, ce serait un serviteur, élite, ouais. Et du coup, il serait neutre. Donc là, il est devant moi donc et en fait, je lui fume sa merde. Ça encourage à ce que je lui tape dans le dos, quoi, c'est ça le exactement. Il est en train de se battre, mais il est un peu bourré. Et moi, j'arrive derrière et bam. Exactement, il est un peu avec tout mon courage, et voilà. Je le tape dans le dos. En fait, tu vas voir que toutes les cartes de l'ennemi, elles ont des effets d'activation comme ça. En fait, à chaque fois, il va les incliner pour ajouter 4 de dégâts et nous fumer nos nerfs et machin. Voilà. Est-ce que du coup, c'est ce qu'il fait tout de suite ? Il ne le fait pas tout de suite, oh, parce qu'avant de faire ça, on va d'abord faire l'effet vert qui est d'accord. En haut. Tu on commence par ça. En premier, ça. Deux points donc, de vie. Deux et défaussez-vous d'une carte. Donc, alors, je suis un petit peu déçu. Non, du coup, pas deux points de vie, j'ai n'importe quoi, deux points de vie. Ça. Oui, en fait, si là il avait gagné deux points de vie, on est d'accord qu'il reste à, il reste à 50, on peut pas aller au-dessus de notre nombre max, il me semble. Pas sûr, je sais pas. Pas sûr. Ok, et donc là, en fait, ce que tu as, c'est tu prends deux et tu te défausses d'une carte, tu n'as pas. De champion, donc tu vas juste prendre dans ta bouche. Deux dans ma mère. Voilà, et tu défausses. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il prend une main. Il prend une main. Parce qu'on est d'accord que défausser d'une carte, si c'est si, parmi c'est, ce que j'ai. C'est toi qui choisis. Défausser d'une carte, oui, si on aurait été écrit au hasard. En mode sans entraîne, on n'attaque pas les ennemis des autres, ouais, visiblement. Mais là, on va faire le mode vétéran avec entraîne. Je trouve que c'est le truc parfait pour vous montrer. Bon, on va enlever une pièce d'or. Est-ce qu'on veut vraiment enlever aussi on enlever une pièce d'or parce que dans le marché en plus il n'y a rien qui coûte 2, donc ça dégage. Ma défausse, j'aime pas quand c'est le bordel. Comment ça, il n'y a rien qui coûte 2 ? T'avais que 2 à prendre ? T'as que. Dans ma main, j'ai. Ah, il y a rien qui coûte. Ah, il y a un truc à 3. Parce que en fait, c'était ça. Le pire truc, c'est si jamais t'avais 2 et que tu virais 1, c'est comme si tu défaussais 2 puisque du coup tu pouvais même pas acheter la gemme. Bref, réfléchis bien. Est-ce que tu veux ce pot de vin ? Je vais enlever ça, je vais garder la pièce d'or. J'ai enlevé les dégâts. Donc il m'a défaussé une carte, il est relou. Et ensuite, l'ivrogne belliqueux, va pouvoir me fumer ma mère. Voilà, et du coup, va m'infliger 4, car je n'ai pas de champion. Je suis déçu. C'est à moi de jouer. J'ai... Donc là, il se mobilise. Ouais. Ok. 3 pièces d'or. D'accord.
Donc avec ces 3 pièces d'or, je vais pouvoir acheter effectivement ceci. Avec ça, acheter. On refill de base, hein, je crois, dans le jeu. Et je vais poser un chat. Ouh, le familier chat. C'est pas tant rond. Donc lui, je peux l'activer à tous les tours. Il a que 2 points de vie. Il n'a pas la fonction garde. Garde, c'est des boucliers noirs. Il n'y a pas de bouclier sur lui, le man. Voilà. Et par contre, à chaque tour, je peux choisir s'il me donne un de dégâts, un de pièce d'or ou un de heal. C'est bien. C'est un bon familier. C'est un bon pote. Tu veux, là. Parce qu'en fait, on aurait même pu prendre le truc à 4, en fait. Pas faux. Trop tard. Comme tu veux. Trop tard. Je me heal. Alors attends, est-ce que tu veux pas... Non, parce que là, il faut que tu payes 2 pour pouvoir piocher une carte. Alors en vrai, c'est pas trop tard, parce qu'en fait, ça ne changerait rien. Donc, je vais faire ça. Ouais. Ça ne changerait rien, ça aurait été quand même cette carte-là qui serait venue. Juste... Regardez, pour les plus maniaques d'entre vous, ça aurait fait ça. Je suis très content. Tour 1, un premier off-back, ça me va très bien, je suis dans mon élément. Voilà, j'ai terminé mon tour. En fait, lui, je peux... il faut que j'ai 4 de dégâts pour le tuer. Si j'ai pas 4 de dégâts, on retient pas les dégâts. Oui, c'est donc, ça, y a pas de s'il y a pas 4 de dégâts, bah il reste et on est baisé. Donc là, j'aimerais bien que tu lui mettes 2 dans sa mère pour qu'il meure. Attends, je suis un guerrier ou je suis pas un guerrier? Juste un truc. Oui. Si jamais j'avais par exemple 5 de dégâts à mettre, on est d'accord, ouais. Je peux mettre 4 et 1 sur l'autre. On peut les répartir les dégâts pour le coup. Oui. Oui, tout à fait. Ok. Eh bien, je te propose de me fumer ma race grâce à une maîtrise. Oui, une maîtrise qu'on va... Alors, on va faire l'effet blanc, donc indiqué ici. 3. Donc, tu prends 3 dégâts. Et ensuite, on va mettre la maîtrise comme ceci. Voilà. Et du coup, quand on a 3 logos comme ceci, eh bien, passe niveau 2. Est-ce que c'est tout à toi ce d'attaquer. Fait ce tour-ci, du coup? Ah ouais. D'accord. Et donc, ce truc-là, comme c'est pas toi, il t'attaque pas tant que c'est pas ton tour. Il est devant moi. Donc Ok, donc je peux jouer mon tour normal. Exactement. Et bien, c'est parti. J'ai 1, 2, 3... Attends, je sais pas où je vise. 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai 3 de dégâts. Donc je vais commencer, parce que je suis quelqu'un de très sympa, par mettre 2 dégâts sur lui. Merci. Il est donc mort. Puisqu'il prend le double dégâts adjacent, et du coup je peux mettre 3 dégâts sur la face de l'habitué possédé. Enfin, sur les habitués possédés. Et avec 5, eh bien, je vais acheter la carte à 5 qui s'appelle Sombre Récompense. Qui est une action qui me rapportera 3 pièces d'or. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Ah, ok. Dans ce jeu, le sacrifice, c'est le bannissement, c'est ça? Le sacrifice, c'est le bannissement. Je vais vérifier. Je pense que oui, puisque sinon, il n'y a pas vraiment de raison de sacrifier. En fait, c'est sûr. C'est sûr, mais... même pas dire des bêtises dans cette émission. On préfère se corriger. J'apprécie beaucoup cette carte tour 1. Tout ça, ça va dans ma défausse. Comment ça, il y a un dégât sur le maître? Attendez, parce que... Les gars, on baisse un peu dans ton. Pourquoi il y a un dégât sur le maître? Ils ont non, parce que t'as dit 5. Pourquoi? J'ai commencé à tricher. Tout à fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête je mettais 5. Parce qu'en fait, comme ça mettait le double, en gros, là je mets 2 dégâts. Parce que t'avais combien de dégâts en tout? 3. Ah oui, d'accord. Ok, heureusement que vous êtes là, le chat. Ça va, les gars. Oh la vache. Commencez pas, là. Putain. Effectivement, sacrifier, c'est mettre à la poubelle. Tu vois, on a déjà une escroquerie, c'est vrai. Mais ok, bon. On refill. Bah, c'est un peu le problème entre guillemets des jeux coop. Moi j'aime bien, on avait fait pas mal des jeux coop en deck building, mais en fait tout le truc ça va être de regarder un peu pendant ce que fait l'autre pour ne pas que ce soit trop simple, parce que souvent on fait des erreurs qui nous avantagent sans forcément le vouloir. C'est à toi de jouer, mon cher Max, donc c'est d'abord à lui. Attends, est-ce que le fait que j'ai tué un de ces mans, j'ai pas un petit bonus? Parce que c'était le cas dans Shards, je crois. Eh bien, je crois pas. En fait, quel bonus tu veux obtenir? Je sais pas, donne-moi quelque chose, donne-moi de l'argent, donne-moi des points de vie, donne-moi... J'ai pas souvenir, franchement, je viens de lire... J'ai relu les règles avant l'émission. Et t'as rien si vu. J'oublie des trucs, et franchement, ça me dit rien. Rien je à crois voir. Que juste, merci à toi. Quoi. Et c'est déjà pas mal. Y a pas, bah... Ouais, y a pas, il me semble. Mec, je vais te regarder maintenant que la F1 est finie, et je vais remplacer un Max pour un autre. Ah, c'est Verstappen qui a gagné? Eh bien, GG à lui. Ma part, l'un des meilleurs jeux de deck building en coop, ça reste Yanzen. Max. Yanzen, en fait, il est chiant à mettre en place, il est un peu bizarre, mais ça reste un jeu qui est très très difficile. Je suis un peu mécontent de ce qui vient de se passer, puisque je tombe sur un tavernier forcené. Ah bah ouais, mais bon. Voilà, c'est le même, juste 2 fois plus puissant que le précédent. Mais c'est littéralement le même, et du coup, il va me faire faire même la même chose, c'est-à-dire qu'il va me faire défausser une carte. Comment ça va être chiant, tous ces cons? Si je peux me permettre.
Bah après, c'est ce qu'on veut d'un jeu de deck building, c'est que, enfin, d'un jeu de deck building coop, c'est que ça, qu'il y ait du, comment ça, du défi, quoi. Et effectivement, au départ, en fait, comme au départ, on est des merdes avec nos cartes, généralement, tu prends un peu cher, tu dis, mais attends, c'est pas possible, je vais jamais pouvoir m'en sortir. Et après, tu as un mid-game où tu commences à devenir un peu even, et puis après, à la fin, tu le fumes. J'ai donc jeté une petite carte. On va donc se faire fumer. J'ai peur que ton chat prenne très cher. Ah bah oui, d'ailleurs, c'est lui qui prend. Ah mais non, il n'a pas... Si, il peut le tuer, donc il le tue. Alors, là, il d'abord le tue, les gardes. Là, il le tue avec ça. Ouais. D'accord. Donc déjà, le chat, miaou. Le chat, miaou. D'ailleurs, c'est son lore. Le lore de la carte, c'est miaou. Le texte d'ambiance. Ouais. Reste le tavernier forcené qui s'active et me met 8 dans ma grosse main. Ouais, je sais pas ce que tu lui as fait là, mais. Payer la note. Ça se passe assez mal pour moi. Je vais pas vous mentir. Alors bougez pas. Je crois que c'est mieux. Je vais quand même, cela dit, rien faire. Il faut se rappeler qu'on a ça. Hein. Je sais pas si ça me coûte 2 gold. Piocher une carte. En fait, c'est une carte. Piocher des cartes, c'est surtout bien quand ton deck commence à être bien là. Tu vois, là, pour le moment, je m'en fous un peu. Vas-y, achète. Juste, tu peux pas acheter, peut-être acheter. Ouais, non. Non, par contre, je peux lui mettre 2 dégâts. Parce qu'il n'a pas garde. Ah, lui. Lui. Oui, super. Faux, je triche. En fait, je dois d'abord me débarrasser des mecs qui sont devant moi. Lui, il est chez moi. Ah, il a deux bases, une sorte de garde. T'es sûr de ça? Tant qu'il y a des mecs dans ma zone, je peux pas aller attaquer le maître. Donc je triche. 8 de... Là, 2, ça ne sert à rien. 8 de défense, bonjour. Oui, mais il faut que tu lui mettes 4. C'est à toi de le tuer. Ah ouais, mais gros... En fait, c'est moi qui prends, mais c'est à toi de le tuer. Moi, lui mettre 8, ça prend 1000 ans, alors que toi, lui mettre 4, c'est jouable. Je compte sur toi. T'es un guerrier ou t'es pas un guerrier? En fait, je peux sacrifier mon tour pour te sauver, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Ah, je pense que oui. Oui. Derrière ça, je vais gentiment avoir... La prochaine action où vous faites l'acquisition, ce tour-ci, coûte 1 de moins. Et ça me donne une pièce d'or. Plus 2 pièces d'or. Donc j'ai 3 pièces d'or. 4 si c'est une action. Il n'y a rien à 4. Je vais acheter un truc à 3. Ouais. Si. Sauf que si c'est une action, elle coûte 2. Ouais. Et donc il y a un moment où je peux prendre ça plus ça là-bas. Non, parce que ça c'est un objet. Attends. S'en fout. Là t'as 4 potentiellement. Oui. Si t'achètes ça, en gros tu le payes. Ah, ça me coûtera 2, il me restera qu'un. Le truc que tu peux avoir, c'est éventuellement une carte à 1 ici. T'as raison, je suis une merde. Du coup, est-ce que je préfère pas juste prendre un truc à 3 en fait, c'est pas ça. C'est qu'effectivement, là, t'as le choix entre ça et ça. Oui, voilà, j'ai le choix entre ça et ça. Le seul truc que je préfère avoir ça. Tu préfères avoir ça? Le bandit des rues? Oui et non, parce qu'après, moi j'ai un mage et mon mage, il est plutôt jouer des actions. Avoir 3 thunes au départ. Allez, tu m'as convaincu. Et en plus, regarde, la carte à 1 qui arrive tout de suite. Vas-y. Pam, exceptionnel. Voilà, c'est pas grave. En vrai, ça me convient. Je vais partir sur ça. Let's go. Fin. Ouais, en fait, je peux infliger 4 dégâts, mais je préfère le faire sur un de tes mecs à toi, quoi. Donc, allons-y. Allons-y, c'est à toi. Moi, je me prends un disciple de Ruinos. Qu'est-ce qu'il me dit? Il met 3 blessures. Bon, il est, pour le coup, je veux bien le prendre. Ça me dérange pas. Il est pas terrible par rapport à ton gros là. Par contre, c'est du bleu, donc ça me met 1 et assommer votre champion ayant la défense. T'as pas de champion. Bravo. Assommer, c'est tu le mets à la poubelle, ça. Oui, donc, c'est défaussé, ouais. Je tank merveilleusement bien. Il me met 3. 1, 2, 3. C'est comme ça. Et c'est à moi de jouer. Cela dit, t'as vu la fonction bleue, là? Les fonctions là, en fait, ça fait sur tout le monde. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas de champion. Je crois que si j'avais un champion, il m'aurait tué le mien. Non, je pense pas, parce que défaussez-vous d'une carte, c'est que le joueur actif. Je pense que c'est que le joueur actif. C'est bien vu. T'as sûrement raison. Le joueur actif, c'est déjà fort. À moi de jouer. Donc, bon, bah, là, je sens qu'il y a un sorcier qui appelle à l'aide. Je vais devoir. Ouais, je veux bien, parce que là, 8 dans ma gueule, ça, je vais pas durer longtemps. Hein. Par contre, ça me bute un tour, quoi. Bah ouais, bah. Tu veux buter alors, je toute la partie avoir ou... un truc à 3, ouais, mais en fait, c'est on va si perdre. Je fais pas maintenant, non, on a perdu. Donc, je vais faire une âge de lancer. Mm-hmm. Voilà. Et je vais. Après, il y a un monde où je fais ça. 9 dégâts, c'est beaucoup. Répartis entre les serviteurs dans votre zone. C'est ouais, plus non. Ça, en fait. Ouais, façon, je peux pas avoir. Bon, allez, 2 dégâts, et du coup, je sacrifie. Ça me fait chier. 2 ors pour faire cet effet-là, et du coup, avoir 2 plus 2, 4.
Comme il est inconscient, je le tue. Merci. Tu me procures beaucoup de plaisir. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais avec ma pièce? Rien. Ah! Encore une fois, le chat a raison. Tu dois d'abord tuer le mec qui est dans ta zone. T'as pas le droit de toucher au mien tant que t'as pas tué les tiens. C'est pas si facile, ce jeu. Ah, c'est compliqué, là, mec. Voilà. Tu dois d'abord tuer la tienne. C'est compliqué parce qu'en fait... Là, en gros, ça voudrait dire que j'utilise tout mon tour pour buter ce man. Bah, sinon, tu sacrifies ça. C'est overkill, mais ça tue ça. Et derrière, tu me tues ça. Comme ça, il n'y a plus de mec sur le terrain. Allez, tranquille. Je ne vois pas d'autre solution. C'est ça, ou alors, pendant un tour de plus, il me nique ma mère. T'es à combien? T'es à 36? Ça va vite, hein. Parce qu'en fait, si jamais... 3 tours, c'est terminé. Je dis ça, j'essaie de grider un petit peu, parce que avec mes 3 thunes, là, je peux acheter ça. Alors, comment ça se passe, l'adversaire cible défausse une carte? On est d'accord que ça ne sert à rien, du coup. Non. Tu peux défausser une carte au maître. Dans ces cas-là, on regarde la carte qui est sur le dessus de son deck. On choisit si on la met en dessous ou dans la défausse. Ah, ils ont géré ça. C'est bien. En fait, cette carte-là est très forte dans mon jeu. Elle permet de mettre des dégâts. En gros, c'est ça. Est-ce qu'on la joue plutôt, on capitalise sur le fait que grâce à cette carte, je peux en plus pouvoir piocher des cartes avec âge de lancer? En fait, c'est pas compliqué. Pour pouvoir tuer ton mec, il faut que je sacrifie mon super truc. Ouais. Pour tuer juste un mana 3, oui. Et que je pète mon tour. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de te laisser tanker parce que je sens que t'es fort. Allons-y. Et du coup, je vais prendre Malédiction Elfique pour 3. Et du coup, les deux blessures que je mets, bah, ça sert à rien. Oh, la carte à 8. Oh, la carte à 8. Elle, tu la veux. Je pense que c'est le bon moment pour le faire. Je vais du coup faire un porteur de bouclier qui du coup ne sert que à me prendre. Bah, enfin, bah, juste à tanker, quoi, ouais. Quoi. Et tout ça, ça va être dans ma défausse. C'est reparti. T'as pris les dégâts, là? Oui. Ok. Chat? Ouais, hein, sûr. En fait, mec, j'ai eu ça au tour d'avant. J'ai rien pris. Et là, j'ai déjà pris 7. Ok, ça va. C'est à mon tour. Donc, hop. Oh! Deuxième maîtrise, et on fait l'effet bleu. Je prends donc un, et je perds un champion. Heureusement, j'en ai pas. On est parti. Il m'attaque. Je prends 8 dans ma mère. Tranquille. Tranquille. Une boîte matinale. Après, t'as joué un sorcier en robe aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en robe, voilà. Pas d'autre argument. Pas d'autre argument. Bon, déjà, on va jouer un miaou. Puis 3 pièces d'or. Et 2 dégâts. Bon, les 2 dégâts vont servir à rien parce que je peux pas tuer lui. Ça m'énerve. Mon champion. Soit je fais une pièce d'or, ça me donne 4, mais pour rien acheter. Ça m'intéresse pas. Attends. Soit je me heal de 1. Je crois que je vais me heal de 1, je ne vois pas de meilleure solution. Ou alors, le fait d'avoir 4 pièces d'or, ça me permet pour 2 d'aller acheter une gemme de feu. Attends, et toi. Pour 2 de piocher une carte. Excuse-moi, Max. T'as fait ton truc bleu, c'est ça? Oui. D'accord. Quelqu'un a dit, t'as l'effet vert aussi. Tu prends l'effet vert vu que t'as pas tué le serviteur. Non, putain, non, tu non, 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 non. Ça, c'est quand tu la pioches la carte. C'est que quand tu la pioches. Bah non, bah sinon, on est mort. On est mort tour 2, frère. Oui, je pense aussi. Non, c'est que quand tu la pioches. Je pense que l'effet, à mon avis, il est que quand tu pioches la carte. Enfin, même moi qui j'ai pas eu les règles, mais si c'est le cas, si tu te prends en plus les effets de chaque mec à chaque fois, c'est infâme. Non, mais Shinab, il dit non. Shinab, on va aller vérifier. Attends. Tu es très sûr de toi, Shinab. Si on vérifie que tu as tort. Qu'est-ce qui se passe en bas? Tu prends un time out de 24 heures. 24 heures, mais t'es dur. En plus, c'est un mec qui va nous aider pour les règles. Ouais. Je pense que c'est uniquement la personne. Attends. Il a l'air très sûr de lui et je suis très sûr de moi. Regarde, mais deux têtes. Oh non, Michinab. Tu prends ce pari ou pas? Mais non, le prends pas, gros. De tête. De tête, tu as tort. De tête, déjà, ce serait trop fort. Bon, attends, je vais te dire. Enfin, je vais lire moi au moins, et après tu me dis ce que tu veux en faire. Le clic, mais le clic est prêt, Michinab. Non, gros, je préfère. Attends, c'est un mec qui a... Ouais, mais quand on te contredit, il faut être sûr de soi, parce que ça casse les couilles. Parce que tu vois, ça coupe le rythme du jeu. Oui, mais au moins on est sûr. Si c'est pour rien, c'est chiant. Alors. Ok.
Résolver la capacité du maître associée à la couleur de ce symbole pour ce tour. Pour ce tour. Il n'y a pas de raison. Schnab. Attends. Le maître de chacun de ses serviteurs dans sa zone. Non, mais il n'y a pas de raison. Non, mais non. Je suis assez sûr de moi. Moi aussi, ça me paraît sûr. Aïe. Schnab, on va dire que. on va dire que c'est ta dernière chance. Il est magnanime. La prochaine fois, ce sera 12h. Bon, allons-y. Qu'est-ce non, ce sera trop fort. Non, ce sera trop fort. Évidemment, tu survis 3 tours et t'es mort. C'est ça, c'est terrible. Déjà, il me met 8 dégâts par tour. C'est déjà, pas mal. Le mec, il a qu'une envie, c'est qu'on crève. Quoi. Bon. Donc je disais, soit j'achète une gemme de feu pour 2 et je pioche une carte. Oui, alors d'accord. Soit je baise ma mère. Comment ça et tu pioches une carte? T'as combien de thunes? Ah, t'as 4, c'est ça? On est d'accord qu'il n'y a pas de truc à 4. Donc la première chose à faire quand c'est comme ça, c'est d'abord tu pioches une carte. Parce qu'il y a de fortes chances que ça te donne du pouvoir d'achat et que tu puisses par exemple acheter le truc à 3. Pas mal. C'est technique, mais... Toujours piocher avant dans un jeu de deck building. La première chose que tu fais, c'est que tu peux piocher. C'est on va donc y aller. Je dépense ça. Ça. Non. Oui. Ça. On se laisse le choix jusqu'au alors bout. Alors tu perds un point de vie. Je perds un point de vie. Et là, la carte. Qui... Alors ça m'intéresse. Ah bon? Oui, parce que regarde, 2 plus 2 ouais. plus 1, ça fait combien? Ça fait 5. Ouais. Plus 4, ça fait 9. Et il est mort. Si t'as pas à t'en occuper. Ouais, c'est pas mal. Et 4 dégâts à chaque maître et serviteur de la zone ciblée. Bon, le problème, c'est que c'est dans ma zone, donc ce sera que lui. Mmh. Ouais, que ce soit dans là. Alors, que ce soit du coup, t'as même pas besoin d'utiliser le chat. C'est vrai. Donc, ça te permet d'acheter un truc à deux. Bien joué. Mmh. Et bon, on va partir là-dessus. Bon, tu fais ta boule de feu, tu craques ta boule de feu maintenant, ouais, t'es sûr. Ouais, m'en bats les en vrai, je peux allez, pas trop t'aider. On s'en fout. Allez, 8 dégâts, il est mort. Ah, ça me fait chier que t'aies à faire ça. Mais c'est pas grave, frérot, c'est fait pour être utilisé des pouvoirs. On n'est pas. Gros, dans les jeux vidéo, à chaque fois, je garde mes potions en me disant ah non, on sait jamais. Et puis à la fin, je termine le jeu, j'ai 180 potions. Non, il faut les utiliser. Donc, t'as buté ton man. D'accord, tu l'as tout mis. Exactement. Et là, il te reste 2 et tu peux. Parce que, attends, t'as fait ce pour 2, je vais aller prendre une gemme. Et on est content. Ok. Mon chat reste là. En vrai, la boule de feu est worth sur un mob à 8. Oui, mais c'est juste qu'au tour d'après, je pouvais me. Tu pouvais sûrement s'en débarrasser. Ah ben mais t'as raison. Tu feras en fait, ça. Que je me banne, mais ouais. Puis, si t'as 8 dégâts, gros, bah mets-les sur lui. Ça sera très bien. C'est à moi de jouer. Je me prends une folie temporaire. Pour chaque joueur. Alors, déjà, on fait le jaune. Donc, les actions, elles viennent, elles font l'effet et elles se cassent. Mais d'abord, on fait le jaune. D'abord, on fait le jaune, il se heal de 2. Ouais. Ensuite, pour chaque joueur adjacent, donc 1. Sacrifier la première carte du deck marché, c'est ça. Mm-hmm. Effectuer une attaque maligne contre chacun de ses joueurs. Attaque avec... maligne, c'est il attaque avec l'ordre que je t'ai cité tout à l'heure. D'accord. Avec autant de dégâts que la thune de la carte sacrifiée. Donc j'ai compris. Donc toi, tu vas prendre 6 dans ta mer. Je suis navré. D'accord. Du coup, tu prends 2 là-dessus, puis 4 sur toi. Exactement. Voilà. Tu reprends 4, mec, hein, j'en suis navré. Et ça, c'est un défaut, ça va. Là, j'ai un truc à. Et pour toi aussi, hein. Attends, pour chaque joueur adjacent, sacrifier la première carte du deck, effectuer une attaque maligne. Pour chaque. Là. Ah, cool! C'est attaquer les autres joueurs que toi. Alors là, j'ai l'impression. Ah, folie temporaire, en fait, c'est toi qui m'as attaqué. C'est ça le lore du truc. J'arrive et je fais pas. Ouais. Tu fais non! Bah, pendant un moment, t'as fait. Hop, tu m'as coupé la gorge, terminé. Donc. Ok, d'accord. Eh bien, j'ai... C'est le mec, il est déjà... mis. 22 PV, je me fais torcher la gorge par mon pote qui était censé m'aider. Mais c'est pas grave, on n'est pas vénère. Au moment où je te fais ça... T'es une merde, en fait. Je vois que tu saignes et je fais « Ah, je suis désolé, j'ai eu une folie temporaire. » Excusez-moi. Bon, ensuite, lui, il me met 3 sur lui. Ouais. Je vois qu'il y a donc, pas... Au revoir le bouclier. Mais c'est bien, ça tank. Il m'a fait tanker. Et c'est à moi de jouer. Régale-toi. On est parti. Tu vois, bon, voilà. Oh, c'est cool, c'est fluide, hein. C'est cool. Putain, j'ai que 2 à mettre, c'est infâme. Bon. Et donc, je crois, j'en parlais avec Rofeos l'autre jour, je crois qu'à choisir, lire le même éditeur les deux, je crois que je préfère le mode campagne d'Hero Realms que de Shards. Shards. Peut-être que c'est un peu plus poussé ici.
Peut-être que si jamais tu dois être un nouveau joueur de deck building, c'est peut-être plus simple de faire du Shards, je sais pas trop. Mais de manière générale, de toute façon, entre Hero Realms Shards et Star Realms, je préfère Hero Realms. Ça ne fait que confirmer. Bref, je vais jouer Sombre Récompense, qui me permet d'ajouter 3 pièces, et ça, ça fait plaisir. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse, ce truc de merde là, ce porteur de bouclier, je vais l'envoyer chier. J'en veux pas. Je suis pas là pour... malheureusement, je ne peux pas faire ce truc là. Ah, il y a ce petit... Ouais, je crois. Ah oui, mais les couleurs. Le petit, avec le 50 à l'envers. Le petit twist de Shards que j'aime bien, c'est le côté des, le truc des mercenaires. Là, tu sais, tu peux recruter directement. Donc là, là, on n'a pas. Voilà. Et ensuite, j'ai donc 3, 4, 5, 6, 7. On est déçus parce qu'à pas beaucoup près, je pouvais acheter le truc à 8. Et en plus, c'est chiant d'avoir 7 parce que... C'est chiant d'avoir 7 parce que si j'avais eu un de plus, j'aurais pu aussi faire un coup d'épaule pour tuer mon mob. Je crois que... Actuellement, mon mob ne me fait pas trop chier. Si j'achète un truc à 6 maintenant, c'est vraiment très fort. Je crois que j'ai envie de grid. Donc soit c'est drain de vie, c'est une action qui me fait 8 de dégâts. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main de votre défausse, c'est trop bien. Et en plus, je pourrais éventuellement piocher. Je peux vraiment sculpter un deck. Soit on a Lys, l'inapparent, qui est un champion. Quand je l'engage, je mets 2 blessures et vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Si vous faites ainsi, gagnez 2 supplémentaires. Ah ouais, en fait, les 2 permettent de... Ah, j'adore ce truc. J'adore cette capa. Il la garde. Ah, j'ai l'impression que lui est mieux. Je prends Lys, l'inapparent. Et je perds. Enfin, j'ai une pièce qui sert à rien, c'est pas grave, j'ai 2 qui servent à rien. Mais je pense que l'acheter. Attends, t'as tout dépensé ? Ouais, il me restait une pièce et 2 dégâts. Ah ! Il y a un truc à 1. Ah ! Alors, j'aime pas acheter des trucs à 1. Ouais, mais c'est mais pas mal. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte, mais surtout mettre 3. Et t'as déjà une carte verte. J'ai une carte verte. Ah, allez, franchement. Tu sais quoi ? Je pense que c'est le destin qui a mis cette étincelle sur mon chemin. Une autre carte à 1. Étincelle est top. Le drain est bien. Ah non, je dis pas que le drain est pas bien, j'ai juste que la créa me permettra de faire ça à chaque tour et en plus de... Enfin, tu as toujours pas tué. Non. Ok. Je décide de tanker avec mes 53 points de vie. À moi de jouer. Chaise et table brisée. Alors c'est un danger. Donc, ça, c'est... Vraiment, je prends tout dans ma merde. Ouais, principe du danger, en gros, c'est qu'il se met sur moi et qu'il reste tant que je n'accomplis pas ce qui est écrit dessus. Ok, cool. Donc là, le danger dit, votre zone est bloquée. Vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas vous soigner, vous ne pouvez soigner ou cibler en dehors de votre zone, pardon. Ah oui, non, c'est ma zone est bloquée, je ne peux que rester dans ma zone. D'accord. Voilà. Et les autres joueurs ne peuvent pas se battre, soigner ou cibler dans votre zone. Donc je suis seul. D'accord. Et toi, tu es avec le mec, ok ? Ok. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Donc tant que je n'ai pas posé un champion et que je ne l'ai pas activé, je ne peux pas retirer ce danger. Donc je suis seul au monde tant que j'ai pas posé un champion réactif. Après, c'est pas pour me dévaluer, mais mon aide pour l'instant n'a pas été de... C'est vrai que t'es une merde. Allez, on y va. Mais surtout que moi, je vais pas pouvoir t'aider. Bon, par contre, on fait l'effet tu bleu. Bleu, ouais. L'effet bleu, assommer votre champion. Bah, super. J'en ai pas. Ayant le truc le plus élevé, mais je prends un. Bon, bon ok, c'est le moins pire. Moi, c'est le moins pire que tu peux prendre. C'est vrai. J'aimerais juste dans le chat si vous pouviez me dire est-ce qu'on peut dépasser les points de vie initiaux. Ah ouais, si vous l'avez, ça m'intéresse aussi. Ouais. Okay. Enfin, notamment moi, je risque de monter plus haut, donc je... c'est surtout pour le mob. Hein, si tu peux. Bon, j'ai toujours pas de champion, donc ce sera pas ce tour-là, donc pour le moment, je reste bloqué. Après, mais oui, tu peux. Oui, on peut. Très bien. La prochaine action dont je fais l'acquisition coûte 1 de moins. Plus j'ai 3 pièces d'or. Plus j'ai 2 pièces d'or. Oh, mais tu vas te gaver là, je le sens. Si vous avez 2 actions ou plus en jeu, piochez une carte. Dommage, j'en ai qu'une. C'est con, hein. Ouais, est-ce qu'il y a un monde où tu pioches pour pouvoir éventuellement avoir une action de plus ? Est-ce que tu sais ce que tu as ? Il y a quand même peu de chance que ce soit une action. C'est vrai que j'ai embrasé. C'est les seules actions que j'ai. C'est vrai ? Donc, 2 chances sur 8. Mais non, là c'est ta défausse. En gros, là il faut que tu saches ce qui te reste. Ah, t'es censé le savoir. Non, ta gueule. Il voulait que je regarde. Quoi ? T'es censé le savoir. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas le faire. Allons-y.
Sur ce, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, potentiellement 7 gold. Pas mal. Pas mal, hein. Parce qu'en plus, tu peux éventuellement prendre ces deux cartes-là. Tu peux, en fait... Je peux. En fait, je peux prendre ça pour 5. Parce que 1 de moins. C'est juste une action. Tu peux même prendre ça. En fait, tu peux prendre ça. Et après, prendre ça ou ça. Tu peux dire, celle-ci me coûte 0. Ouais. Et ensuite, je prends soit ce truc-là, soit ce truc-là. Bah, du coup, j'ai plutôt envie de prendre ça, bah, d'avoir du rouge. Bah, le truc, c'est que moi, j'ai commencé à avoir... T'as envie d'avoir ça, ça, moi, ça, j'ai ça, deux ça. Cartes qui me permettent de sacrifier des cartes de ma main, de ma défausse. Toi, t'en as pas pour le moment. Donc, c'est vrai qu'en avoir, ça peut être vraiment, vraiment très bien. Attends. Fais-les dans un ordre précis. Oui, je pense que c'est ça. Parce que là, c'est peut-être mieux. Mais j'en doute. J'en doute fort, hein. J'en doute fort. Non, 8 dégâts, je prends. 8 dégâts, on prend. Et puis piocher, c'est et bien. On récupère des pots de vin. Donc là, je suis richissime. La zone est toujours bloquée. Ah, par contre, attends. Oui, non, ma zone est bloquée. Je ne peux même pas attaquer. Je suis une salope. Hop. Ouais. C'est là où tu te dis, si t'avais acheté le champion, peut-être que t'aurais... Trop tard. D'accord. Mais j'ai un chat. Il a un chat. Tombe. Il faut que le chat tombe. Si le chat tombe, c'est bon. Ok, moi de jouer. Ivrogne belliqueux. Ah bah tiens, c'est, ça tombe bien que tu sois... donc c'est celui qui met 4. Hein. Donc là, il va déjà me faire un bleu. Est-ce que j'ai un champion ? Non. Je prends donc 1, je passe à 52. Ouais. Puis je prends 7, je passe à 45. Ça arrive. Tout va bien. Maintenant, c'est à toi. Et c'est un monde où le coup écrasant va partir. On va voir. Ah oui. On va voir, parce qu'en fait, j'ai de quoi faire plein de dégâts déjà. Non, ça sert à rien. Puisque je vais mettre 3... Plus faire les sticks katana, je sais pas si c'est jazzy, mais... C'est propre. Donc j'ai 3 de pouvoir d'achat, et j'ai 9 à répartir. Et le fait qu'il se défausse. Donc bah écoute, on va faire ça dans cet endroit-là. Je vais tuer mes deux manes, en leur mettant 4 et 3. Je vais mettre 2 à l'animal. Puis je vais faire donc un scry, c'est ça hein, il se défausse une carte, donc je vais regarder la carte. C'est quoi, on regarde tous les deux la carte? Alors, on la révèle, hop, et on choisit si on la met en dessous ou dans la défausse. Donc ça, ce serait un ivrogne. Quand il a plus de cartes, on mélange à des fausses. Bon. Donc ce sera un ivrogne pour toi. J'ai l'impression que c'est ok par rapport au fait de. Non, en dessous. En dessous ou dans la défausse. Ah. Donc tu choisis si tu l'as dans pas longtemps ou peut-être dans très longtemps. Je crois que comme c'est pas clairement une carte qui est très forte, je la mettrai en dessous. Ça me va. Voilà. Ah oui, donc quoi qu'il arrive, on la défausse. Bah du coup, c'est pas top de faire défausser l'autre. Défausser le boss. Ouais. Bah tu vas avoir plus vite les maîtrises. Bah ouais. Ouais. T'es sûr que t'es après, une fois que les maîtrises sont parties, c'est fini. Une fois qu'il y a 3 maîtrises, il peut plus évoluer. Donc on s'en fout. T'es sûr que je ne peux pas décider de la remettre au-dessus. Franchement, je viens de lire les règles. Frère. Ok, d'accord. Si tu veux, je. Non, mais. Donne-moi le bouquin pendant que tu réfléchis. Si t'es sûr, je vais vérifier. Je vais te lire le passage. Et je serai fier de te dire que j'avais. Je vais acheter pour 3. Soit un bandit des rues, soit un pot de vin. Moi, je préfère très nettement un pot de vin pour gagner de l'argent. Car j'aime l'argent, dirait Monsieur Krabs. Vas-y, je prends le pot de vin. Règle de défausse du maître. Si le maître doit défausser une carte, le joueur actif regarde la première carte du deck de maître, choisit soit de la remettre au-dessus du deck... Tiens. Soit de la placer dans la défausse. C'est un excellent moyen d'éviter que les serviteurs élites ou les dangers majeurs n'arrivent en jeu. T'as raison. Donc on la remet donc au-dessus. Tu la remets bien au-dessus parce que ça on ne pas la mais en fait, au moment où tu m'as dit « Ah, mais du coup, c'est pas bien », j'étais en mode « Putain, t'as raison, c'est débile. » C'est dur. T'as raison. Heureusement okay, que tu es là, ça je me suis va. Une merde. Ça va. Va bien. Repends-toi. Vas-y, mec, c'est à toi. Mais qu'est-ce qu'on va donc avoir? Oh, bah un ivrogne belliqueux. Allons-y. On va se prendre le jaune, c'est-à-dire qu'il se heal de 2. C'est bien. Ça fait une heure qu'on joue. Il non est mais full life. C'est très bien. Parce que de toute façon, c'est pas, on n'est pas encore dans le mid-game où on va lui mettre des dégâts. Là, ce qu'on veut, c'est faire notre deck. Ah, donc je prends la gigabit. Ouais, par contre, alors, qu'est-ce qui se passe si tu meurs? Est-ce que je résiste encore? Est-ce que tu as une vie? Comment ça se passe? Ah, je crois que. En vrai, c'est intéressant parce que genre, à 5, dès qu'il y en a un qui meurt, le groupe part désabusé. Attends, s'il y en a un qui meurt, j'avoue, j'ai oublié. Tu sais quoi? Tu vas faire ton tour et on va. Et après, je vais regarder. Ou alors, peut-être que.
Alors peut-être que je vais mourir maintenant. Du chat vont nous le dire. Oui, je vérifiais quand même. Allez, j'ai mélangé. 1, 2, 3, 4, 5. 3 gold encore. Ah, et là, c'est intéressant parce que j'ai 2 cartes bleues qui vont interagir. Tu aimes les cartes bleues, toi, hein. Mettez la prochaine action dont vous faites l'acquisition ce tour-ci au-dessus de votre deck. Mettez la prochaine carte dont vous faites l'acquisition ce tour-ci au-dessus de votre deck. Et en plus, c'est un champion. Je vais pouvoir l'activer. Faire sauter ça. D'accord. Gagner 2 gold. Alors par contre, est-ce que je peux activer deux fois ça ? D'accord que c'est deux capacités différentes. Mettez la prochaine carte dont vous faites l'acquisition ce tour-ci au-dessus de votre deck. Mettez la prochaine action dont vous faites l'acquisition ce tour-ci. Moi, j'ai l'impression que si jamais la prochaine carte est une action... Ça ? Non, ça fait les deux. En gros, j'ai l'impression... Du coup, peu importe la carte que je prends... Sauf que si jamais tu prends... Oui, d'accord. Créa. Il faut d'abord que je prenne une créa. D'accord, 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 d'accord. Je sais ce que tu veux dire. Bah, ça me paraît être le plus. Ça me paraît être le plus chiant pour nous et donc c'est ce qu'il faut faire. Ah, en plus, regarde. Si vous avez deux actions ou plus en jeu, piochez une carte. C'est un champion. Non, j'ai pas. Oh, embrasé, c'est une action. Nickel. J'ai donc deux actions. Ça, c'est cool ça. Donc, j'ai trois dégâts. Comment je pioche une carte. J'ai. 2 gold, la prochaine action coûte 1 de moins. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gold. Et si c'est une action, elle coûte 1 de moins. Alors là, tu allais tricher. Car ce truc-là, tu l'as utilisé pour tuer le danger. Attends, mais le danger, il te dit pas que t'as pas l'effet. Il te dit... Ah non, 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 non. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Oui. Bah, ça veut pas dire non. Que t'as pas les gold. Si. Ah, c'est ça. Ah bah, j'aurais aucun intérêt, sinon. Non, non, c'est... Ça veut juste dire tant que tu sors pas un pour champion. Pour moi, c'est le coup et d'en gros de perdre l'effet d'un champion. Bah, je trouve qu'il devrait le préciser. Peut-être, mais si c'est pas ça, je me coupe une bière. T'as un cutter, quelque chose ? On m'apporte un katana. Welcome to nous dit tu perds l'effet. Non, mais c'est normal. C'est ok, ok, ok. Mais par contre, tu peux décider. Baisez-vous. Tu peux décider de peut-être ne pas le faire tout de suite, ça. Parce que c'est pas non plus j'avoue le pire que danger. C'est pas le pire danger et surtout, il y a des belles cartes là. Donc, tu as raison. Peut-être pas le faire tout de suite. Attends, tu vois, si jamais t'as deux qui te servent à rien, je dis pas, mais... Ok, bon. T'as combien là ? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, potentiellement 8 si c'est une action. Dommage, c'est dommage, pas une action. C'est dommage. Donc, en gros, je peux acheter un truc. Mais il y a que de la merde. Ça dégoûte. Non, tu peux faire un truc comme ça, par exemple. Ouais. Et c'est ça. En achetant l'action à 1 et le craca, le grand prêtre, qui doit pas être quand même mauvais... Et bah, déjà, ça me heal et crois-moi que ça me ferait bien plaisir. C'est vrai. Donc en fait, on va prendre le craquel grand maître. Donc pour 6, et en plus, c'est la prochaine carte dont vous faites l'acquisition ouais. Aussi au-dessus de votre deck. Donc, tu l'as repris à toi. Et donc ça, ça alors, m'a attends, coûté. On refile. 1, 2, 3. Oh, t'as un choix. 4, 5, 6. Préfères-tu un don elfique ou une ou un bénéfice. Bah, a priori, on a l'impression de base, je prends toujours deux, hein. Celle qui coûte 2. Hein. Vous pouvez piocher une carte, si vous faites ainsi, défaussez-vous une carte. Oui, c'est toujours fort. Oui, c'est plus... strictement super. Et tu peux aussi la remettre. La seule différence, c'est que ça, c'est du bleu et que j'ai pas de vert. Je crois que t'as récupéré un vert, non ? Non, mais ça, c'est mieux, gros. Ça, c'est mieux. Allez, vas-y. Elle me coûte 1 au lieu de 2 grâce à ma carte et en plus, elle va au-dessus de mon deck. Je crois que c'est bien ça. Donc, on est pas mal. Rappelle, tant qu'il y a le danger, il n'y a pas d'attaque possible. Bah, j'ai pas attaqué. Oui. Oui. C'est vrai que tant que j'en suis pas débarrassé, j'ai pas... mais c'est pas grave. Mais est-ce que tu peux quand même attaquer ton ivrogne ? Non. Ah bah si, il est dans ma zone. Dans ta zone ? Vous ne pouvez pas vous battre, soigner ou cibler en dehors de votre zone. Donc si, ouais, je peux me battre dans ma zone. Il peut quand même taper le man. Donc ça va. Hein. Mais de toute façon, là, t'aurais pas pu, on est d'accord. Bah 3... là, j'ai 3, je suis baisé. J'ai 3. Ouh, ouais, non, j'ai plus de gold. Non, non, j'ai plus rien. J'ai juste mon champion qui est ici. Et c'est tout. Bon. Là, on a fait fausses. Les malins parce que ça te permettait d'acheter un gros truc. Je pense qu'au tour d'après, il faut vraiment que tu... Il faut y aller, il faut y aller. Après, tu vas te défendre, là, donc bon. Ok, à moi. Vert, tu perds 2 points de vie et tu te défausses d'une carte. C'est et c'est un élite. Ah. Donc, mettez ce serviteur dans la zone du maître. On va dire qu'il est là. D'accord. Donc là, moi, j'ai perdu 2, c'est ça ? Flat. Et donc, lui... Alors on va le mettre là pour bien le voir, parce qu'on va pas y en avoir 50. Et lui, il nous bolosse tous les deux.
Là, il met 5 à toi, 5 à moi. Mmh. Et il a 5 points de vie. Alors attends, il faut que je regarde si je peux le tuer. Ça dégoûte. Ouais, je vais virer... De toute façon, je peux pas t'aider, moi. Je peux pas t'aider, donc je vais virer mon épée longue. En défausse. Attends. Non. Il faut que je vire mon or, je pense. Non, j'ai un prochain tour un peu propre. Ok, je vire mon or. Parce que je peux me défausser après avec ce truc-là. Ouais, vas-y. Ok, donc j'ai ça. Mm-hmm. Je prends 5... On oui, prend 5. Il n'y avait plus de mob, non ? D'accord, je pensais que j'avais un copain. Prends 5. Toi, t'es à 12. Ah, mais d'ailleurs, on n'a pas la réponse de... Il ne peut pas aider à combattre les alliés du boss qui sont avec le boss ou dans autre zone que la sienne, mais tout ce qui est dans sa zone, il peut les combattre. C'est ça, ouais. Ouais, j'aimerais juste qu'on réponde à cette question. Qu'est-ce qui se passe si... Non, ce qui se passe si tu en as un qui meurt. Ah oui, pardon. Je vais regarder. C'est pas que je te sens près de la mort. Non, mais t'as 100%. Bien, à moi. Ok, je vais faire un tour d'attaque, les copains. Je vais faire Lys Lenapin. Un joueur est vaincu si la santé de son héros est réduite à 0. Ce joueur a été le joueur actif, terminé de résoudre toutes les capacités du maître et les cartes retournées, puis finissez le tour. Les capacités du maître et les cartes retournées n'affectent pas le joueur vaincu, mais affectent les autres joueurs normalement. Par exemple, défaussez-vous d'une carte ne fait rien, mais chaque joueur se défausse d'une carte affecte les autres joueurs. Ensuite, videz la réserve de combat du maître, mobilisez les serviteurs de cette zone, peu importe si ce joueur était le joueur actif, déplacez tous les serviteurs et les dangers de la zone du joueur vaincu vers la zone du joueur suivant. Donc en gros, on continue. Mais le mec d'après se reprend tout dans la gueule. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ta réponse. Et maintenant, pour le heal, est-ce qu'on peut sauver heal? Ça doit être dans la règle de base. Je vais aller checker après. Vas-y, dis-moi. Cette attaque-là, elle est maligne? Donc elle tue d'abord lui et pas moi. Ouais. Par défaut, c'est malin en fait. Merci le chat. En fait, l'attaque est toujours maligne. Ok. Ok, donc c'est bon, c'est notamment pour ça qu'on avait des champions et qu'on était contents. Lui, il est là. Et il me dit, vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défaut si vous faites ainsi gagner 2 supplémentaires. Donc oui, je vais faire ça. Je vais retirer de l'or de ma main. Donc ça me fait 4 de dégâts. Sombre récompense me dit je gagne 3 pièces, vous pouvez sacrifier une carte de votre main de votre défausse, je vais donc sacrifier celle-ci. Et en plus, comme j'ai un truc rouge, eh bien j'ai 6 en plus, donc là j'ai quand même 10 d'un coup. Et je mets l'épée longue. Là en gros c'est mon tour où je casse des bouches, puisqu'en tout je mets 13 et j'ai 3 d'achat. Avec les 3 d'achat, je pense que je prends un petit bandit des rues qui est ou prêtre du culte. Ah, prêtre du culte. Je suis mis à partir en mode rouge là. Vas-y. Je prends un prêtre du culte que je remplace. Ça, c'est ce qui m'a coûté 3. Et du coup, je tue l'homme de main. Je lui mets 5. Hop. Et je mets les 8 qui lui restent dans le boss. On commence à faire des dégâts au boss. Enfin, 1. On sait jouer. Et donc, c'est malheureusement, comme il a son danger là, je peux pas tuer son boss. Enfin, son... Ok. Dans la règle de base. Il n'est pas précisé que les points de vie de départ sont les points de vie maximum. Oui. Et donc, c'est juste dit, quand il y a le symbole vert, il est de temps. Non. En fait, ça, la réponse, on l'a depuis longtemps. Bah, donc, on peut au sauveur heal. Ouais. Donc, il peut dépasser 5 ans. Oui. Ah, bah, d'accord. Je croyais que tu voulais... En fait, je l'ai dit au moment où tu devais faire autre chose, parce Excuse-moi. Que le chat était... Est-ce que c'était... Bon alors... Je lui ai mis... J'ai tué le man. D'accord. Et j'ai mis 8 dans sa bouche. Bravo. Et... Mais t'as plein de mecs devant toi. Non, ça, c'est mort. C'est pas des mecs, c'est quoi ça? C'est tes cartes à toi? Les cartes que je viens de jouer. D'accord, et lui? Lui, il est pas comme ça du coup. Ah, mais c'est à toi? Ah, donc t'as fait le café J'ai de fait fou. Le taf. Bravo, mec. Le taf a été fait. Okay. Fort. À toi. Ce sont les mêmes devs que Starim. Ouais, je crois que c'est les mêmes. C'était des joueurs Magic, hein. Oui, la petite maîtrise, il passe niveau 2 et avant. Darwin Castle et Robert Doherty, c'est des anciens pros de Magic et je crois que c'est aussi eux qu'on fait Ascension. Okay. Bon, en tout cas, il y a des mans qui sont dans les deux bails. Les cartes maîtrise. Donc là, il y a une maîtrise. Il me semble qu'elle ne retourne pas dans la défausse. Je vais vérifier après. Ouais. Est-ce que du coup, il. Je me suis mis 3 dégâts. Ouais, mais... Et maintenant, il évolue. C'est maintenant ou c'est avant? Est-ce qu'il évolue par la troisième maîtrise et du coup, il te met des dégâts en plus ou pas? Non, c'est au moment où tu révèles la carte. C'est simple.
Tu fais d'abord l'effet en haut à gauche. Et après, puis l'effet du texte. L'effet du texte, c'est une maîtrise. D'accord, tac, tu l'apprends. D'accord. Donc on est bon. C'est toi qui te prendras deux cartes. Comment ça ? Maintenant, il pioche deux cartes. Eh oui. Ah, pour ça, faut se manier le cul de devenir fort. Hein. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai ? Je crois qu'on veut commencer par ça. Je crois qu'on veut faire ça. Ok. Bon. En premier temps, je vais jouer mon familier chat. Que je vais incliner pour dégager ça. Bon, ça. Ça dégage. Ok, je suis là. Je suis. Puis. Enfin, je te retrouve. Je vais jouer Kraka, le grand prêtre. Que je vais incliner aussi. Et qui. Attends, il manque un truc, j'ai pas pris 4 dégâts là. Kraka, le grand prêtre. Qui va me donner 2 points de vie. Et qui me fait piocher une carte. Tu es sûr que tu veux pas me healer moi à la place maintenant que tu as plus de temps. Va te faire foutre. voilà. Ensuite, je vais m'occuper de mon ennemi moi-même, vu que apparemment tu n'en es pas capable. En vrai, autour de... Je vais donc lui embraser sa gueule. Oh my god, Rof a de si belles mains, passe-moi l'anneau, Rof. Ah, écoute. Et je vais lui remettre un coup dans sa mère. Donc, pour 4, il est mort. Et je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Évidemment, ça va être de ma défausse. Je crois que le embrasé va dégager. Ou la pièce d'or. Pièce d'or, non ? Pièce d'or, peut-être. Allez, on a envie d'acheter des trucs. Hein. C'est quoi l'embrasé ? 2. Ah, vire la pièce d'or, je pense. Ouais. En fait, on commence à avoir des cartes qui achètent à 3 ou des trucs comme ça. Et... Ça me va, allez. Ça c'est fait et il me reste alors ça. Tu as pas pris les galets. Ouais, il avait pas pris les galets d'ivrogne, mais il les a vous mis. Vous piochez une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Donc, je choisis laquelle j'enlève. Ouais, de l'or ou de l'or. Voilà. En fait, et c'est bon. Bien ça. Ça permet de. Donc j'ai 3 PO. Oui, bah il y a un petit bandit des rues qui t'attend ou alors. Si c'est un champion, on est content. Il va tanker. J'ai pas de point de vie. Il y avait un monde où tu prenais lui parce que t'avais ton champion. Vas-y, ok. Chaman des loups. Bon, alors, on a vu que les grosses cartes tout à l'heure, là on a que le petit. 2, 2, 2, 1. Il y a le petit 8 de tout à l'heure. Alors, toi, qu'est-ce qu'il fait le 8 là ? 4, vous pouvez sacrifier jusqu'à 2 cartes de votre main de défaut. Trop fort. Ok, est-ce que c'est à moi de jouer ? C'est à toi de jouer et maintenant j'ai 2 champions dans ma main. Et je peux tanker un peu. Bravo. Moi, je vais prendre 2 cartes dans la gueule, c'est ça ? Donc, je fais une par une ? En 1, ah bah c'est un élite, tu vas quand même prendre. Donc en 1, je vais résoudre le rouge qui me met 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Non, t'as ton garde. Merci. Par contre, on est d'accord que le 6 reprend les dégâts, c'est dans le même tour. Oui, c'est dans le même tour. Donc il va mourir. Ok, donc ça fait que ça. Je repioche. Un diablotin mordeur. Lorsque vous jouez une carte rouge, assommez ce serviteur. Lorsque vous jouez... Tu joues une carte rouge pour lorsque le tuer. Lorsque moi, je l'assomme, d'accord ? Et tu... Ou alors je lui mets 4. Et... Attends, c'est quoi cette merde ? Défaussez-vous d'un objet ? Ah, il s'engage et doit me défausser d'un objet. Il faut que tu l'aies en main. Dans ta main, il y a des cartes, c'est des objets. Il y a des actions, il y a des objets, il y a des champions. D'accord. J'ai eu un peu de mal parce que c'est la première fois que je vois un serviteur qui n'a pas en fait de... Il n'y a pas de dégâts, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais. Il est juste chiant. Tu vois, regarde. Il est juste chiant. Il meurt et il est pénible. Ok, donc ça c'est fait. Donc du coup, je reprends 4. Oui, donc en tout, tu prends 8. Donc en fait, tu perds 3 et lui, 3. Il meurt. Ouais, ça. 1, 2, 3. Lui est malheureusement décédé. Puis on passe au mob. Donc tu prends 5 et tu te défausses un objet. Et donc toi aussi, tu prends 5. Ouais. Non. Ouais. Et donc il essaie de tuer le plus gros qu'il peut tuer. Et il te met 3. Oui. Et donc lui me fait défausser d'un objet. Est-ce que j'ai un objet en main ? Oui, bah en même temps, l'or c'est de l'objet. Donc... J'ai 9 PV, gros. Alors attends, 1, 2. Comment te 3, dire 4, que je trempe du cul ? 5. J'ai 9 PV, je vais piocher 2 cartes après, je suis mort. Je suis 100% dead. Mais t'inquiète. Ouais, je viens un or à la limite. Ok, j'ai un an. J'ai une main de merde en plus. T'as une carte rouge à jouer là ? J'ai rien. J'ai vraiment la main de base. Oh, la main de merde. Ok, ça veut dire que la prochaine va être exceptionnelle. Je suis mort.
On y va? Mais non, t'as un Mac à 6 qui va tu vas voir, tu vas voir. Bon, à moi. Parce qu'il n'a pas garde. Ça sert à rien. C'est bon. Donc, à moi. Je vais jouer ma hache. Et ma hache. Avec ce rubis et le coup d'épaule, je vais donc tuer le Diablotin. J'ai 2 plus 2, 4. D'accord? Ouais. Ça me fait chier parce que il suffit de jouer un truc rouge pour le tuer, quoi. Comme ça, 2 plus 2, 4. J'ai pas compris un truc. 2 plus 2. Oui, ok, bien joué, fort. Est-ce que je fais ça ou est-ce que j'achète? En fait, il n'y a pas de truc à 4. Je peux juste acheter un truc à 2 et basta. Ouais, c'est nul. Oh, le tour nul. Il va falloir que je brille. Je vous le dis, il va falloir que je brille, les amis. Ok, et du coup, avec ces 2, bah, je vais acheter. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Chaman des loups, c'est quoi? 2 pour chaque machin que vous avez en jeu. Ouais, plutôt Chaman des loups. Hein. Surtout, je suis mort au prochain tour. Je vois pas comment je survie. Je le dis, avec lui qui me met 5, là. Je vois pas comment je survie. Ah, ouais. De toute façon, je peux pas t'aider, là. Donc. Vas-y, j'ai pris ça. Ça, ça dégage. Et tu peux y aller. Je prends 4. Non? Ah si. Ah si. Je prends 4, en plus c'est alors une action qui dit ouais, c'est bah c'est le moment où je te fume ta mère. Bah, tu prends 1. Ça va, je tank. Bravo mec. Donc t'as pris 4 sur le craca là. Donc là j'ai pris 4 et... Une maîtrise qui lui fait gagner 3. Bon, c'est ça va, plutôt tranquille. Ce que je veux. C'est large. Donc, moi il faut que je perde 4 parce qu'il peut pas tuer ça. Donc je prends le 4. Si, il peut le tuer puisqu'il a déjà pris 4 lui. Si, il a pris 4 avec ça. Il a pris 4 avec ça. Il a pris 4 avec ça. Oui. Et donc, bah, il lui reste que 2 points de vie. Oui. Et du coup, quand lui va te mettre 5, 2 et 3. Oui. C'est ça. C'est exactement ça. Attends. 2 et 3. Ouais. Tu m'as enlevé ? Non. Et moi, du coup, je prends 5. 6 points de vie. Je tremble du cul. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a ? Que de la merde. J'ai une main de base. Mais je peux le tuer. Ah bah ça serait plutôt pas mal. Donc je le tue. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main. Sauf que attends. Mieux que t'as ça. Du rouge, tu peux piocher et tout. En fait, je vais faire ça et je vais sacrifier cette carte. Comme ça, il va mourir et après je mets lui 8 dans sa gueule à lui. C'est ça, rien de. Est-ce que t'es sûr que tu veux pas acheter? Attends, j'ai pas acheté. Je garde mes 2 pièces d'or de mort. Ah, pour l'instant, je sais pas. Attends, t'as quoi dans ta main? J'ai 4. Ok. C'est vrai que là, perdre un point de vie pour piocher une carte, ça paraîtrait un peu couillu. Ouais, non. Allez, je le fais. Hop. Tu le fais? Allez, je le fais. Vous êtes prêts? Vas-y. Si c'est une pièce d'or, je suis mort de rire. Bien. Ouais, le coup. Donc, c'est un champion en plus. Alors, c'est cool. Tu le mets là, il va se protéger. Donc, soit il inflige 2, soit il me donne une pièce d'or. Ah, il a 4 quoi, il est en défense. Mais... il est même pas garde. C'est mort. Bon, alors, soit j'ai 2 pièces d'or. Alors, attends, est-ce que déjà. Non, j'ai 2 pièces d'or. Résous peut-être ton drain de vie là, tu peux sacrifier une carte de ta défausse. Ok. Attends. Je crois que t'as triché. Je crois que tu viens de le mettre avec ça, non? Oui, t'as triché. Comment ça? En fait, garde tes cartes en jeu. Engage-les, mais garde tes cartes en jeu. Les 2 pièces, là, c'était, tu les as mises dans ta défausse pour. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, t'as. Ça m'a servi à payer le transfert. Qu'est-ce qui reste un truc dans ta défausse pour virer Vire le chat. C'est pas le plus nul, quoi, mais bon. Ouais, vire le chat pour avoir des meilleures cartes. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, là, t'as soit 3 de pouvoir d'achat. Oui. Soit tu lui mets plein de dégâts. Je crois que j'ai envie de mettre plein de dégâts avant de mourir. Parce que franchement, pour acheter un truc à 3, ça vaut pas le coup. Pour prendre une pauvre carte à 2 qui pue, c'est mort. Ok, go. Je vais tout lui mettre. 8 et 2, 10 et 3. 13. 13 et 2. 15. Moins 5, il prend 10. Ouais, vas-y. La rage du désespoir. Voilà. Par contre, j'ai plus cette carte-là.
Oui. Mais ça, j'avais quand même deux pièces d'or, donc je peux quand même acheter un truc. Non, c'est ça. Bah, quand tu la sacrifies, t'as quand même l'effet au-dessus, gros. Non. C'est pas l'un ou l'autre. Non, mais bien sûr que si, c'est l'un ou l'autre. Je suis pas sûr. Sûr. Bah, gros, dans Starring, tu fais les deux. Hein. Si tu fais l'un, si tu la sacrifies, t'as l'effet en dessous en plus. Ah, j'ai un doute. Gros, là, tu fais ça, et si t'as ça, tu fais l'effet en dessous en plus. C'est le même trait qui sépare les deux trucs. J'insiste. Starim, c'est les deux, si mais les deux. Merci, jamais, merci, c'est les deux, voilà, c'est les deux. D'accord, merci, d'accord, tu vas sucer ma queue, Rofellos. Excusez-moi, moi j'en aurais mis qu'un seul, c'était déjà. Non, fait. J'ai donc deux trucs, et je en crois fait, que j'ai plus. La vie, non ouais, en plus, t'as un truc jaune. Ouais, t'as raison, je suis assez d'accord. Je pense que j'aurais fait ça. On est pas mal. Ok, on révèle un autre recrutement, impeccable. Je pense que tu vas tenir là. Bah, il fallait le tuer de toute façon, le mec au centre, parce que sinon, c'est bon, terminé. Tu dégages ça, moi du coup j'en prends deux dans la gueule. Ouais. C'est parti. Bah, il y en a plus beaucoup de un, maîtrise. Alors, tu fais le truc vert. Le truc vert, c'est 3 et tu défausses. Ça dégoûte. Bon, il n'y a plus de maîtrise. Attends. Ouais, mais c'est le moins pire en fait, la maîtrise. Oh! Ta zone est bloquée. Il faut que tu fasses un champion pour retirer ce danger. Et il fait l'effet bleu. Donc tu perds 2 PV. T'as pas de champion. Alors attends, j'ai pas pris les trucs de tout à l'heure là. Qu'est-ce que tu m'as fait là, t'as la maîtrise? Perdu 3. D'accord. Et maintenant tu perds 2. Et tu butes le champion le plus élevé. On s'en fout, t'as pas de champion. Et je me défausse une carte. Ok. Voilà. Vas-y, bon, peux tu peux y aller. On a tout sorti, tu peux y aller. On a tout mis. Bon. Ok, c'est le moment où je lui mets aussi. Ouais, c'est tellement de dégâts gros. Si t'as un champion, dégage-moi ça là. Parce qu'il faudra que tu m'aides si j'ai un truc qui vient sur ma gueule. Non, je peux pas... attends. De toute façon, hey, gros, si t'as envie de lui faire des dégâts, t'es obligé d'enlever ça. Fin du bug. Non, sérieusement? Mais oui! Ah putain! Ça te bloque dans ta zone. Gros, je le mettais tellement... Oui, bah... Pas de champion, t'as pas de champion? T'as rien qui pioche? Non, j'ai rien. Non. J'ai double défausse. Bah tu peux rien faire. Quoi. Je suis vraiment une salope. Tu peux pas te battre, soigner ou cibler en dehors de ta zone. Tu peux même pas lui défausser une carte. Tu peux rien faire, tu peux que acheter. C'est quand même pas de chance que ça arrive maintenant. Quoi. Bah ouais. J'ai rien demandé moi. Ah c'est pas de chance hein. Je peux acheter quand même. Je peux acheter. Est-ce que j'ai accès au marché? Bah... Est-ce que tu me laisseras ce... Normalement oui, je crois que c'est pas écrit que t'as pas le droit au marché mais... Ah ça dégoûte. Oh comme il est déçu. Oh, je lui mettais... Là franchement je lui mettais... Il est tellement 5 déçu. Et 9, je lui mettais 14 là. Putain. Et le fait de faire double défaussé c'était peut-être pas mal aussi, bref. Attends, je suis mort? T'avais un mec. Ça, Max est mort depuis un bail. Pourquoi je suis mort? Non, t'avais un mec qui tankait. Il y a des mecs qui disent que je suis mort dans le chat. Bon, ah, attention, Michinab, ça fait. Voilà. Attention, hein. Oula. Oula, oula, oula. Attention, hein. Dans l'ordre d'attaque maligne, s'il peut te tuer, il fait avant de finir les champions sans garde. Ah, il a raison. Si... Mais est-ce qu'il pouvait me tuer? Je crois pas, hein, parce que. Attends, pourquoi, 5... pourquoi il aurait tué mes. Mes champions gardent en premier. Non, il a pas en fait, il a tué tes champions tout à l'heure. Ah. Alors en fait, le problème, c'est que au moment... Mais il me tuait pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'au moment où il t'a mis les 4 dégâts, il ne te tuait pas. Donc, il ne l'aimait pas. Il ne le met pas sur toi. Donc non, c'est bon. En fait, il me met les dégâts sur moi que s'il me one-shot. Donc s'il me one-shot pas, ça fait pas. Je pense que s'il est en mode « Ah bah tiens, je vais lui mettre tant de dégâts », en fait, il faut qu'il puisse me one-shot pour qu'il aille sur moi, sinon il tue mes champions. Je crois qu'on, non, est, je crois qu'on est bon. Hein. Je crois qu'on est bon. Je disais quoi? Oui, alors j'avais le seum, j'en étais là. Mais, j'avais quand même 4 de pouvoir d'achat avec la prochaine action dont vous faites l'acquisition au-dessus de mon deck. Et donc, je crois que le recrutement, en vrai... Il met les dégâts à un champion sans garde que s'il peut le tuer. Bah oui, et bah donc... Ah, il met les dégâts à un champion sans garde que s'il peut le tuer. Bah oui. Ah, parce que tout à l'heure, il a mis 2. Il a mis 4, ouais. Mais ça fait plusieurs fois qu'on lui... Il avait mis 2 et après, on a ça mis 4. Ça fait plusieurs fois qu'on mais lui... Mais attends, ça dépend. Ah oui, ça veut dire qu'il aurait dû me mettre 2 à moi parce qu'il pouvait pas le tuer. Après, attention, parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait cette règle de... Il nous met des dégâts au champion, il les garde jusqu'à la fin du tour, puis il se reprend les dégâts. Écoutez... On fera attention à partir de maintenant. Donc... Là, j'ai recrutement, intimidation, influence. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je peux avoir 4, dont une action au-dessus. Bah, je crois que je vais essayer de te filer un coup de main en te healant. Hein. Donc, je vais mettre un recrutement au-dessus de de ça. C'est pas bizarre que j'ai essayé. Non, parce qu'en fait, c'était logique.
en gros, de d'abord tuer les champions. Parce que c'était possible de le faire, mais effectivement, si la règle dit... Ok, et là du coup ils me remettent deux, bah vas-y je vais reprendre. Mitinab il est en mode moi je suis foutu si j'en dis plus, je te laisse faire. Bon bah vas-y je fais ce qu'il y a à ça et c'est tout, je suis un peu deg. Mitinab, si tu corriges un truc qui doit être corrigé, tu regagnes une vie. En fait. Allez, on recommence une game. Ok, on en est où? Vas-y. Fait chaud non? Ça va, je tolère moi. Et si tu tolères pas, mets ton petit. Je peux faire ça. Faire ça pour toi. Attends. Est-ce que j'ai pas triché là? Je sais pas, j'ai pas suivi ton tour. Est-ce que c'était pas la seule action que j'ai faite? Non, il y en avait deux, je crois. Okay, de quoi tu parles? Je sais pas ce que t'as fait. Vraiment, on doit prendre deux actions par tour. Mais non, l'autre c'était une maîtrise. D'accord. Ok, c'est à toi de jouer. Et je vais refill. Non, je vais. Ah bah super! Mets un petit coup devant. Alors 4, il tue mon champion. Ce qui peut le tuer. Attends, non. Il essaie de me tuer, il peut pas me tuer, donc il tue mon champion. Ok. Je vais tellement mourir, frère. Et je vais mourir, mais 1000 fois, quoi. Là, je finis à 1 PV. Si je chope un truc qui n'est pas un attaquant, finis à 1 PV. C'est pas pour te jeter la pierre, mais... tout à l'heure, quand il te reste 6 points de vie, tu dis, vas-y, je m'en fous, je pioche une carte. Tu cherches un peu, frérot. J'aime le danger. On va dire que c'est bon. L'effet rouge de la carte aussi, est-ce que tu as fait l'effet rouge? C'est fait, je viens de le faire, arrêtez de m'emmerder. L'effet rouge, c'est 4 PV. Mais non. J'ai pas encore fait ça. D'accord. Mais c'est normal, je dois d'abord piocher la deuxième carte. Ah, chatte! Donc, il m'inflige 4, j'ai 1 PV. On est large. Tu es mort. Non, j'ai 1 PV. T'as mis l'effet bleu qui te met 2. Niquez vos mères. Max, il en est mort, je vais essayer de me débrouiller seul. Jeu de con. Je vais essayer de me débrouiller seul. Donc Max est mort. Bon, je suis mort. Donc du coup, comme je suis mort, bonjour. Cool. Et fin. Hein fin. Là où t'as pas trop de regrets, c'est que le point de vie que t'as perdu tout à l'heure, tu serais mort quand même. Oui. C'est juste que t'auras jamais dû prendre le sorcier. Mec en robe. C'est très bien le sorcier. Bon, à moi de jouer. Bon, vas-y, je me prends la bite. Alors, attends. Tac. Attends, je regarde juste un truc. Je vérifie sur la mort d'un mec. Diablotin. Là. Donc, je prends 4, je passe à 15. Je vais crever. Puis. Oh, l'homme de main. Après, en même temps, l'élite, maintenant, il est moins fort. L'élite qui, du coup, fait 3 défausser une carte. Tous les serviteurs est danger. Oui, bah. Donc t'es vraiment très très bloqué. Les joueurs qui étaient précédemment assis à gauche, ils ont vaincu. Bah voilà, c'est tout. Hein. Donc j'ai fait ça et ça. Maintenant je me prends des dégâts, je prends 9. Je passe à 3. Et il me fait défausser d'un objet. Comment ça, tu remets l'enjeu parce qu'il n'y avait plus de... Il y avait plus voilà. De... On en est là. 3. Ouais, donc lui est mort. Et moi je suis à 3. Et bah c'est parti, je vais quand même faire mon tour. Et on va essayer de se faire plaisir. Je vais commencer par jouer Lys l'inapparent. Puis. Je vais. Faire une sombre récompense. Pour virer un or. Ok, normalement on aurait dû effectuer les capacités des monstres qui étaient là, mais. En fait, elles n'ont d'effet que sur toi que si c'est des capacités qui affectent tous les joueurs, non pas que moi. Je crois qu'il n'y en avait pas, donc on est bon. Ok. Comme je suis à 3, je vais avoir la bonne idée de faire un recrutement pour pouvoir gagner 3 blessures plus 1 pour chaque champion que j'ai en jeu. Donc je gagne 4 en tout. Oh putain! J'ai encore... Alors peut-être. Alors, attends. Quand c'est à ton tour, le boss se réactive ou tu n'existes plus? En fait, tu joues à 1 contre lui, donc il va rejouer, il rejoue. Il n'y a pas... Oui, c'est pas il joue, puis... Non, je n'existe plus. Sinon, tu peux pas gagner. Quelque part, ça m'arrange. Alors... Sinon, c'est impossible de gagner. Ça, c'est bon. Donc là, en fait, la question, c'est combien de dégâts je peux lui mettre. Donc ça, je m'en fous. Vérifier, mais... Là, je peux lui mettre 6. Tu ne peux pas gagner. Alors, attends, je crois que c'est le moment d'utiliser mon coup écrasant. Ah, c'est bon. En gros, les joueurs qui sont à ma gauche et à ma droite sont considérés désormais comme adjacents. Donc c'est bon. Je n'existe plus. Démarrage de la saison 2, c'est au mois de septembre.
J'avoue que je ne saurais pas encore vous donner de date précise. Je ferai une communication sur Twitter, Insta, le moment venu. Ok, je vais tu engager peux ça. Combattre tuer oui, les mecs sais, dans ta zone. Pas, je sais que je peux pas faire ça. Je vais dégager ça. Ok. Je vais me dégager lui. Plutôt le blanc. Attends, plutôt le blanc. Le blanc en fait du bleu, c'est pareil. C'est pareil. Donc j'ai, grâce à ça, fait ce truc-là. Est-ce que techniquement, puis un mec, ça enlève pas les deux dangers. Ils disent tous les deux non, la même vous chose. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Pour moi, oui, c'est une paye pour ça. Ah, okay. Comme j'ai joué un truc rouge, du coup, je vais pouvoir assommer ce serviteur. Merci. Là, du coup, je vais mettre en tout 6, puisque ça, je ne l'ai pas fait pour faire son effet. Donc, je vais mettre 4 sur lui. Ok. Les deux sont perdus, puisque je suis bloqué avec mes chaises. Et je récupère de quoi payer 3... 4, 5, 6, 7. Ah putain, on l'aura jamais eu le truc à... Sacrifier une carte de ta main ou ta défausse ? J'ai sacrifié une carte de ma défausse, ouais. Donc vas-y, je vais prendre. De toute façon, je vais sûrement mourir autour d'après. Donc on va essayer d'aller vite. Je vais récupérer. Allez, une étincelle, éventuellement récupérer un truc à 6. Oh, chatte, mais à mon avis. Ça va être un peu tard. C'est donc, là, il te manque un champion pour y défoncer sa mère, en vrai. Ouais, parce que tu commences à avoir un deck un peu fort et tout. Je commence à avoir mon deck, mais à mon avis, parce que là, en fait, t'avais des dégâts. T'as toujours pas utilisé ça, qui on rappelle mes 9 dégâts. Même s'il te chie deux mecs, là, tu craques ça, tu les tues, t'enlèves la chaise. Il y a des trucs à faire. En gros, je vois pas trop comment m'en sortir, à moins de récupérer que des trucs jaunes. Je suis mort un peu tôt. En même temps, j'ai tout pris dans la gueule, hein. On va pas se mentir. Donc, ça, l'ivrogne belliqueux me fait. Alors, attends. Donc là, on est d'accord que. Ah, mais la garde! Ça peut m'aider. Ah bah oui. Ah mais je vais quand même crever. Bon, je prends 3 sur lui et je me défausse d'une carte. En fait, la question que j'ai, c'est est-ce que il faut forcément tout le temps one shot les ennemis ? En gros, en là, fait, le fait je qu'il crois se soit que 3, là je crois qu'il ne peut pas one shot ton. Oh, tu mets des doutes de bâtard. Moi, ce que je veux savoir, les gars, c'est que en gros, fait, si il peut pas one shot ton mec à garde, ça veut dire quoi ? Que t'as perdu les 3 dégâts ? Non. Il peut pas le traverser. Pour moi, il y a deux solutions. Ça. C'est soit il a mis 3 dégâts et on sait. Et on les garde jusqu'à la fin du tour. Soit il a juste mis 3 et le mec a pris et effectivement, j'ai rien pris. Et là, ça m'intéresse beaucoup d'avoir la réponse assez rapidement. Mais sinon, j'ai l'impression que la garde serait trop forte. Bon, quoi qu'il arrive, je vais garder. J'aime que les choses soient claires. Nous allons les deux dangers, ils ne se gênent pas. Il ne gêne pas. Ah si, justement, c'est pour ça que j'ai... C'est un vieux message. Vous pouvez utiliser votre réserve de combat pour effectuer autant d'attaques. Ok, ça c'est bon. Donc ça c'est bon, vas-y, je vais faire comme si... je sais pas comment faire comme si je vais déjà prendre ça, parce que ça se trouve, il y aura juste pas de... Non mais de toute façon, il tue, c'est tout. Assommer votre champion, il y a le machin le plus élevé. Donc en fait, il va me mettre... Bah là, techniquement aussi, c'est un peu bizarre. Il a 2 en force, et il a assommé votre champion ayant la truc la plus élevée. Donc en fait, il va me tuer ça. Non mais il me bute. Il te bute 1000 fois. Il te bute mille fois. Alors. S'il ne sait pas taper d'un coup ton garde, il perd ses dégâts là, d'accord. Ok. Selon Miss Valerion. Et par contre, il y a, y a Michinab qui dit 3 dégâts jusqu'à la fin du tour sur le garde. Donc en fait, il y en a deux. On a deux. Qui va être banni? On va pouvoir savoir ça bientôt. Bon. Non, mais je veux vérifier ça parce qu'en fait, je l'ai lu. Donc, en fait, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, il fait ça, s'il peut le one-shot, il fait ça. Il y a juste cette notion de garder les dégâts. En fait, est-ce que les dégâts se cumulent d'une carte à l'autre ? Est-ce qu'on considère que c'est un effet, on met les dégâts immédiatement et fin ? Moi, ça change un peu le truc. J'ai quand même l'impression que, jusqu'à maintenant, en tout cas, on l'a fait comme ça. C'est, il a quand même pris des dégâts jusqu'à la fin du tour, quoi. Mais on n'en est pas sûr à 100%. Après, c'est peut-être... Alors, vas-y. J'ai. Oh, il l'a. J'ai, et nous allons avoir la réponse à la question. Ah, je mettais plein de dégâts après. Voilà comment fonctionne l'attaque maligne. Oui. Il attaque en premier les gardes... Attends. Voilà. Le maître dépense toute sa réserve de combat générée à son tour. Donc, en fait, c'est... Oui. Nous, en fait, on faisait tout... Voilà. Ouais. Il me semble... Bah, en fait, tu sais pourquoi on a fait ça ? En fait, naturellement, j'aurais cumulé, parce qu'il me semblait que c'était ça. Et en fait, comme on a eu la discussion sur les points de vie au début du jeu, je me suis dit, ok, bah c'est carte par carte. Ouais, et sauf qu'en fait... En fait, c'est tu cumules la force,
Et à la fin, tu mets tout soit dans des champions, soit dans ta gueule. Exactement. De toute façon, exactement. Ouais. Donc en fait, là, on n'aurait pas dû faire truc par truc. On aurait... Donc en fait, oui, j'étais mort il y a 1000 ans. En fait. Il faut cumuler, en fait, les dégâts. C'est fait défoncer. Est-ce qu'on le refait ? Je suis partagé. On n'aime pas se faire botter le cul. Non, et en vrai. Plus, maintenant, on a des règles claires. Je suis plutôt chaud. On le refait. Avec les mêmes mecs ou pas ? Ou est-ce qu'on change ? On doit pouvoir gagner avec tous les mecs. Moi, je garde. D'accord. Okay, on garde. Tu sais ce qui m'a manqué ? À un moment donné, je voulais pas off-back. Et à un moment donné, en fait, moi, je finis la partie en ayant toujours mon coup écrasant. Ouais, et ça, c'est très dommage. Parce qu'à un moment donné, il y avait un truc à 4, un truc à 5. Mais maintenant, attends, on sait qu'on a... Il y a aussi un truc, c'est qu'un petit peu comme un roguelite. Roguelite, je sais plus comment on dit. Light ou like, c'est pas pareil. Exactement la même chose. Bon, mais bah, c'est sur les Die and Retry, quoi. Les trucs. Mmh. On sait qu'en fait, il y a des cartes qui vont nous dire attention, tu peux être bloqué chez toi et du coup, blabla, ton copain. Donc, on a l'expérience. Miss Valerian a envie de voir une nouvelle partie. Eh bien, rien que pour toi, on va y aller. On me dit essaye le voleur avec un clin d'œil. J'avoue que moi, je changerais bien de change. Gars. Moi, je garde, mais toi, tu peux changer. Je changerais bien de gars pour voir un peu le. En fait, j'aurais bien pris l'archer si j'avais changé, j'avoue. Attends, tu sais quoi, je vais relire vite fait ce que fait le voleur. Attends, est-ce que ça te ferait plaisir que je change ? Parce que s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Ah, il a des couteaux de lancer, en fait, il va cumuler des dégâts, ouais, pourquoi pas. Et l'archer, qu'est-ce qu'il a de beau ? Ah, il a des trucs pour pouvoir payer moins cher, ça me... Ah, il y a une sorte de... Si vous avez un arc en jeu, piochez une carte. Je dois avoir un arc. Ouais, j'ai un arc et du coup, quand j'ai un arc... Ah, j'aime bien, je crois que je préfère l'archer. J'aime bien sa capa de piocher et j'aime bien sa capa de faire en sorte d'avoir une carte qui me... Ouais, quoique, ça, c'est un peu moins bien quand même qu'un truc qui met de base, mais il va avoir quelque chose pour les champions. Perso, j'ai fait des campagnes avec l'archer et j'ai développé le voleur sur la tablette. Ah oui, c'est vrai qu'on peut jouer, vous pouvez jouer à ce jeu-là sur Steam ou... En tout cas, il y a possibilité de le récupérer en digital si vous le voulez. En vrai, Max, c'est un des plus durs, le sorcier, pour débuter. Ouais, mais si tu lui dis ça... Ah, je rejoue le sorcier plus. Je rejoue le sorcier, vous m'avez pris pour une salope. Allez, je vais tenter l'archer, puisque c'était celui avec lequel j'avais hésité. Et qui est prêt. Bon, on a qu'à regarder ça, on s'en fout. Par contre, alors, est-ce que tu veux qu'on fasse ce qu'on avait fait, il faut juste vider nos decks, par contre. Justement, est-ce que tu veux qu'on laisse de côté toutes les cartes qu'on a déjà achetées ? Comme ça, ça peut permettre aux gens de voir d'autres cartes. Donc alors attends, ça c'est le man. On a rejoué haché plus clair, ça fonctionnait bien. Bah c'est vrai qu'un petit clair pour soigner. C'est les faibles. Ouais, c'est les faibles, mais... Attends, qu'est-ce qu'il a le clair ? Ah putain, 2 ou 5 quoi. Ça m'intéresse pas. Je joue ça si tu veux, moi je joue pas. Je vais jouer. Ah là je crois qu'il faut que je sois ton soutien mec. Sorcier. Je joue sorcier. Tout ça est bon. Hop. Hop, 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 je suis une connerie là. C'est à toi cette carte de mort. Personne. Truc de guerrier là. C'est où le guerrier ? Tu sais quoi, mec ? C'est où le guerrier ? C'est où le guerrier ? On s'en fout là. Tu sais quoi ? Mais quoi ? J'aurais bien joué l'archer, mais je pense que j'ai failli dans mon rôle de défenseur. Et ça me fait chier. Mon but là. C'est de te maintenir en vie, d'accord. Parce que je sens que t'as un potentiel dans tes mains, tu vois. Mais que je t'ai laissé crever beaucoup. Voilà, moi, j'ai ta mort sur ma conscience. Donc, je vais prendre le clair et je vais essayer de soigner Maxildan. Et là, je pense qu'on va être comme ça. Sorcier, quand tu maîtrises la dinguerie. Et en plus, il va nous maîtriser ça, ça va être trop bien. Donc, je vais prendre le clair. Il faut bien qu'il y ait un nous qui joue le soutien. Je vais, en fait, en gros, tout ça, on s'en fout. Je le ferai plus tard. Puisque de toute façon, je crois que c'est 55 points de vie, ça me va. Je suis soit un héros comme ça, un bébé bête, soit une charmante demoiselle. Je pense que clairement je vais être la charmante la meuf. Je vais pouvoir te bénir, ça va être trop bien. Oh, bénis-moi. Je vais pouvoir te ressusciter. Mettez un champion en jeu. Ah non, c'est un champion, je crois que c'était... Mettez un personnage directement. Non, ça te permet de mettre un champion en jeu depuis votre défausse, ce qui peut être pas mal. Typiquement dans ce scénario où t'as des trucs qui te laissent bloquer derrière tes chaises là. Merci. Bon bah allons-y. Niveau 1.
Alors ça, ça dégage, ça, ça dégage. L'entrée rate. Et on lui pète la gueule. Allez, on y va. Pète la gueule, je vais te bénir. Je vais te bénir à chaque tour. L'archer était pas mal aussi, mais. Là, il faut que je. Ok, allons-y. Il faut que je le soutienne. Est-ce que t'as refait une. Attends, on va refaire un bord. Ah bon oui. Il y a plein de cartes à 1, tu fais chier. Ah, truc à 7 et tout, trop bien. Ah, l'enfer. Ah, putain, t'es vraiment une salope. Non, mais c'est pour que les gens puissent voir d'autres trucs. Mais on s'en fout, ils voient pas, de toute façon. Ils voient pas, ils s'en foutent. Allez, je le sens bien là. Ah, je le sens tellement bien. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, faire défausser. En gros, ah, bah tiens, tour 1. Tu le fais. Allez, prends 5 dans ta mère. Bah, c'est super. Moi, je viens en paix, Maxilda. Et par contre, moi, je prends 3. Ça commence bien. Ah bah c'est tout. Bah du coup je vais pouvoir lui péter sa gueule par contre. Donc j'ai 3 pièces d'or. 4 pièces d'or, potentiellement 5 si c'est une action. Dommage. Perdu. Franchement dommage. Alors ce que tu peux peut-être faire c'est... Ouais, acheter le grognard. Attends, t'as quoi comme kappa? Est-ce que tu te ferais pas piocher une carte? Alors l'avantage de piocher une carte c'est que du coup tu vas pouvoir cycler plus facilement. En fait, est-ce qu'il y a un truc à 3 qui m'intéresse? Oui. En fait, ouais. Ça me va parce que... En fait, je vais faire ça. Ouais. Parce que je ne peux pas acheter le truc à 5. Ouais. Donc, je ne perds rien. Donc, je prends le truc à 3. Et... comme ça, 1, 2, 3. Non, je peux pas. Non, parce qu'en fait, j'ai 4. J'ai 5 que si c'est une action. C'est ça? Donc, en fait, je ne peux pas le faire. Tu pourrais le faire parce que tu, y a de fortes chances que tu pioches de l'or. Donc on va d'abord piocher une carte, c'est ça que tu me dis? Ouais. Vas-y, on la tente. On la tente. Donc... Et en fait, attends parce que je préchote quand, le jour où tu vas être déçu. Tu peux au pire acheter une gemme de feu. Oui. Pour 2, je perds un point de vie, pioche une carte. C'est un gold. 100%. Oh bah, le chat, c'est bien. Le chat, c'est bien. Bien. J'ai le chat qui me donne un gold et pour 3. J'achète ça. Meilleur play. Meilleur play all time. De toute façon, je suis là pour te... Et je lui mets 2 dégâts dans sa mère, quand même. Et tu mets 2 dégâts, puisque... Ah non ! Ah si, on l'a déjà fait. On a fait ça. À moi de jouer. Livrogne, qui va du coup me mettre 2 et me faire défausser d'une carte. Super. Il me met 2, je passe à... 48 et il me fait défausser d'une carte. Alors là, je réfléchis, j'ai un truc à 2 à acheter. On ne peut pas se faire buter par le fidèle de des habitués possédés. Hein, ça dégoûte. Ouais, mais c'est des habitués, on les aime bien. Donc je vais pour 2. Attends, là j'ai fait ça et j'ai pas pris 4, par contre. J'ai pas pris 4. J'ai pas pris 4. C'est con. Bien, pour 2, j'achète le précepteur de Dîmes. Et pour 2, j'achète une gemme de feu. C'est tout ce que je fais à ce tour-là. À toi de jouer. Une maîtrise blanche. Je vais donc prendre 3 dégâts dans mon chat. Et 1 dans moi. Sur une campagne, il faut privilégier les gardes et les champions. Mais j'avoue que ouais, c'est fort. Bah, ça te permet de prendre... Ok. 3 gold. Un embrasement et il y a un bâton décevant. Et un bâton décevant, c'est nul à chier. Donc, je crois que je vais continuer à faire cycler mon deck. Donc, pour 2, je vais piocher une carte et perdre 1. Ok. Très bien. Et donc pour 2, si c'est une action, non, c'est un objet. Et bah, il n'y a pas d'action. S'il y a une action à 3, il n'y a pas d'action à 3, donc je prends une gemme. Ouais. Et je lui mets 3 dans sa mère. Alors, tu peux aussi considérer qu'on est alliés. Ah, je le tue si je fais ça? Ah, j'avais pas vu. Donc je le tue et je lui mets 1. Ouais. Excuse-moi. Alors. Non, mais c'est. Tu fais ce que tu veux. Tu peux aussi considérer qu'on est amis. Bon, moi. Maîtrise. Maîtrise rouge qui me met 3. 1, 2, 3. Et donc il est déjà. Putain, il va passer niveau 2 tellement vite. Oui, c'est ça. Ok, à moi de jouer, je vais avoir un fidèle, une massue à pointe,
de l'or et chapelet. Alors, c'est là où ça va être intéressant, mais je crois qu'en fait, là, les 5 points de vie, je vais pas les faire gagner tout de suite. Je vais surtout prendre Darian, mage de guerre. On va partir dans cette couleur-là. Ça me paraît très bien. En plus, les champions, ça me va. Bon, pour 4, j'achète lui. Alors, est-ce que c'est le moment où je fais un ressuscité ? Que si un champion qui a été assommé. Non, mais il faut qu'il soit assommé, d'accord. Je ferme ma gueule. Et je lui mets 3. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. C'est bon ? Vas-y. Ça dégage. Avec le chat, on n'a pas fait d'erreur. La maîtrise blanche, c'est 3 dégâts. Non, la maîtrise blanche, elle fait... alors, tu sais quoi ? Je vais zoomer pour que vous le voyez bien. La maîtrise blanche, en fait, elle fait ça. Elle fait... Vous voyez, en fait, ça, c'est les différents symboles que vous pouvez retrouver. Et vous voyez, il y en a un, il a des petites étoiles rouges autour. Eh bien, c'est celle que tu fais si tu as l'icône blanche. Voilà. Vas-y. Ah, le petit diablotin, sa mère. J'ai pas de carte rouge, donc ça va être chiant. Je vais pas de dégâts. Je vais donc me défausser d'un objet. Ah, par contre, attends. Rouge, je perds 3 points de vie. Ok. Me défausse d'un objet. Ouais, l'or c'est l'objet. Ah, j'ai une gemme de feu. Bon. Du coup, j'ai une pièce d'or, un embrasement, une gemme de feu. Ah, j'ai des dégâts. Bah voilà. 4, il est mort. On va pas se faire chier. Hein. Oh, oui. Quoique. En fait, je pouvais. Non, c'est bon. C'est bon. 4, il est mort, je ne peux pas piocher de carte, ça c'est fait. Par contre, lui, c'est un garde, donc je suis bien content. Ouais. Et pour 3, tu prends une gemme de feu. Pour 3, je prends... Non. Non, ou alors tu refais pour le 2, ouais, vas-y, je perds 1. Je te soignerai à l'occasion. Voilà, le chat qui fait plaisir. Et pour 2, je prends... Oh là là, c'est curvé, c'est ce qu'on aime. On est bien. On est pas mal, pour l'instant, on est pas mal. Attends. Quoi ? Non, t'as buté le diablotin. Mes deux autres dégâts, ils sont là. Ok, ça. Ok. Ah, Kadok. Yvan une belliqueux. Il me met du rouge, ça veut dire 3 dégâts. 3 dégâts, il me bute. En fait, il a 7 dégâts. C'est ça qui se passe, c'est qu'il a 7. Excusez-moi, mais cette game démarre beaucoup mieux que la précédente. Il met un dégât sur lui. Puis, il récupère... Enfin, il me met 3 de plus. Il me met 6 de plus. L'application point de vie s'appelle Life Total sur iOS et... Life Total sur Android. Ah ouais ? Ils ont changé ? Elle avait pas le même nom. Ah bon ? Ouais, je crois qu'elle s'appelle genre Magic Life ou un truc comme ça. Sur Android, elle avait un nom différent. Life Total. Par contre, il y a un gros M... Ouais. Bref. Donc, je disais quoi ? Oui. J'ai donc, il y a lui, ça, tu as bon, pris 3 dans ta mère, tu as pris 4 dans ta mère. Moins 1, puisque j'avais un man. Bravo, et tu joues ? Je joue. Bon. Faire un percepteur de dîmes. Tiens. Donne des thunes ou il soigne ? Ouais. Ah, j'hésite à faire un truc un peu con. En fait, en gros, je t'explique. Si c'est con, c'est forcément une bonne idée. Ressusciter un fidèle, ça paraît nul. Oui. Bon, mais, si jamais je le fais, ça me permet d'avoir 2 manes, ce qui me permet d'avoir un petit point de vie en plus, et ce qui me permet surtout de faire un chapelet qui, à la place de choisir entre 2 ou 5, je fais les 2. Mais je me dis, à un moment donné, il y a un gros champion qui va mourir et autant attendre. Ouais, ça me paraît être de la merde quand même. Donc là, on a des PV. Ah, moi, j'en ai. Ok, d'accord. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Cette carte-là ne me sert pas. Est-ce que 5, je peux acheter quelque chose ? Oui. Et en plus, je peux acheter un champion. Et moi, je suis en mode full champion. Je peux acheter soit... Alors, le 2, là, ne me sert à rien, d'accord ? Puisque l'ivrogne... Je crois que tu veux un champion qui a garde. Je veux un champion qui mette des thunes. J'aime bien les thunes. Bah ouais. Mais lui, il est bien aussi. Mettez un champion au-dessus de votre deck depuis votre défausse. Pour mon jeu, il est très bien. Pour ton jeu, il est bien, ouais. Pour mon jeu, il est pas mal. Mais là, je crois qu'on est en mode achat de thunes. Je prends le mage. Tu prendras plus tard. Je te le laisse, tu vois. Ça aussi, d'être ami. C'est ça aussi. Et donc, les deux ne me servent à rien. Très bien. Par contre, celui-ci, je le garde.
Et attends, attends, attends. Ça, t'en avais besoin? T'avais besoin des deux? J'ai payé deux. Allez. On est bon. Vas-y. Hop. Bleu, je perds un PV. Eh bien non, parce que lui, il tank. Ah non, non, non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Non. Il y a un dans le total de dégâts. Oui. Puis j'assomme mon champion ayant le bouclier le plus élevé. Donc lui, très déçu. Mais très déçu. Puis, on ajoute 4 au total de dégâts. Donc ça fait 5. On est à 5. Et maintenant que tout est fait, je prends 5 dans ma mère. Ouais. Il peut tuer le chat, donc il le tue. Ouais. Donc je prends 3 dans ma mère. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est comme ça qu'on joue, les gars. Comme ça qu'on joue. Et qu'ils sont très fiers de ça. Comme ça. Ah oui, vous avez joué mal pendant toute une partie. Non, ça va. 3 dégâts. Si j'ai 2 actions, je pioche une carte. Attention, est-ce que j'ai une autre action? Est-ce que j'ai une autre action? J'ai pas d'autre action. Mais. J'ai pas acheté grand chose comme action. Je peux dépenser 2 pièces d'or. Perdre un point de vie. Je vais le faire, ça me fait rire. Petit feu. Ha! Et avec 2 pièces d'or, je peux acheter une action qui coûterait 3. Il y en a pas. Mais je peux acheter celle-là pour 1. Ouais. C'est nul. Bah, peut-être une autre action à 1 après. Mais je préfère quand même avoir ça qu'une carte naze. Attends. Elle est mieux que la gemme de feu. Bah, pas forcément. Bah, elle me donne une couleur. Elle me donne 5 dégâts. Et elle me donne 2 pièces d'or si j'ai la couleur. Je vais juste jouer. J'ai acheté quoi au début? Je crois que j'ai acheté du. T'as du bleu? Bleu-vert. Je vais essayer de jouer bleu-vert. Et toi, tu vas essayer de jouer jaune-rouge. Et on va bien s'en sortir. À peu près. Pioche donc. J'ai juste pris un de tes champions bleus, mais enfin non. Pas grave. Ouais. Ok, moi ça me va parce que de toute façon tu creuses. Je creuse. J'ai joué tous mes golds. Attends, par contre j'ai les dégâts, j'ai 3 dégâts. Je ne peux pas le tuer, je l'ai dans le cul. Attends. Est-ce que le fait que. Alors je peux sacrifier ça pour le tuer et lui mettre 3 dégâts, c'est vraiment overkill. En fait, c'est parce que moi du coup. Oui. Ça va m'aider. Ah, je peux le tuer puis tuer le tien. Allez, je le fais. Hop. C'est moi, je suis facile c'est à convaincre. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai frérot. Alors, c'est pas un truc où tu le mets 4 aussi à lui, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Alors, que je te dise pas de bêtises, l'effet, c'est infliger 4 dégâts à chaque maître et serviteur dans la zone ciblée. Sauf que lui, il est dans ma zone. Il n'est pas dans la zone du maître. Donc, si c'était dans la zone du maître, ça marcherait. Mais comme c'est dans ma zone, il n'y a que lui qui meurt. C'est décevant. Il va là et du coup je mets 2 sur lui, il va là et du coup je mets 1 sur lui. On est bon. Ok, je sens qu'on est pas mal là. Je sens qu'on est pas mal. Et ça c'est ce que j'ai acheté, ça va là aussi. Bah quand il y en a. Et puis on a encore. Il gagne 2 points de vie. Et du coup lui il va me mettre 4. 4 ça veut dire que je me prends 3 sur lui et 1 sur moi. Ok. Déjà, il y a 34 à 36. Eh. L'écart oui, est pas aussi. Et il a 45 points de vie, on n'a pas 50. Comme tout à l'heure, il est resté 18 tours à 50 points de vie. Bon. Ça, à la limite. Ok, à moi. Je vais jouer un fidèle. Or. Et je vais jouer surtout Darian, mage de guerre. Qui, je pense, va surtout nous faire gagner des points de vie. Et une gemme de feu. Donc là, j'ai 4 potentiels. On est très content puisqu'il n'y a rien à 4. Du coup, je pense que je vais faire ça. Hâte de me défausser de cartes, de supprimer des cartes. Alors, bien de la merde dans les mains. Je vais partager les choses. Attends, non, je vais tuer cette merde. Ah, je vais tuer ça. Ok, je mets 4 sur l'ivrogne. Avec le fidèle et Darian. Ok. Puis, avec 2, je vais faire en sorte de moi gagner 3 points de vie. Alors pourquoi moi? Parce que j'ai un petit peu de points de vie en moins. Et surtout parce que ces champions gagnent plus 1 jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc lui et lui ont plus 1 en défense. Donc ça peut permettre d'en gagner un, ce qui serait peut-être pas mal. Et avec les deux qui me restent, je rachète une gemme de feu. On est d'accord que de toute façon, il n'y a que ça. Ouais. Voilà, j'ai utilisé... Donc là, tu as des champions qui ont actuellement 2 et 6 PV jusqu'à la fin de ton prochain tour. Et j'ai plus de champions en face. Normalement, il y a moyen que je mette là ces champions pour que j'en les vois. Il y a moyen que j'en garde un ou deux quand même. Au moins un, je pense. Vas-y. Ok. Ouais, parce qu'il va passer niveau 2. Soon là. Parce que... Ah, okay. Ce bon tavernier forcené. Ah, il me défausse une carte, fais chier. Parce que j'ai envie de me défausser d'une pièce d'or. De toute façon, il n'y a rien à 3, donc oui. Hop.
Est-ce que je vais piocher ou est-ce que je vais acheter une gemme de feu? C'est quoi tes autres cartes? Des dégâts. En vrai, le bâton de feu, t'as peut-être envie de le virer. Hein, parce que faut le mettre à 8. Je pense jamais tu le ferais. Moi, je virerais le bâton. Ça, faut le mettre à 8. À moins que t'aies deux actions. En fait, il me permet de piocher. Ah, t'as deux actions? Ok, si t'as deux actions, garde-le. J'ai deux actions. J'ai pas deux actions. Action. Ah non, c'est un objet. Donc non, si t'as pas d'action, vire le bâton de feu, je pense. Ça sert à rien. Y a rien qui coûte 3. Non, mais tu vas faire ton transfert. Je te connais. Ouais, mais attends, je me suis enlevé plus de points de vie que. Alors attends, t'es déjà en train de jouer, t'as pas pris des dégâts. Là, on est en tour adverse, là. On est en train de réfléchir à. Tu as raison. J'ai défaussé. 2 plus 1. Je prends 10 dans ma main. Attends, je te remets du coup à 36. Donc là, tu prends 10 là. Wow. Donc tu passes à. Et j'ai rien pour tanker. 26. Ok. Puis c'est ton tour. Je dépense 2. Je. Pioche une carte. C'est un gold, ça me va très bien, puisque du coup tu vas prendre une gemme de feu, t'as 1000 gemmes de feu. Et en fait, il y a un moment donné, tu vas défausser toutes tes gemmes de feu et tu vas commencer à mettre des dégâts. Ok. Et pour 2, je ne fais rien. C'était décevant. C'était un tour décevant, mais tu auras bien mieux tout à l'heure. Folie temporaire. Peut-être te remettre un peu de dégâts dans la gueule. Donc, folie temporaire, c'est parfait, puisque là, du coup, en fait, il me fait gagner. Il se fait gagner 2 points de vie. Je prends 4. Ce qui est mieux que 6. ça défausse. Et là, n'oublie pas qu'il est inconscient. Si tu lui mets 4, tu le tues. Je vais te faire trop plaisir. Merci. Je vais te faire trop plaisir. Donc j'ai même pas fait ma main, je suis un connard, mais je sais que déjà que en rien qu'en jeu, ça me fait plaisir. Pour une fois, je peux garder 2 champions en jeu. J'avoue que là. Alors ce qui est con, c'est que la seule fois où j'ai pu leur mettre des buffs machin, il m'a rien fait. C'est rare que on se. De toute façon, c'était jusqu'à votre prochain tour. Oui, donc en fait, ils étaient à 5 et 1 là. Jusqu'à la fin de mon prochain tour. La fin de ton prochain tour ? Ouais. Ouais, pas mal. Ils sont bien. Fort. Ils sont bien. Alors, donc je prends les deux cartes qui étaient là. 1, 2, 3, 4, 5. Le clair, ça a l'air bien. Le clair, c'est pas mal. Bah, le petit heal en vrai. Hey, merci à toi, Brian McCarthy, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Regardez cette main extraordinaire. Mais. Oh, t'as vraiment eu ça dans ta main là ? J'ai eu ça dans ma main. Mais en fait, ça va très bien. Ça va très bien, pourquoi ? Parce que déjà, rien qu'avec mes 2 mecs, je lui mets 4, donc 8, donc je le tue. Merci. Déjà. Et ensuite, avec 5, ça me permet pile d'acheter soit un champion qui m'intéresse, soit un commandement qui m'intéresse. Pas mal, hein ? Je t'en sors bien. Je crois que le champion t'intéresse plus. Tous les jours. Every fucking day. Je crois que tu as raison. Mettez un champion au-dessus de votre deck depuis votre défausse. Attends, est-ce que t'as d'autres champions ? J'en ai pas mal. En fait, j'ai des fidèles et tout. Et là, tu heal, quoi. Tu nous fais gagner du temps. Parce que, en fait, le heal... J'ai l'impression que dans le jeu de base en versus, c'est pas la ressource que tu cherches le plus à avoir. Par contre, dans ce mode, le heal, il te fait temporiser quelques tours. Tu sais pourquoi j'ai plus envie de prendre lui ? Parce que lui, il n'y a aucun monde où tu le voudras. Alors que lui, si tu le pioches, tu seras quand même plutôt content. Vas-y. Et que mon truc blanc, là, il n'a pas d'avantage à être... Ok, lui non plus, d'ailleurs. En fait, tu vois, ça, on peut l'avoir tous les deux, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Donc autant que je prenne ça et qu'au moins je te laisse un... Fais-toi plaisir. Donc lui, il dégage. Et c'est remplacé par un autre champion, Parov l'exécuteur. Et tu as tout plaisir fait. À toi et à moi. J'ai tout fait, c'est à toi. Maîtrise là, je pense. Ouais. Bleu. Je prends 1 et j'assomme le champion. J'en ai pas, donc je prends 1. Et il évolue niveau 2. Donc là, c'est encore toi qui vas prendre 2 cartes dans ta mer. Ouais, mais je les tank bien là, je les tank beaucoup mieux que tout à l'heure. Je le sens bien là. Tu le sens bien ? Ok. Le petit familier. Le grognard orc, putain, qu'est-ce qu'il fait bien les sons. On rappelle, hein, vous pouvez aller sur l'application Blind pour entendre ma voix suave dans l'enfeust. Exactement. C'est vrai. Ok. Embrasé. Qu'est ta mère. C'est une intimidation. Yeah. Et la gemme de feu. Attendez. Allons-y. On a pas mal de choses. On a rien qui nous fait piocher. On a beaucoup de dégâts. Et il n'y a pas d'ennemis en face. Donc je crois que c'est le moment de lui casser la bouche. Donc on va lui mettre 5, 6, 7. Ah, attends, ça j'ai pas les deux là.
En fait, j'ai 2, éventuellement plus un 3. Il n'y a rien à 3. Ouais, je pense que tu pioches là, non ? Commence par piocher. Hein. D'abord. Ouais, mais c'est pas grave, tu refais une gemme. Ouais. Je sens que c'est à chier ça. Non, c'est pas si mal. Ok. Donc j'ai 2. Est-ce que je supprime cette gemme ? Tu peux. Je pense que j'en ai beaucoup. Donc 2 et 3, 5 et 5, 10 et 2, 12. 35, il a pris un peu cher. De toute façon, c'est le moment où lui mettre aussi des dégâts parce qu'après, il y aura plein de man qui font pop. Ok. Awam. Alors, j'en prends 2. Le premier, les fameux dangers. On n'a pas eu depuis tout à l'heure, mais en vrai, maintenant que j'ai plein de champions, ça va peut-être être plus sympa à tanker. Donc, j'assomme mon champion ayant le truc le plus élevé, ça c'est super bien. Puis. T'as pêché 2 cartes là. J'ai pêché qu'une seule carte pour l'instant. Donc, j'ai juste fait ça et j'ai pris. Et j'ai, donc, il y a 2 qui sont dans la pile. Puis. Ah bah, très bien. J'ai ça. Tu restes chez toi, on t'a dit. Et du coup, je refais 2. Donc, je rebute ce truc là. Et donc, j'ai pris en tout 2 plus 2, 4. Exactement. Voilà. Là, on est bon. À toi de jouer. Et on est pas mal. Et là, je pense que je vais faire un truc intéressant. Ah ouais, putain. Oh, t'as une belle main, là. Percepteur de dîmes. Massue. Or. Myros, mage de la guilde. Et du coup, je peux directement faire chapelet. Et tu vas gagner 5 points de vie. 5 précieux points de vie. Oh, ça, c'est gentil, ça. 5 précieux points de vie. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit parce que tu es bloqué chez toi. Eh bien, j'engage. Tu fermes ta gueule. T'es 2 champions. Mes 2 champions. Oui. Je pète. Attends. Juste, est-ce que je fais pas mieux de renvoyer ? Est-ce que c'est pas le moment pour faire ça ? Attends. Réfléchis. Hein. Pour le moment, tu n'as pas le droit de me hit. T'as raison, j'ai pas le droit. Alors, attends. Alors, attends. Ce qui est sûr, c'est que j'ai gagné le droit de healer si jamais je joue ça. Ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7, je peux avoir domination, genre je mobilise un champion, c'est trop bien. Je peux aussi faire... Ouais, 7, c'est trop bien. Donc, il me faut 7. Moi, je te le dis. Oui. Je sais pas si j'ai le droit, mais on s'en fout. Si, tu as le droit de monter à ta main. J'ai ma main. Oui. J'ai calculé. Okay. J'achète ça au prochain tour. Attaché de domination ? Oui. Ok, bah je peux prendre l'autre, hein. Je m'en fous, ça va très bien aussi. Donc, comme j'ai besoin de toute cette thune, je crois que je vais quand même en péter, hein, parce que sinon ça va être trop chiant. Je vais quand même en péter. Hein. Donc, je vais sacrifier ressusciter. Ok. Pour pouvoir remettre Darian, le mage de guerre, pour qu'il pète... un truc. Puis je prends 1, 4, 5, 6, 7 et j'achète avec ces 7 Kritos, maître vampire. D'accord, tu m'as pas heal. Non, je ne t'ai pas heal du coup. Je ne t'ai pas heal parce que sinon j'achète pas ça en fait et c'est trop fort. Bah, pour une fois que j'ai 7. C'est à ton tour. Je pouvais pas. Bref, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Et donc les 2 blessures, du coup, je peux pas les mettre puisque j'avais un danger. Ok, 4 dans la pile. Et pour toi aussi. Enfin non, 4 dans la pile pour moi. Plus 3 dans la pile et je me défausse d'une carte. Donc 7 dans la pile et je me défausse cette carte. Oui. Vas-y. Je vais y aller là. Je crois que j'ai l'impression que la difficulté a été augmentée parce que c'est pas parce qu'il est dans la zone du maître qu'il a le droit de taper autant qu'il est de joueur. J'ai l'impression qu'en fait les élites on les prend beaucoup plus fort qu'ils ne le sont. Je crois que c'est justement moi je crois que l'élite te dit que à ton tour il t'attaque,
À mon tour, il m'attaque. Et depuis tout à l'heure, on dit, à chaque fois, il attaque tout le monde, et ça me paraît beaucoup, beaucoup trop fort. Et quand je vois que c'est rajouté 5... T'as pas tort. À mon avis, si on a, on a perdu la dernière fois, c'est aussi parce qu'on se prenait... T'as pas tort. Et là, le fait que personne dans le chat l'ait dit... Le maître utilise chacun de ses serviteurs dans la zone de jeu du maître. Il attaque le joueur. Il attaque le joueur actif, pas tous les joueurs. Ça, Fanny nous le dire avant, ça. Parce que nous, à chaque fois, on se prenait 10 en fait. Oui. Donc, ça veut dire que la partie d'avant. On aurait dû gagner. Je sais pas si on aurait dû gagner, mais elle est annulée. Et que là, le premier truc, c'est. Donc, on va faire ça, Massamo. Vas-y. 4 et 3. Je me suis déjà défaussé une carte. 4 et 3, 7. Plus 5. Je prends 12 dans ma mère. Il meurt. Il ne peut pas me tuer, donc il le tue. Donc je prends 12 moins 5. Je prends 7 dans ma mère. J'arrive, Max. Ensuite, ça dégage. Lui, ça reste là. Je vais... J'ai enlevé une pièce dehors. 1, 2. Ah putain. 3, 4. T'es déposé, c'est ça ? 5, 6. 1 de moins si c'est une action. Domination est une action. Je peux donc l'acheter. Merci. Il y a Michnab qui dit oui, Rof, mais j'ai pas fait gaffe. Désolé, j'étais stressé pour mon ban. tu vois, tu l'es. Tu les stresses. Je les stresse. Je ne fais donc rien à mon tour. Si je peux supprimer ces cartes pour infliger 6 et tuer ce mec-là. It's the moment. Et un. Il n'y a pas de petit profit. Oui, non. Non, du coup, tu dois les remettre avec les autres gemmes de feu. Ok, c'était pas si nul comme toi. C'était pas si nul. On va remettre un petit don de la nature ici. Et c'est parti pour me prendre deux. Une maîtrise qui fait gagner 3 points de vie. C'est vraiment le moins pire des trucs qu'on peut avoir. Et un disciple de Ruinos qui va assommer Darian. Puis il a 2. Et 3-5. Donc là, on est d'accord qu'il doit tuer garder. Lui. Et ensuite, les deux, par contre, il me le mettra sur moi et pas sur lui. Comme ça qu'on joue à jeu. Parfait. Les mecs sont très fiers d'avoir les vraies règles. Parfait. Ça, tu l'as dégagé ? Non. T'es toujours bloqué ? J'ai dégagé un. Ouais. J'en avais deux. C'est pour ça que je pouvais pas te heal aussi. Ok. À toi de jouer, mec. C'est le moment. C'est le moment où on prend l'ascendant. Là, je le sens. Alors, faut juste que j'essaie de te healer un peu parce que tu vas commencer un peu à douiller. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Ok, ça me va. Puisque grâce à ce fidèle. Je possède 2 champions. Du coup, mon chapelet... Alors, d'abord que je m'occupe de ça, du coup. Donc, j'ai fidèle. Le fidèle me permet de péter ça. Oui. Allez. Le fidèle est parfait, d'ailleurs, pour péter ça. Parce qu'il est à 1, ça rend plus... Comme j'ai 2 manes, eh bien, du coup, je fais chapelet. Non seulement ça m'apporte 2, mais en plus, ça te soigne de 5. Là, c'est bon, c'est sûr. Il n'y a plus de... y a plus d'embrouille. Merci. J'apprécie. Puis, je vais avoir... 2 en plus et 2 en plus, et donc j'ai recette. Recette ne servant à rien, eh bien, je vais pouvoir te re-healer, figure-toi. De 2. Alors attends, il y a un monde où du coup, je vais peut-être sacrifier une gemme de feu pour tuer mon disciple. Hein. Ouais. Donc, je vais, à la place de gagner 1, te healer de 2. Puis, je vais gagner 6 pour acheter le gros truc à 6. Puis je vais ban une gemme de feu pour tuer ce disciple. Et enfin, je vais mettre 2 à cet ignoble personnage. Pas trop mal. Ça paraît pas mal. Hein, on est pas mal. C'est un beau tour, On commence à être pas mal. Moi, je vais prendre. Ah, l'homme de main, Winos, vert. Donc, on met 3 dans la pile et je me défausse d'une carte. Ça commence à être chiant. Je vais me défausser. Je crois que je vais me défausser d'une pièce d'or parce qu'en fait, je n'en ai qu'une. Ouais, et puis là, on commence à pouvoir lui mettre des dégâts. Donc, il y a donc. Il y a 3, c'est ça ? 3 dans la pile. Oh, je le sens bien là. Je le sens bien.
pas qu'on fasse trop les malins, mais le fait de pouvoir heal, c'est quand même bien pratique. Hop. Les petits champions là qui vont pile pour. Des bleutins qui au moins te fera pas de mal. Pas de dégâts, mais. Enfin, pas de dégâts. Ouah, il me fait chier par contre. Mais quand même, d'un objet. Il met pas 4. Grâce ah oui, rouge. D'accord. Donc là, il y a 3 et 4, 7 dans la pile, plus 5, encore 12. Bien fait de te heal, hein, parce que sinon t'étais mort. Et il faut que je jette un objet, et c'est très chiant. Ah, parce que je comptais bien utiliser cet objet. Je passe à 7, putain, j'ai fait le malin il y a 2 secondes, en fait. Ouais, terrible. Bon. J'ai pas de champion. En fait, je peux pas l'enlever. Enfin, là, je suis dans la merde. Mais j'ai des dégâts. J'ai pas une main ouf, hein. J'ai pas une main ouf, putain. J'ai 9 dégâts. Ah, peut-être perdre sur ça. Ah, je peux tuer les deux. Pas mal. Oui, non, mais c'est très bien. Bon, bah, fais pas chier. C'est juste qu'on peut peut-être perdre sur le fait que t'es qu'à 7 points de vie, que je ne peux, je crois pas, te healer. J'ai tué les deux, c'est bon. C'est pas mal. Allez, next. Passe au jeu. C'est très bien, c'est très bien. Next. Ok, vas-y. J'y vais. Je pioche. Oh putain. Je peux te tuer là. Je peux te tuer grâce à cette folie temporaire. Donc, non, bah, du faudrait coup... que tu... On aurait quand même pas de bol que tu chopes un 7. Hein. 3. Ah bon, 3, c'est facile. Je peux rechoper une folie. Hein. Ok, ça va. Donc, je vais assommer le champion ayant le machin le plus élevé, c'est lui. Donc ça, ça dégage. Alors, en fait, attends, ça m'a fait du rouge et du bleu. Donc en tout, j'ai pris 6. 6 plus 3, 9. Moins... Alors attends, ça dégage. 6 plus 3, 9, moins 1, 8, 23. Ok, cool. Ça commence à être chaud, hein. Faudra qu'on essaie de le fumer quand même. Hein. Oh, je fais rien au prochain tour. Je fais rien. Je suis une merde. Okay, prochain tour, je vais être un héros. Si, il faut que je te heal. Faut que tu me heal absolument. Sinon, c'est terminé. C'est vraiment le truc que je peux faire, quoi. Je vais mettre ça plus ça. Plus 3. En fait, moi, je vois mes mains à chaque tour et je me dis vraiment acheter des gemmes à chaque tour, c'était pas fou. Bah, c'est mieux que rien, c'est tellement mieux que rien, gros. Ouais, mais j'ai que de la merde. Du coup, bah vas-y, j'ai pas le choix, je te fais gagner 3 points de vie. À part pitié, ouais. Mais je suis pas sûr que ça. T'as aucun champion, à mon avis, tu t'es mort au prochain tour. Ensuite, je vais. En fait, c'est ça qui nous tue, c'est le fait de. Ah bah oui, mais bon. Bref, j'ai fait ça, ça sert meilleur. À rien. D'accord qu'ils ont garde, en fait, entre guillemets. Il faut d'abord que je les passe avant de pouvoir faire autre chose. Donc ça, ça fait rien. Je peux mettre un champion au-dessus de mon truc, oui, pourquoi pas. En fait, c'est nul, ça. Il se rend compte, après l'avoir acheté, le truc à 5, qu'en fait, c'est nul. Ouais, je vais mettre ça, ça permet de soigner, mais bon. En fait, c'est bien quand t'as un truc qui sert à piocher. Non, mais même, en fait, lui, j'ai toujours trouvé nul, même dans le jeu de base. Il a que 3. Ce truc là il est que conditionnel et mettre un champion au dessus de votre deck, même pas dans ta main, tu vois, au dessus de votre deck, vraiment c'est le mais pourquoi pire. Tu l'as acheté alors? Parce que il combotte quand même, ça reste un champion, il combotte un peu et que j'étais en mode ça peut être pas mal, mais en vrai il a chié. Vas-y, à toi. Bon, alors attention, est-ce que c'est la mort de Max? Et bah 4 et 4-8, voilà. Bah, c'était putain, c'est dur, hein. Fini quand... Oui, bah les deux ivrognes. On aurait peut-être dû jouer en mode normal. Mais en fait, c'est le mode normal. Non, c'est le mode vétéran. Non. Non, non. Le mode vétéran, c'est ne changer aucune règle. C'est bien assez dur comme ça. Ah oui, oui. Et le mode en dessous, c'est changer ça. D'accord, ok. Bon, écoutez, nous sommes des merdes. Attends. Moi, je suis mort, mais pas toi. Si t'as des serviteurs devant toi, tu peux pas heal les autres joueurs? Non. T'en déconnes, c'est vrai? Ah bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Et en fait... Si t'as des serviteurs avec toi, tu ne peux rien faire. Il faut que tu t'es bloqué. Oui. Putain. Ah oui, donc t'avais pas le droit de me heal en plus. Non. Bon bah, allez. Mais au moins c'est moi qui me suis. Allez hop. Après je suis pas. Ouais, je suis encore là, quoi. Ouais. Bon, le mage c'est à chier, hein. Plus jamais je le joue. En vrai, du coup, j'aurais peut-être. Qu'est-ce que j'aurais fait avec mes 3 pièces? J'aurais acheté. Je crois que j'ai trop fait son truc. J'ai perdu au moins 6 PV là à faire cette merde. Pour acheter des gemmes de feu de mort. Je pense que c'était vraiment... Donc, on est d'accord que là, tu me passes tout ça? Ouais, je vais bien crever. Ah fait. Bah, bon chance. Hein. Voilà, que du coup, j'ai 2 trucs qui arrivent. Donc, un autre. Et un blocage, mais ça limite le blocage, je m'en fous. Enfin, Alors, attends. Vert plus bleu. Tu tues ton plus gros man.
c'est ta défausse. Et vert plus bleu, tu prends 5 dans ta mer, plus 4. Ah non. Tu prends 9. Oui, bah, oui, pardon. Donc tu prends 5, 9, 13, 17, 20. Quoi ? Bah, tu prends tout. Alors là, je prends 15, flat. Combien ça me mettait en plus ? 5. 5 ? 20. Moins 1. Je suis à 4. Putain, c'est infâme. Hop, 19. Allez, bonjour. T'as 4 points de vie, c'est pas mal. En vrai, en vrai, si j'arrive à faire le full ménage et à me soigner... Non, mais non. Si. Parce que moi, je sors... Regarde, en vrai, je suis pas mort. Vas-y. Tu sais quoi ? Si ça se trouve, il y a un monde où je gagne cette partie tout seul. C'est gagnable, l'outil. Regarde. Oh, allez, franchement, j'ai gagné. Vous pouvez faire les paris dans le chat, je pense que j'ai gagné. Alors, j'y vais. Je commence par Darian, mage de guerre. C'est le plus gros garde que tu dois tuer. Ouais, j'ai fait ça. Puis, Myros. Oh putain, la belle puis, main. Puis, Percepteur de Dîmes. Ah. Puis, Kritos. Ah oui. Ah oui, on est... Je me batte, moi, je me batte. Ok, il y a une main, il y a une main. Moi, je suis là. Il y a une main, mais il y en a qu'un seul qui est garde. Hein. J'ai un goal. Et crois-moi, quand il peut te tuer, il te tue. Donc, faut te heal, frérot. Attends, bouge pas. Maintenant, il faut tuer des manas. Mais tu peux pas, gros. Attends, je peux peut-être revenir. Déjà, avec lui, je vais pouvoir... On est d'accord que la chaise, je peux quand même taper ça sans... Oui, inquiète. Donc, je vais pouvoir gagner 3. Je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Si vous faites ainsi, gagner 3 supplémentaires. Donc, je vais évidemment sacrifier de l'or. Et j'ai 6 de dégâts, là. OK. C'est con, c'est que lui, il met pas de dégâts, ce fils de pute. J'ai 6. Je peux avoir 9. On est d'accord que 9, c'est nul. 6 aussi, remarque. 9, je peux avoir ça plus ça. C'est pas mal. En fait, je peux avoir ça plus ça. C'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. Donc, soit je tue les deux, soit avec mon 6, j'en tue qu'un. Et tu te heal de 1, 2, 3. Tu peux te heal de 8. Je pouvais me healer de 4 de plus, quoi. En fait, c'est pas compliqué. Il vaut mieux tuer un mec que de me healer de 4. Ouais, c'est clair. Donc, avec mes 6. Alors, oui et non. Oui et non, dans la mesure où. Si le monstre peut te je vois ce que tu tuer, veux il te tue. S'il peut pas te tuer, oui. Il tue d'abord tes mecs. Ouais, mais j'ai foi. J'ai foi. Ok. Enfin, j'ai foi. Écoute, je t'ai donné les options. Maintenant, tu non, mais si, vas-y. C'est pareil. Donc, j'ai 9. Je tue les deux ivrognes. Attends, et je vais tuer intelligemment. Je voudrais laisser le plus chiant. Donc, par exemple, le rouge. Voilà, je vais le laisser. Ça. Voilà. Ok. J'ai tué ça et ça. Ensuite... je vais gagner 4. Attends. Je viens de me dire un truc. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on perd. Je vérifie. Ah, il y a peut-être une règle encore qu'on se dit. Je vérifie un truc. Donc j'ai ça. Puisque j'ai donc autant de champions. Très bien. Puis je vais gagner 3 pièces d'or qui vont me servir à me bénir. Me bénir me fait gagner 3. Je passe à 11. Et en plus, tous mes champions vont gagner 1 point. C'est pas mal, là. Et comme j'avais une pièce de plus et un d'or, eh ben, je vais acheter une gemme de feu, à moins que... Ouh là, il y a un petit dragon, là. Je vais acheter, du coup, une gemme de feu. Donc là, tous mes mans ont 1 en plus. Ah, attends. C'est le plus gros... qu'est-ce qu'on raconte, là ? Non, t'as tué le plus gros champion. Il y a une règle de base que vous avez pas bien intégrée. Qu'est-ce qu'il y a ? La carte, elle disait « Détruisez le plus gros champion ». On a détruit le plus gros champion. Oui. Et la priorité d'attaque, elle dit aussi d'attaquer... En fait, dans tous les cas, t'attaques toujours le plus gros. Donc... sauf s'il y a un garde. Cet or-là va aller là, puisque c'est... Si, je crois qu'on était good. Hein. Tout ça, ça reste ici. Ça, les gardes sont là. Des gardes champions qui doivent obligatoirement mourir avant le champion. Oui. Sauf que ce qui a fait que j'ai tué... carte blanche, c'est parce que c'était l'effet d'une carte ici qui dit assommer votre champion ayant le nombre de points de vie le plus élevé. Ça ne dit pas que je dois focus les gardes. C'est un effet. C'est pas via des dégâts, oui, que je l'ai tué. Et ça, c'est pas garder en fait. C'est assommer votre champion ayant la tout le plus élevé. Je crois que t'as raison. Bref, attention, c'est le moment où je peux faire le clutch puisque s'il ne me tue pas maintenant et que je garde mes mecs qui, en plus, ont un de plus, il y a un monde où je peux revenir.
J'ai encore un Ivrog, ok. Avec du bleu. Ah putain, par contre, le bleu, ça me baise. Du coup, lui va mourir. Ah, attends, je veux pas tricher. On va d'abord mélanger. Faut d'abord que je m'en fasse une main. Dans les règles de base, s'il y a marqué assommer un champion et qu'il y en a un qui a garde, on le passe en premier ? Non, mais justement, c'est le garde bleu à 3 qui meurt. Ok. Donc là, en fait, ce qu'il veut expliquer, c'est que là, le assommer, a priori, le garde, c'est le premier. Ah non, c'est pas ce que dit le texte. Regarde, regarde dans le jeu de base. En fait, je vais vérifier, mais s'il a raison. Ah là ! Bah, désolé, mais il y a une erreur dans le texte. Non, non. Si dans les règles, il y a marqué quand vous assommez quelqu'un avec une kappa, d'accord, mais... vous d'abord vous ciblez le garde. Il dit le plus élevé. Enfin, ouais. Si c'est dans les règles. Ouais, mais je vois ce que tu garde, dis. Mais... C'est garde, c'est là. Alors, blablabla, chaque champion a sa valeur de défense. Ah, c'est comme ça sur l'appli mobile. Ah, généralement, l'appli se trompe rarement. L'appli se trompe rarement, j'avoue. Oh putain, la main de départ voilà. Alors ? Il a raison ? Il a raison. Bon. Il a raison car le texte dit en fait, vos gardes en jeu, vos gardes mobilisés en jeu, ne peuvent pas être attaqués ni ciblés tant qu'un garde... En fait, c'est le ciblé qui change tout. C'est toujours les gardes en premier. Ce qui veut dire qu'au tour d'avant... J'avais éliminé en premier... Il y a des détails, hein, ouais. Il y a des détails. J'avais éliminé en premier... J'arriverai jamais à faire une vidéo de ce jeu avec des règles mais claires, si, nettes, sans erreur. Ce qui est bien, c'est que... C'est qu'à la fin... Ça me saoule. Bon. En fait, on est d'accord, du coup, Michinab, que tout à l'heure, j'avais lui, je crois, à 3, et j'avais une merguez à 1, là. Ça. Du coup, c'est lui qui aurait dû mourir en premier sur cette kappa-là. Et du coup, au lieu de prévenir un seulement avec lui, eh bien du coup, je prévenais deux en plus. Oh, donc moi, j'ai envie de me remettre à deux. J'ai envie de me remettre deux de plus. Voilà, je peux. Il rev-back de fou. Non, mais c'est grâce à la nouvelle règle, ce que je veux dire. Moi, je les prends, tu vois, je les prends. Michinab qui gagne un point de vie, du coup. Gagne un point de vie, gagne un point de vie. Tu as désormais le droit de faire une erreur dans tes corrections. Enfin, après, si tu peux ne pas utiliser ce droit, c'est cool. Ok, donc, là, ce qui se passe, c'est que j'ai donc... Pioché. Franchement, c'est pas bien. Ça me saoule de pas faire une partie sans misplay. Quoi. J'ai pioché du bleu. Assommer votre champion ayant la défense la plus élevée, donc du coup, je vais virer lui et pas le gros. Donc ça m'arrange. Puis, ça c'est le premier que j'ai tiré. Deuxième que je tire. Oh putain, homme de main Ruinos, qui donc est là, et qui dit rouge, je perds 4. Donc là, il y a 4 dans la pile. Plus 11, ça fait 15. Plus 5, je suis mort. Tout ça pour ça. Par contre, du coup, sur ce système, je me dis, putain, les cartes avec garde, c'est trop fort. Bah, c'est pour ça qu'en fait, mes petites cartes, là, mes petits trucs qu'on garde... Garde là, à 1, en vrai, non. Il se fait fumer facilement. C'est juste que... Et les dégâts excédents sont mis sur d'autres trucs. C'est juste pour ça que c'est bien. Pour cette kappa-là. Attends, parce qu'il me dit... On n'arrive pas à gagner, gros. Il me dit... Parce quoi, me semble que tu peux rajouter 6 de plus, mais pas 100% sûr. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, je fais ça. Et parce qu'il y a le... Si j'avais... Ah, mais putain ! Non, parce que... Ouais, non, je suis baisé. En fait, c'est con parce que là, mes man avaient 1 de plus. Donc, j'aurais pu tanker les dégâts s'ils ne mettaient pas autant. En fait, le fait est que... De toute façon, la règle n'est pas trop mal à ce niveau-là. J'ai l'impression. Quand il y a un de nous qui meurt et qu'il avait des mecs, c'est difficile, tu vois. Mais juste que à un tour près, tu peux gagner. Écoute, tant pis, on n'a pas réussi, on n'a pas réussi. Qu'est-ce que je te dise ? T'es chaud ou pas ? Est-ce que t'es chaud pour... Moi, je comprends en vrai, je m'amuse bien. J'aime bien le jeu de deck building. Je change de deck. Les cons, on est chaud. De toute façon, c'est la dernière émission. Hein, on est bien. On est combien? Vous êtes 400 là. Qu'est-ce que vous foutez un 31 juillet? Bah, vas-y, venez, on joue ensemble. On joue ensemble. Putain. Moi, je pense que je garde le... Mais c'est surtout, tu sais, ce qui me pousse à continuer là, c'est de me dire. À chaque fois, on a Il y a un monde où je vais cut les deux premières parties. Et sur YouTube, il n'y aura que la troisième sans erreur de jeu. Une game parfaite où les mecs connaissent le jeu comme s'ils l'avaient inventé. Merci pour le sub. C'est qui Kikotzer. Ça me saoule de ne pas faire une game sans erreur de jeu. Ça me...
déteste faire ça. C'est parce que déjà, avec ta femme, tu m'avais dit, ouais, ce serait bien qu'on rejoue parce que... En fait, j'ai fait ce jeu en live et je ne l'ai pas posté sur YouTube parce qu'on avait fait trop d'erreurs comme on a fait là. Et j'ai l'impression qu'on refait l'émission, on a fait les mêmes erreurs, alors que je viens de relire le livret de règles. Nique sa mère. On y retourne ou pas? Ouais. Les go. Yellow, si vous avez 5 minutes, en vrai... On va faire un petit livret de règles avec des petits encarts. Moi, tu sais bien quel clair, est mon problème, c'est que d'habitude je lis toujours les règles. Ouais, mais... Et que là, comme c'est toi en fait, qui du coup, en fait, les on règles sont dû... pas les règles sont Donc, pas c'est... mal faites. Je vais pas critiquer pour non, critiquer. C'est clair, c'est clair. On a un petit livret avec des petits pas. En plus, c'est plutôt lisible. Tu vois, quand j'ai voulu retrouver les règles à chaque fois, je fais tac tac tac, je retrouve assez vite. C'est pas le problème, c'est que n'a pas beaucoup d'exemples. Tu vois, c'est des wall of text. Certes, c'est des petits trucs, mais bon, à part les grandes images. Bon, c'est du texte. Bon, un peu d'aération, tu vois, des petites cases pour dire ah, attention, des mises en exemple, des trucs comme ça. Ça fera un peu de bien. J'ai l'impression que le bouquin est un peu petit, quoi. Bon, c'est pour tenir dans la boîte, j'ai bien compris, mais ça ne facilite pas. Et j'ai l'impression que si nous qui avons l'habitude de ce genre de jeu, on fait tant d'erreurs, imagine un man, c'est son premier jeu. C'est ben, rentre chez toi. C'est bah, c'est pour je ça pense que... qu'il fait que des erreurs toute sa vie et qu'en plus, il s'en rend pas compte parce que lui, il a pas le chat. Alors, bonjour. C'est clair que... en tout cas, moi, j'aime bien ce genre de jeu. Tu sais pourquoi? Parce que ça me rappelle Magic. Non, mais c'est vrai. Magic, quand tu joues, très souvent, tu fais des erreurs. Parce que les règles sont un peu velues et parce que... Bouquins. ça y est, on m'a perdu. Il rage complètement. Ça marche super bien en version mobile, par contre. Ah, ça, j'imagine que ah bah, du coup, oui, y a pas d'erreur évidemment, possible. Il n'y a plus d'erreur possible, mais bon, on est là pour. C'est pas ce qui est demandé. Bon, moi, Max Hildan, je te le dis, je vais changer de personnage. Oui. Pas parce que je n'ai pas aimé le prêtre, mais parce que j'aime. Bah, tant qu'à faire, autant tester des personnages différents. Qu'est-ce que tu m'as acheté là? Ça. Donc, ça, soit ça, je prends le voleur. Ça. Range. Je range pas, j'en jette tout à l'heure. Max, qu'est-ce que tu veux prendre? En gros, moi, soit je prends l'archer, soit je prends le voleur. Est-ce que tu veux changer de personnage? Et si oui, tu prends qui? Je vais prendre... Alors toi, t'as pris qui? T'as pris le guerrier? Donc en fait, il y a archer-voleur. Il reste archer-voleur. Bah, prends l'archer, je prends le voleur. Allez, vas-y. Il reste archer-voleur. Très bien. Reste archer-voleur, on va faire archer-voleur. Il paraît qu'archer-voleur, c'est pas mal. Selon Michinab dit, faites voleur-archer. Vas-y. Alors, il faut que tu refasses le deck. Oui, je m'en occupe. Bon, on connaît hein, maintenant. On connaît. Moi, du coup, je prends l'archer. Alors, qu'est-ce que j'ai en tant qu'archer? Ah, il y a aussi un truc qu'on a, j'espère, pas raté. Dis-moi tout. C'est que... Oui, en fait, ce que je voulais vérifier tout à l'heure, peut-être le chat le sait. Depuis tout à l'heure, quand les maîtrises sont jouées, je ne les défausse pas, je les jette parce que j'ai... Ah oui. Un vague souvenir. Ah oui. D'avoir lu. Peut-être qu'il faut remélanger les maîtrises pour avoir que le bonus. Et en fait, bah, ce serait tellement mieux. Je me dis, ce serait tellement plus facile. Tellement mieux. Mais je me dis. j'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas les remettre dedans. Où est-ce que je l'ai lu? Si tu l'as lu, à mon avis. Dans quelle étagère? Mais en fait, je n'ai pas réussi à retrouver. Entre joueurs qui me demandent, avez-vous craqué? Êtes-vous mis à Flesh and Blood? On n'aime pas trop le jeu pour le moment. Mais on va y jouer. Mais on n'a pas encore joué en français. Voilà, c'est ça. On avait joué en anglais, on avait trouvé ça un peu surcoté, mais faut qu'on y rejoue. Voilà. Donc on est là. On en est là. Ah. C'est vrai que je trouve pas. Placé. Depuis le début. Indiqué sous son niveau et qui n'a pas encore retourné de rien. Placez les cartes maîtrises attachées dans la défausse du maître et retournez la grande carte maître. Non. Toutes les prochaines cartes maîtrises sont attachées normalement, même si le maître ne peut plus gagner de niveau. Donc en fait, voilà ce qui se passe. Non, mais c'est bon. Les trois premières cartes, quand il est niveau 1. Alors, je sais pas ce qu'on a bougé là, mais la caméra. Ouais, t'as posé ça comme un fils de. C'est pas impossible. Okay. Donc, en fait, quand il est niveau 1. Quelqu'un dit hâte de voir cette première game d'Hero Rims. Bienvenue à toutes et à tous. Quand tu as. La première carte maîtrise, la deuxième carte maîtrise, la troisième carte maîtrise. Oui. Il passe niveau 2. Oui. Les trois cartes maîtrises sont mises dans la défausse. Puis, à partir de maintenant, toutes les cartes maîtrises que tu chopes sont mises sous cette carte. Et donc n'iront plus dans la défausse. Mais ce qui veut dire. Mais ça ne change rien. C'est juste. Ce qui veut dire que. C'est dire qu'il y a trois cartes que tu aurais dû repiocher. Oui. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis content de l'avoir vu avant de relancer la game.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'on se trompe, mais avec le sourire. Ouais. Et ça. En vrai, moi, j'adore. J'adore les jeux évolutifs comme ça, même dans. Ah là, on évolue, là, ouais, bah ouais. Tu sais, il n'y a pas que le deck qui évolue. C'est du deck building, mais c'est aussi du joueur building. Du rule building. Quoi. Tu vois, c'est au fur et à mesure, on ajoute des règles qui finalement nous avantagent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a joué avec. On a joué avec les games le plus dur possible. On a joué en version hard. Hardcore. Ce qui me va, du coup, sur le fait d'avoir. Donc là, on va rouler sur le jeu. Facile. Et en plus, tu sais, ça fait mal au cœur. Mais ça, faudra pas lui dire. C'est quand j'ai joué avec ma femme, avec tous les problèmes qu'on a eus, on a gagné. C'est vrai ? Ouais. Bah, est-ce que vous n'avez pas fait d'autres erreurs ? Ah, peut-être. Ouais. Oh, les gros machos. sûrement qu'il y avait il y avait forcément des erreurs. Vous jouiez le mec une fois sur deux. Enfin, tu vois, il y avait un truc. Oh, les sales. Bon, quoi. Moi, ce que je veux savoir, Maxildan, oui, c'est ces cartes-là, là, qui en fait expliquent le bail. Oui. C'est les mêmes cartes. C'est juste qu'en fait, elles te servent à comprendre comment fonctionnent ces cartes quand tu joues avec ces decks-là dans le jeu de base. Parce que dans le jeu de base, tu peux jouer héros contre héros. Sauf qu'ici, il faut normalement les remplacer par des capacités où c'est écrit campagne. Qui n'ont pas forcément les mêmes trucs. Donc peut-être que là, tout à l'heure. Il faut complètement. Et tout à l'heure, je l'ai fait. Pour mon clair ? Ah non. Je crois que oui. Je crois que oui. Non, c'est le mage. Ça, c'est clair et au fond. Clair. Je crois que je l'ai fait. Résurrection mineure. Pas du tout la même chose, gros. Attends, c'est quoi ça ? C'est ce que j'ai ou pas ? Non, tout à l'heure, t'avais ressuscité. C'est pas la même chose. Tout à l'heure, t'avais ressuscité et l'autre truc, mais je sais pas, t'as pas rangé tes cartes, t'as pas voulu. C'est ça, ressuscité. Je m'en fous. Mettez un champion en jeu depuis votre défausse. Oui, c'est bon. C'est bon. Là, t'avais ça. Ouais, j'avais ça. Non, mais je crois que je l'avais fait, franchement. Ok. Non, tu l'avais pas fait, puisque ce truc-là, il était là-dedans. Tu l'avais pas fait, mais ça change rien, je crois. Tu l'as pas remis ? Et bénir, c'est pareil. Je crois qu'en fait, c'est pareil. En fait. Non, pas toujours. C'est vrai ? Pas toujours. Du coup, je vais faire pareil sur l'archer. Enfin, je vais le faire sur l'archer. Donc, l'archer, en fait, il a pisté à la place de pister. Et je crois que c'est... Ah, c'est pas pareil, t'as raison. Donc, pister, normalement, c'était... Regardez les trois premières cartes de votre deck. Vous pouvez mettre jusqu'à deux d'entre elles dans votre défausse. Mettez le reste au-dessus de votre deck dans n'importe quel ordre. Là, c'est regardez les trois cartes de votre deck. Vous pouvez en mettre jusqu'à deux d'entre elles dans votre défausse. Mettez le reste au-dessus de votre deck. En fait, c'est la même chose. C'est juste que c'est pas la même police. C'est bizarre. Des fois, c'est la même chose, mais c'est pas écrit tout à fait pareil. Et parfois, il y a des trucs qui changent. J'ai vérifié. Par exemple, sur le guerrier, c'est pas la même chose. Ok. Bon, c'est pareil. C'est pareil. Et du coup, coup fatal. Ouais, j'ai gardé ça là. Et du coup, coup fatal, c'est quoi ? Le deck est prêt. Ah là, on va gagner, pareil. Bordel de merde. Ah, t'as raison, c'est pas pareil. Attends. Moi, je veux bien pour la voleuse. Non, c'est pareil, c'est juste que c'est pas mal. C'est pas écrit pareil. Piochez une carte, vous pouvez assommer le champion ciblé. Assommer un serviteur ciblé qui ne se trouve pas dans votre zone, piocher une carte. En fait, ce qui change, c'est juste qui ne se trouve pas dans votre zone. Ouais. D'accord. C'est pas pareil. Donc toi, t'as quoi ? Moi, j'ai le voleur. Le voleur. Ça ? Oui. Donc, je veux vol à la tire et hold up. Hold up et vol à la tire. Merci. Et moi, j'ai quoi, du coup ? J'ai l'archer ? Mais attends, c'est quoi l'archer ? Il est où, mon deck d'archer ? Ça ? Et je commence avec 52 PV. Je crois qu'il y a un truc pour... Je sais, mais j'aime bien faire ça. Et toi ? Je commence avec... Non, c'est vrai. Je commence avec 58. Bon ! C'est la bonne. C'est la bonne ! Alors, quels sont nos pouvoirs, s'il te plaît ? De quoi ? Tu veux lire les pouvoirs ? Oui. Alors, moi, c'est... celui qui est réutilisable, c'est... Si vous pouvez cibler le maître... Gagner 3 et regarder la première carte de son deck, vous pouvez la mettre dans sa défausse. Donc en gros, c'est vous pouvez tu défausser une défausse, carte ouais. Et gagner 3 si j'ai personne devant moi. Ok. Pour deux, c'est pas mal. Pour moi, le truc de la mettre dans la défausse, à moins d'avoir le gros là, le 8-8, pas forcément terrible. Mais gagner 3, c'est bien. Et ensuite ? C'est sur vous, vous pouvez. Donc, sinon, remettez-le au-dessus de son deck. Non, c'est, ce qui est bien, non, là, c'est le fait de gagner 3. C'est payer 2, gagner 3. La prochaine fois que vous faites l'acquisition d'une carte ce tour-ci, vous pouvez acquérir gratuitement une carte de coût égal ou inférieur de la même faction.
Alors, si j'achète une jaune à 8, je peux acheter la jaune à 7 qui est à côté. Ouais. Mais il faut que les astres s'alignent. Parce que... Ah, ce serait effectivement un Honda. Okay. Bon. Moi, j'ai coup fatal. Donc, bah, je l'ai dit tout à l'heure. Assommer un serviteur ciblé qui ne se trouve pas dans votre zone. Piocher une carte. Donc, c'est plutôt cool. Notamment, je peux virer un de tes gros gars. Et pister, regarder les trois cartes. Donc, en fait, c'est une sorte de... C'est mieux que la pioche. Hein. Regardez les trois premières cartes de votre deck. Vous pouvez en mettre jusqu'à deux d'entre elles dans votre défausse. Mettez le reste au-dessus de votre deck. Non, c'est pas vraiment de la pioche. Mais ça peut permettre de filtrer, ce qui est pas mal. Bien, j'ai refait. Au moins, vous aurez vu beaucoup de cartes différentes. C'est très bien. Tu vas commencer. On reste du coup en vétéran. On est d'accord ? Mm-hmm. On va essayer de gagner cette fois-ci. Non, mais c'est mort, on gagne. Après, maintenant qu'on a les bonnes règles. Et surtout, pour YouTube. On y va ? 3, 2, 1. Hey ! Salut à toutes et à tous, bienvenue, on est parti pour cette toute première game d'Hero Realms, le mode campagne, hein, la ruine de Tandar. Vraiment, on a hâte de découvrir. Voilà, vraiment, ça va être une régalade de pouvoir découvrir ici cette extension coopérative. Et comme nous n'avons jamais joué au jeu, eh bien, nous allons le découvrir ensemble. C'est parti. J'espère qu'on va gagner. Ah bah, ça, moi aussi. Notre première partie. Je vais donc être le premier joueur, oui. Et nous allons prendre des cartes. Du deck de ce putain de maître. Tu commences par un élite, quoi, tour 1, super. Super, élite tour 1, on est bien. Donc lui, il va au centre, dans la zone du maître, et il va me mettre 3, plus 5, 8, bonjour. J'avoue, enchanté. Enchanté. Je suis l'homme de main de Ruinos. Et ben voilà, je suis content. Hop. J'aime une partie qui commence bien. On enchaîne. Je rigole, hein, je vais pas enlever les games d'avant. C'est une vanne. 18h52, début d'émission. Voilà. On va bientôt faire les joueurs du lundi. J'ai hâte. Des pièces d'or. Des pièces d'or. Ouais, je suis un peu dans le même cas. Et un couteau de lancer plus 2 pour chaque couteau que vous avez joué auparavant ce tour-ci. Chez. Si j'étais vraiment. Si j'avais aucune race. Je dirais, ok, on a perdu cette partie, refaisons une partie, on n'a pas homme de main tour 1, quoi. Non. Parce que franchement, j'ai une race. On va se faire défoncer, quoi. Non, parce que dis-toi que du coup, on ne va pas l'avoir avant longtemps. Mais il nous met les points qu'il était censé nous mettre plus tard, maintenant, pendant tous les tours. On l'aurait vidé, le deck, de toute façon. Mais non, on va se faire défoncer. Allons-y. 5. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour 5? Oh bah, ce loup terrifiant. Bonjour. Joli. Into, je lui mets 0. Ah, fin. Tu sais ce que j'appelle là tout de suite là ? Un champion à 6. Oh, ouais. 1. Action à 1. Action à 1. Parfait. Un. Nul. Je crois que la mère ne me veut pas. Le sang ne me veut pas. Bon, moi. Maîtrise. Maîtrise de assommer le champion, on s'en fout. Donc en tout, je vais prendre 6 et eh bien, il sera. Il a une petite maîtrise en plus. Je prends 6, je passe à 52. Ce jeu est vachement fluide. Quand on gère bien les règles. Quand on gère bien les règles, ça. Okay. Et donc pourquoi j'ai fait mon malin en voulant un champion ? Parce que j'ai une main remplie de pièces, mais le prochain champion dont vous faites l'acquisition ce tour-ci coûte 1 de moins. Eh bien, j'ai l'impression que du coup, le fait d'avoir 6 de pouvoir d'achat me donne envie. Ah là, j'ai un choix. Non, non, tu as. 5 de pouvoir d'achat, 6 si c'est un champion. D'accord. Mais comme tu vas acheter un truc champion, à 1 en espérant avoir un champion non, à 5. Non. Pour moi, soit je. En fait, toi, on est d'accord que tu es parti sur du vert. Parce qu'il y a ça aussi. Regarde pas trop ce que fait les autres. C'est vrai qu'on fait pas trop. On est des merdes. Et c'est bien dommage. Parce que là, par exemple, à 6. Laisse-moi le vert. À 6 dont un champion, je peux faire ça plus ça. Ce qui paraît plutôt. C'est vrai. Pas mal. Bah vas-y. D'accord. Allez. Donc je vais commencer par. Tu te videras de 6 quand tu auras les deux, ça sera bien. Je vais en commencer. Plus un garde à 4. Je vais commencer par l'homme d'action, l'homme d'arme, parce que si jamais il y a mieux comme action, blablabla. Ok, donc ça te Tac. Coûte ceci. Oui. Et là. Ok. Nul. Non, en vrai, c'est bien ça. Nul. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main, de votre défausse. Ça, faut l'acheter très vite. Hein. C'est je vais prendre ça nul. Parce que j'ai 3. Bref. À moi. Attends, pour lui casser la gueule. Attends, stop, roll back. Oh non, on a vu les cartes, c'est trop tard, Rof, c'est trop tard. J'ai rien vu. On a vu les cartes, tu casses les couilles. Attends, pourquoi, ça n'a pas changé grand-chose, juste un truc. J'ai un truc qui dit assommer un serviteur ciblé qui ne se trouve pas dans votre zone. Est-ce que c'est pas le moment pour jouer ? Oui, clairement. Et comme en dessous, il y a marqué en petit, piocher une carte,
Je vais faire un rollback, mais sans, enfin, sans tricher. Vas-y, quoi. Vas-y. Donc je pète. C'est évidemment le play à faire, mais fatal, c'est maintenant. Lis tes cartes. Voilà. Bah ça va. Je pioche un rubis. Ah oui. Qui du coup change tous mes plays. Attends, qu'est-ce que je suis pas censé voir? Ça, je suis pas censé le voir. Ça et ça. Et ça, voilà, très bien. Donc j'étais comme ça, ok. J'étais comme ça, j'étais bien. Et là, en fait, j'ai 8 de pouvoir d'achat. Et là, je suis très déçu de pas avoir eu un truc à 8. Non, mais de toute façon, tu sais quoi? Je vais rester sur ça. Alors, en fait, c'est ça. Non, mais ça, dans l'idée, je te le laisse parce que t'as pris du vert. Oui. Donc, je prends ce champion. En fait, prends le champion, déjà. Prends le champion, enlève dedans. Ok. Ça, enlève ça et ça, déjà. Oui. Ok. Il te reste. Il me reste 6. 3, 4, 5. 5. Ouais, 5. 5. 5. Et j'avais... Attends, je sais ce que j'avais. J'avais un truc à 1. C'était ça. Oui. Puisque t'avais dit blablabla. Et là, en vrai, non. Parce que moi, j'aime bien cette carte. Et que là, comme il me reste 5... Tu peux prendre ça, espère avoir un truc à 4. Ouais. Donc, je me souviens même pas de ce que c'était. Et c'était un truc à 2. Donc ça, ça m'a coûté 1. Donc il me reste 4. Reste... Et là, je peux éventuellement prendre ça. Non. Tu vas jouer rouge et jaune. Bah, tu sais quoi, je vais prendre ça, parce que j'allais le prendre. Voilà. Et tu peux reprendre une carte à 1. Bah ouais, c'est jaune, c'est bien. C'est bien plus petit. Ouais. Pas tout seul. Et en plus, tu me libères du vert. Voilà. Magnifique. Tu vas faire Chambier. Ça. Impeccable. Vas-y, let's go. Regarde si j'ai pas fait de conneries. Oh merde, je suis bloqué. Putain. Bon, je suis bloqué et je prends 3 dans mes miches. Bon. Ok, c'est bon. Ils se sont auto-répondus, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai fait un gros tour, là. 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4? Parce que j'ai pioché une carte, un, c'est normal. 2... 3, 4. 3, 4. Bon. Et là, vous allez me dire. Ça va, les gars, un misplay sur 3 heures d'émission. Ouais, bah ça, c'est le premier. Vas-y. Bon, j'ai très envie de l'acheter, mais je vais pas. Donc, t'as 4. Oui, t'as... Le mec, il a 7. Ah, j'hésite quand même. Je vais donc prendre ça. Mais oui, vas-y. Je vais donc prendre ça pour 4. Et qu'est-ce que t'as fait avec les autres cartes que t'avais en main? J'y viens. J'ai 2 couteaux. Mmh. Sauf que je ne peux pas les utiliser. Ah, oh, dur. Parce que j'ai ça et que j'ai pas de champion. Ma vie est une chienne. Mmh. Ouais. Je comprends bien. Jaune. Ah, c'est pour ta gueule. Alors, d'abord jaune. Il se hit de 2. Ok, et attention, c'est pour toi. 2. Oh. C'est ok. Ça va. À toi. Après, j'avais très peu d'armes. Et en plus, t'as rien devant toi. Vas-y. J'ai eu à la gueule. Mec, je donne tout. Est-ce que j'ai récupéré un truc bien? T'as 52, 39. Oh là là. J'ai récupéré ma taxation. Ah, c'est con, il me fallait un arc. Oh putain. Oh, je vais être trop roleplay. Vas-y. Je sors mon arc. Ouais. Et je décoche 2 flèches. Non mais. Mais c'est roleplay parce que si vous avez un arc en jeu, piochez une carte. Oui. Il est fort ou pas? Attends, donc... je pioche deux cartes. Oh, il est trop fort! C'est quoi ce héros de mort? Tac, tac! Ah bah oui, tu m'étonnes qu'on perd avec d'autres un. Trucs. Oh, pied de gold! Bah de, oui. Bon, faut avoir l'arc. Hein. Oh, bah ça va! En vrai, s'il y a qu'un seul arc dans tout le jeu, c'est pas évident. Non, mais ce que tu veux, c'est avoir le moins en fait, de cartes possible. En fait, c'est pour ça que tu fais pister. Oui. Du coup, tu défausses, tu récupères des flèches, des machins. Ce que tu veux, c'est avoir et le moins là, de cartes. Et là, du coup, je suis une main de salope. Donc, ah, alors, vas-y, attends, vas-y, ça, c'est bon. Toi. Je te préviens, t'achètes pas celui-là. Je vais faire contact mortel. Je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse, je vais sacrifier un or. Okay. Puis je vais faire ça et oh là là, oh, oh man, je nous fais gagner 6 points de vie chacun. Attends, tu sais quoi? Tu sais quoi? Comme je suis vraiment un gros frère. Ah putain, il y a ça. Oh mec, j'avais tellement de te faire gagner 12 points de vie là. Et tu sais quoi? Gagne 12 points de oui, vie. Oui, bah merci. Comme ça, t'es intuable, tu les finis tout seul. Ça, c'est le vrai sens du sacrifice. Bah, oui. C'est très bien. Je vais mettre tout ce que je peux. Vas-y, du coup, je veux bien que tu me mettes 12 points de vie pendant que je fais mon beurre. Je gagne pour chaque champion que j'ai en jeu. J'ai pas que champion en jeu. Je suis baisé. Pourquoi j'ai une carte en moins? Parce que j'en ai défaussé et j'en ai sacrifié une pour ça. Donc là, en gros, j'ai 2, 3, 4, 5. On rigole bien 6, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est cool. 6 plus 5. Et je lui mets 11, mec. Je lui mets 11 dans sa mère. Wouah, frère. Je viens de terminer de voir les redives de Magic sur YouTube. Cependant, le lien Google Drive avec les listes de decks d'Olivier ne fonctionne oula plus. Serait-il possible d'avoir les deck lists? Oula. C'est quoi, c'était pour le cube?
Je sais pas, mais je pense que c'était... Pas pour le cube, pour le Watch. Il y a 16 ans, 14 mois et 27 jours. J'irai pour... Envoie-moi un message sur Twitter. Je vais du coup gagner 2 de thunes. Et pour 2 de thunes, je vais récupérer eh bien, ce percepteur de dîme qui n'a pas démérité au tour d'avant. Et surtout, ça me permet d'avoir des manes. Oh, la main de Dieu. Pouah. Vous n'êtes pas prêts. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça. 2 et je me défausse d'une carte. Tiens. J'ai jamais envie de faire pister, quoi. Je crois que pister, c'est vraiment fin de tour. Fin de game. Voilà. Putain, c'est l'élite encore. Putain, carte, là. Ah, j'aurais dû faire pister avant de bannir. Pardon. Bah, moi, je prends 7 dans ma mère. Cool. C'est bien, c'est qu'il y a une redite, en tout cas, dans toutes ces games, c'est que c'est moi qui prends. C'est vrai que c'est... Apparemment, dans notre couple, c'est moi qui prends. C'est surtout toi qui prends. Par contre, j'ai 6 gold. Ça, c'est pas mal. 6 gold, c'est bien. Attends, 6 gold, c'est encore mieux si je te donne le meilleur truc à 6. Oh putain. Pour 6 gold, je vais dépenser hold up. Je vais prendre 6 et 4. En vrai, ça marche. Plus tôt tu le fais, et mieux ça. Hop. J'ai même mieux que ça. Attends, je peux avoir un truc. Attends, d'abord je prends 6. Ouais, justement. Et on voit ce qu'il y a. Ah, justement. Bah, faut que je prenne la plus chère parce qu'après c'est le même prix au moins. La prochaine fois que vous faites l'acquisition d'une carte ce tour-ci, vous pouvez acquérir gratuitement une carte de coût égal ou inférieur. Donc on est d'accord qu'en fait c'est tu prends ça. Si on révèle un truc à 5 bleus. Bon, non. Il y avait pas de chance, il y avait pas de chance. C'est quand même pas mal. On est bien. Bon, par contre, j'ai rien fait de mon tour. Non, attends, on a acheté. Là. De toute façon, là, des premiers tours, on cherche à acheter. Bon, à moi, il y a un mana 5 là. Hein. C'est pas mal. Ah oh, putain, ça c'est chiant. Ah, ça c'est chiant parce qu'on est bloqués tous les deux. Mmh. C'est très nul. Moi j'ai un champion. Alors non, c'est pire que ça. C'est très nul. Et tant qu'on a ça, on peut pas tuer lui. Bah bon, oui, mais tranquille. Ah bah, moi j'ai pas de champion. Frérot. Bon, moi j'en ai. Donc, j'ai pris quand même des dégâts. Si j'ai c'est pris, moi, j'ai un champion. J'ai pris 1 et j'assomme. Parfait, bon ça va. Je suis à 63. Pour l'instant, je me sens plutôt bien. Ensuite, je vais jouer celui-ci. Et tu prends 5. Oui, oui. Faut surveiller, hein. T'as raison. Je vais donc jouer l'homme d'arme qui va me permettre de virer ce truc-là. Oui. Ça, c'était sûr. Puis, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pour acheter c'est des un champions. Champion. Dommage. Mais de toute façon, tu me l'aurais laissé. Bah, de toute façon, c'est pas la question. Là, alors, soit je prends la forme du loup, mais on est d'accord que t'es bien parti lui, pour non, ça. Je prends lui pour 3. Tous les jours. Je prends lui pour 3. Et éventuellement, j'aurai un cultiste autour d'après. Tu prends lui plus un cultiste. Ou tu peux prendre lui plus une gemme. Moi, je suis parti rouge-blanc, c'est ça ? Et toi, plutôt bleu. Plutôt rouge-jaune et moi, plutôt bleu-vert. C'est ça. Ok, bah, ça me va. C'est des couleurs que j'aime bien. Attends. Tac. Et là, je peux pas le prendre. On va le prendre, on est d'accord. Avec 2. Alors attends, parce que là, avec 2, soit j'achète lui. Soit t'achètes ça. Soit je fais pister. Mais je crois qu'acheter un man comme ça, c'est pas si mal. En fait, on a besoin des champions, ne serait-ce que pour péter ces merdes-là. Là. Vas-y. Hop. Donc, ça dégage. Il n'y a que lui qui reste. Vas-y, à toi. Deuxième maîtrise. Verte. Donc, 2 et je me défausse d'une carte. Tu peux tuer l'homme de main, c'est bien. Ah, tu peux pas, putain, il faut ça. D'accord que le auparavant du couteau, c'est ceux que j'ai joués avant. Ouais. C'est-à-dire que le premier couteau n'a pas cet effet. Donc, en fait, ça fait 1, 2, 3, 4. Décevant. Décevant, donc en fait, je crois que je vais enlever un couteau. Ah oui, d'accord. Donc, je crois que je vais enlever un couteau. Parce que quitte à pas tuer le mec. Là, tu peux mettre que 4, c'est sûr ? Ouais. Bah, sûr. Là, c'est des gold. Ah, mais non, il y a ça. Ah ouais. Ouais, donc non. Alors, réfléchis bien. Attends. Non, parce que celui-là, non. Celui-là, mais attends. Attends. 3. Juste Max, n'oublie pas que dans ton compte, tu dois péter ton champion pour faire ça. Tu as raison, donc ouais. Ça ne marchera pas. Mais en fait, c'est pour ça que je comptais pas le truc. Donc j'enlève mon putain de couteau. Max prend 5, il les a pas pris
Mais attends, j'y suis pas en fait. Y est pas. J'y suis pas. Bah, tu y es pas, tu es en train de réfléchir à ton couteau. Bah oui, défaussez-vous d'une carte. D'accord, on est bon, on est bon. Est-ce qu'on se bat là ? Non, mais est-ce qu'on se bat ? C'est celui qui avait une vie. Ok. Donc, je me défausse d'une carte. Il y a 2 plus 5 dans la pile. Il y a 7, je pense. Voilà. J'ai 2 pièces d'or. J'ai un loup qui n'attaque pas. Ça dégoûte. Ouais. Mais il reste là. Mmh. Pas, oui. Et un couteau qui met 1 sur rien d'ailleurs. C'est beau ça. Donc c'est naze. Et 2 pièces d'or qui me servent. Donc moi j'ai dit que j'étais vert, bleu-vert. Bleu. Tu veux prendre du bleu ? Ouais, vas-y. Alors, est-ce que tu prends ça ou une gemme de feu ? Ah, la gemme, elle m'a cassé les couilles tout à l'heure. Hein. En vrai, le bénéfice. Que de la merde. Hein. Parce qu'en fait, c'est rare de faire ça. Faire du... En plus, j'en ai pas mal des bleus. Ouais, ça va déclencher des vieux 4. Allez. Et peut-être que tu auras un autre 1. Pour moi, la gemme de feu, ça ne s'achète que si, tu peux rien acheter d'autre. Ok. Dommage. Allez, c'est bon. Ça m'a saoulé. C'est bon, ça m'a saoulé. Bon, moi, je vais faire... Ah, oh, le tavernier. Oh, le tavernier. Le tavernier va faire très mal. Le tavernier me fait perdre 2 défaussés d'un. Putain. Vas-y. Attends, je vais mettre là. Tac. Donc, 2 défaussés d'un. Puis, alors moi, j'oublie pas l'homme qui, du coup, en fait, me fait... En... Là, je prends 15. Tu prends 8 et 5, 13, plus 2. Tu prends 15. Et tu t'es défaussé d'une carte ? Je me suis défaussé d'une carte, mais oh, à ce 15, je retire 4. Oh, le 15, il casse la bouche. Quoi. Après, c'est les 2 plus grosses cartes du jeu. Je retire... Donc, ça me fait 11. 11, ça me fait 47. En vrai, ça va. J'ai de quoi tanker. En fait, je préfère clairement que ça tombe sur moi. Bah, oui. T'es à 25, toi ? Ouais, bonjour. Attends, j'arrive. Je suis fort. Tu sais que si t'avais fait ça au tour d'avant, t'aurais pu m'éviter le tavernier. Ça, je dis rien. Dommage. En vrai, ça peut être trop fort de le faire maintenant. Non, trop tard. On ne roll back pas. Non, j'ai pas dit ça. Ah. J'ai dit à ton tour, à toi. Ah oui. Maintenant. Parce que si tu délayes l'arrivée de la troisième gemme... Ah oui. Là, mec... Là, on est bien. Ouh. Ah là. Bon. Ouais, c'est vrai. Bon, moi. Ça, c'est fort. Mais après, tu penses que c'est là la troisième gemme, là ? Non, parce que. Ah bah si, ça peut. Elle peut. Elle est là ou en dessous ? Si c'est là, on est baisé. Elle est là ou en dessous. Tu la prends. Ok, moi. Regardez bien. C'est magnifique. Mais attends, je peux le contrôler, en fait. Non. Le premier est là, tu vas te le prendre. Oui, oui. Si elle est sur le dessus, je suis baisé. Mais après, je peux le contrôler. Si, en plus, si elle n'est pas sur le dessus, il y a quand même de très fortes chances qu'elle soit en dessous. Et là. Oh, et là, ça veut dire que. Là, on... oh, ouais. Tu sais, on le laisse toujours niveau 1, c'est trop fort. Bon, donc, j'ai Rayla et Cultiste. Lui me fait piocher une carte. Je vais donc commencer. Très bien. Je vais donc jouer une taxation. Ça va pas être ouf. Connaîtrez-vous un jeu avec deck building jouable solo ? Celui qu'on est en train de faire. Et jouable solo. Mais il faut l'extension. Et Heroines, avec l'extension Heroines de Tendra, tu joues tout seul. Et là, je suis très déçu. Pourquoi Maxildan ? Dis-moi. Parce que je peux mettre 5. Regarde, pile 5. Ouais, mais t'as la chaise, non ? Ouais, t'es baisé. Ouais. Bon, bah, je suis baisé. Du coup, je me prends quand même 5 de pouvoir d'achat. Et pour 5, je pourrais prendre une forme de loup, mais tu vas me taper. Non, bah, donc, une ça fait quoi ? L'adversaire cible est... En fait, en vrai, le fait de dire l'adversaire cible dépose une carte, peut-être qu'on joue pas assez avec ça, mais faire défausser les gemmes. En fait, c'est les gemmes. C'est-à-dire, tu t'es dit, ah, mais c'est nul, parce qu'on arrive plus vite aux gemmes. Ouais, parce que si c'est la gemme qu'on défausse... T'es très content. Bon, là, soit je prends la forme de loup. L'adversaire cible dépose une carte. Il faut chatter pour défausser les gemmes. En fait, prendre 8 d'un coup, c'est fort. Après, l'homme d'armes est bien, mais je peux faire quoi ? Homme d'armes, gemme de feu, est-ce que c'est pas décevant ? Ah, tu sais quoi ? Tu sais quoi, Maxilda ? En plus, cette carte, tu peux défausser de 2 cartes, mec. 1, 2. Tu sais quoi ? Je vais le faire maintenant, Max. Vas-y. Je vais d'abord prendre l'homme d'armes. Parce que je te laisse, parce que je suis un bro. T'es un frère, ok. Surtout que j'ai un autre homme d'armes, bref, ça okay. pas. Il me reste 2 de pouvoir d'achat. Et là, tu sais ce que je vais faire ? Je vais te laisser toutes les cartes que tu veux. Mais. Je vais moi faire. Ah, mais putain, j'avais pas vu qu'il y avait lui. J'avais pas vu qu'il y avait lui. C'est pareil, ça revient même. J'ai pas vu qu'il y avait lui. Qu'est-ce que j'aurais préféré entre lui et lui ? 2 ou alors 1 ou 1. Vas-y. C'est pareil. C'est pareil. Ça me change. J'avais pas vu le prêtre. Donc, il est dans ma couleur, je le prends pour 3. Ça, c'est bon. Et pour les deux qui me restent, je vais pister pour une fois. Vas-y. Alors, pister, donc, ça fait je regarde les 3 premières cartes de mon deck. 1, 2, 3. Je peux en mettre jusqu'à 2 dans ma défausse et le reste au-dessus de mon deck. Dans n'importe quel ordre. Donc, je vous le révèle. J'ai 2 flèches, 1 or. Bah ouais, en vrai, ça va. Je vais mettre ça et ça dans ma défausse.
Ça me permet de creuser plus. Est-ce que c'était mieux que d'acheter une gemme de feu? Je sais pas. Oh, si t'as l'arc, t'es content. Ouais. Prochain tour. Vas-y, champion. Ouais, faut que j'essaie de tuer ton tavernier. Eh ben non, maîtrise. Ah non, baiser. Ah, c'est dommage. C'est dommage, hein. Si on doit en faire une quatrième, on saura que... Donc, alors attends, déjà, c'est rouge. Donc, je prends 3 plus 5. Je prends 8. Donc, tu prends... Moins 5. Ouais. Enfin, je prends 3. Maintenant. Si tu peux avoir tous les dégâts du monde, c'est le moment, quoi. Niveau 2. Putain. Et ça, ça va dans la défausse. Notez bien. Ce qui change des trucs, ça change des trucs. On y va. Oui, le point de vie, c'est live total sur iOS et Android. C'est pas grave, c'est gratuit. Regarde, regarde ce qui se passe. Il y a une petite pub à regarde retirer. Ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. On a payé pour retirer. Eh ben, tu déchires là. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. C'est très bien, c'est très bien. On est pas mal. Bon. Donc déjà, regarde. Pour 4, je tue lui. J'ai un tour de foot, on va pas. Voilà. Et ensuite, en vrai, pour 7 plus... En vrai, dans un premier temps, tu tues lui. Mais on s'en fout. Tu les butes de toute façon. D'accord. C'est pareil, je tue les deux. Oui, c'est juste que tu... C'était en premier, mais c'est pas... Attends, assommer le champion ciblé. Hop. Attends, bah assomme... Oui, assomme celui-là, oui, t'as raison. T'assommes celui-là. Je mets 4. Lui, je l'assomme. Et tout le reste dans sa bouche. 8 dans sa grosse bouche. Pah ! On va y arriver là, je le sens bien là. Là c'est beau. Le problème c'est quand j'ai dit ça la dernière fois, on s'est fait tuer deux tours plus tard. Mais... Ensuite, j'ai 3 pièces d'or. Bah bandit, hein, ouais. C'est bien. Je fais jaune bleu. Non, toi tu fais bleu vert. Bleu vert, ouais. Bah, trop bien. Bandit, c'est un peu de la merde. Bandit. Non, franchement c'est bien. Il a 4 de défense. 1 ou 2. Ouais, mais il est bien. Il est bien, je trouve que c'est un bon compagnon. Vraiment, vraiment. T'as juste envie que je creuse, dis-moi, mais j'ai envie que tu creuses. Non, c'est juste le meilleur choix à faire. J'ai l'impression que même le bénéfice, il est mieux. Tout ça pour... Et gros, c'est un... Mais 4 de merde, c'est pas un garde. 4, la plière, garde, elle fait chais. Je crois que tu ça peut t'apporter le petit 1 de plus qu'il faut. Ouais, ça peut te mettre des dégâts, il est versatile. Moi, je l'aime bien. Bah, je le préfère à mon garde pourri, là. Allez. Moi, je préfère le tien à celui-là, je pense. Ouais, je sais pas. Allez, go. Bon, moi. Donc, t'as tué tout le monde, t'es un boss, on va refill. Et là, par contre, je me prends deux. Ouais, parce que là, on a fait les malins. Oh, il y a un 8 qui est arrivé. Oh, c'est dommage que t'aies pas gardé ton truc là. T'as acheté 8, 7, bam, bam. Bah, oui, bah. Il est gentil, lui. En vrai, ça t'a permis de faire le second tour. Attends, quels sont les probas d'avoir le 7 ouais. et le 8 Eh, non, ça va. Ok, première carte pour moi. Ivrang Bellicure, on le connaît. Il a du vert. Il va... Oh putain, 3. Tu te défausses. Une défausse. 1, 2, 3. Ouais, le défaut, c'est quand même. Non. T'as raison. N'importe quoi. Tu ajoutes 3 dans la putain de pile, puis tu prends une deuxième carte. Attends, d'abord, je défausse un truc. Oh, je sais pas quoi défausser. Vas-y, je vais défausser lui, mais ça me fait chier. Ok. 3 plus 4. Plus 4, 11. Donc ça fait 11. 11 PV, il tue lui, puis il tue lui, oui. Puis tu prends 4. 4. Ouais. Et tu te défausses d'un objet si t'en as un. Genre ton arc. Putain, je pense que c'est un objet. Ou ta flèche. Bah du coup, la flèche. Eh. Ça dégoûte parce que j'ai gardé exprès. Mais trop tard. Putain. T'aurais dû défausser avant de voir ça. Donc, t'as pas... Oui, j'ai pas le choix. Non, mais j'ai fait le bon choix, mais juste. Du coup, non, en fait, oui, dans le. Si t'avais su, t'aurais défaussé l'arc et la flèche. Évidemment, évidemment, évidemment. On est bon. On a tout fait. C'est à toi de jouer. Bah ouais, cool, j'ai 3 cartes en main. Ah, super. Dont un arc qui ne sert à rien. Si, ça va. Ça va. Puisque je vais pouvoir faire Percepteur de Dim, Into Serrer les rangs. Donc là, mon petit bonhomme. Je vais te faire gagner. Je peux te faire gagner des points de vie ou pas? Non, il faut d'abord que je tue ça. Oui. Mais c'est pas grave. Oh putain, regarde-moi ça. J'ai 2 d'attaque, mm-hmm. plus 5, plus 2. Puisque j'ai un 9. Champion en jeu, ça fait 9. Ça fait que je tue les deux, je lui mets 1. Ouais. Et du coup, maintenant, je peux t'atteindre. Je te vois, mon compagnon. Je peux donc te faire gagner 1, plus 6, 7 points de vie. C'est pas un champion? Non. J'accepte.
C'est gentil. Voilà, par contre, j'ai rien acheté. C'est je suis une merde. Mais en fait, je suis là. Attends. Il y a un monde où, à la place de faire gagner un point de vie, j'achète un truc. Mais je peux acheter que ça. Et c'est pas bon. Vas-y. Bleu. Ah putain, il tue mon plus gros champion. Ah, ça me fait chier. De toute façon, les champions. Et il tue le champion garde. J'ai fait attention. Il y a deux sur la pile. Puis. Il se heal de 3. Donc il y a 2 plus 3, 5 et 4, 9, moins 6, 3. Bon, on tank. Ouais, mais je perds tous mes champions, ça casse les couilles. Parce qu'en plus, là, ce tour-là, je pouvais me régaler, quoi. J'avais du bleu. Bon, tant pis. Bah là, j'ai que de la thune. Bonjour. Bon, t'as un tour à vide, c'est pas grave, t'as quand même 6. Lui, n'oublie pas, si tu mets 2, tu me le tues, hein, donc ça m'arrange. Ça te met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est dommage, parce que pareil avec les trucs, bah, j'avais 7, 8, je pouvais prendre ça. Chier. Prends une forme de loup, c'est très bien, forme de loup bénéfice, on est très content. Non, mais ça va. Ouais, filles, on sait jamais. Oh, Christophe le Juste. Tu prends le bénéf ou pas? Ah, c'est mieux qu'une pièce. C'est mieux qu'une pièce. Et ça permet de creuser sur du jaune. Et ça me va. Putain, par contre, alors moi, le prochain tour, il prend le cul comme ça. Il dit hop, non, la pastèque. Non, je vais t'aider, gros. Merci. Enfin. Attends, je vais. À hauteur de mes moyens. Ok. Alors, attends. Donc, ça, c'est bon. On y va. Il y avait un maîtrise. Monde où je me healais, en vrai. Ça, c'est cool. On récupère des maîtrises. Puisque, en plus, c'est la maîtrise la pire. Puisqu'il va juste gagner 3 points de vie. Là, je suis content. C'est bien. Puis. Un ivrogne qui va évidemment me faire mal, puisque là, 8. Il me met 8. Moins 3, je prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je tue lui, mais du coup, je peux jouer. C'est bon, j'ai pas besoin de tout me défausser. Ouais, quand on maîtrise les règles, c'est... C'est fluide, hein, un. Prends du plaisir. Ok, je vais prendre fallait elle. Fallait faire 4 games avant, mais... lui. Tu vas bien. Je crois que c'est le moment où j'utilise mon truc pour pouvoir... Attends. Est-ce que c'est mieux de toute façon? Ouais, ça me sert bien même. Tu sais que j'ai filé Anneau à Axel. Ouais. Rentré chez lui. Ah ouais, il a rejoué avec c'est sa meuf. Putain, il a. C'est un bon jeu, mais il alors a. Je me dis, putain, sa meuf, c'est pas la giga gameuse, quoi. 3h30 de game. Ouais. Elle a joué jusqu'au bout. Et en fait, ils ont joué avec la petite sœur de sa meuf. C'est la petite sœur qui a gagné. Putain. GG. Des terres. Bon, donc. À moi, attends, il va se passer plein de trucs là. C'est trop bien ce tour. Puisque du coup, j'arrive ici et je peux piocher une carte. Donc, dans un premier temps, je pioche une carte. Ah, j'aime bien le jeu. On a recommencé 3 fois, c'est que j'aime bien. Sinon. Je pioche une carte. Ok, parfait. Oh là là. I got you back. Puisque là, en fait, je vais faire full combo. Oh ouais, t'es full rouge là? Ouais, je vais faire full combo. N'oublie pas qu'il y a ta caméra, je veux bien que tu relèves un peu tes cartes. Ouais, tu les décales un peu à gauche. Pardon, je t'avoue que j'ai pas du tout fait attention à vous, les gars. C'est vrai que vous êtes là, vous nous soutenez, ça c'est cool. Donc... Je vais gagner. Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est sûr. T'as pioché ? Oui. C'est sûr que je mets 11. Ça tombe bien puisqu'il faut 11. Donc, c'est nickel. Peut-être 12, c'est ça ? Justement, ouais. Avec 11, je tue tout. Ah non, putain, lui, il faut que 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est sûr que je tue tout le monde. Donc, ça. Attends. Avant de tuer tout le monde, on va. Oui, ça revient même. Vas-y, tu peux le faire maintenant. 4. Donc, 4. Moins 3, 3 7 et 2. 9. Donc, ça veut dire qu'il prend. Il te reste 2. Et, voilà. Et tout le reste, gold. En fait, je vais prendre une gold. 2 gold, 3 gold, 4. 5 si c'est un 5 champion. Si c'est un champion. Et je prends Christophe le Juste. Quel tour de ouf, malade! Ça m'a, plu. Putain. Et en plus, je peux sacrifier, ah putain, une carte de ma main ou de ma défausse. Bah, Christophe le Juste. Attends, tu peux, t'es pas obligé. C'est bon. Non, bah, est-ce que je sacrifie lui là? Ah, j'avoue que 2, il est l'heure. Ouais, il est l'heure pour lui de partir. Tu crois Il tank 3 dégâts. Il peut heal quand t'as plein de champions. T'as plein de champions? Oui. Ouais, je le garde, ce bon percepteur. Je vais pas le virer tout de suite, mais ça fait chier. Ça fait deux fois que. Le percepteur. Bon jeu de mots. Mais non, ça se dit comme ça. Oui. Non, il y a percepteur. Et toi, t'avais percepteur. Comme si t'étais un prêtre, t'es le percepteur. Bref. Parce qu'il y a précepteur et percepteur. Pas pareil. Percepteur, celui qui prend l'impôt. Le
précepteur. C'est celui qui dicte les préceptes. Ok, donc qu'est-ce qui se passe en jeu ? Il se passe que ça, ça reste, et que ça, ça reste. Tout le reste, ce sont des actions ou des objets. Donc, c'est bon pour moi. Oh, c'est pour ma gueule. Ça. Alors, 4 sur la pile. Toi, tu prends 2. Ça me va. Ah non, en plus, c'est une attaque maligne. Ah, ça me va. Donc, c'est bon, tu prends 2. Important. Ah. 4 sur la pile. 4 sur la pile. Donc. Plus 2, plus 4. Donc, ça fait 10 sur la pile. Et je tue mon champion le plus élevé. J'en ai pas chez. Donc, je prends 10. Par contre, c'est le moment où 16 à 36. Ça va aller parce que... Tiens, regarde, Reinhard Sauvage est apparu. Ouais, tu peux péter, Reinhard. C'est le moment, normalement. C'est le moment que tu choisis pour terminer off. Bon. J'ai de la thune. J'ai des euros-dollars. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive pas à avoir mes combos parce qu'en fait, il me les tue à chaque fois. Et avec 6, ça du plaisir. Ça du plaisir. Par contre, pour 6, je peux récupérer 6 PV. Et regardez les cartes sur le dessus. Et c'est une... Et ça... En fait... Et ça, je le sais, c'est une maîtrise. Bah justement, il faut la laisser maintenant. Ah oui, c'est vrai. Par contre, dans quel monde tu gagnes 6 points de vie ? Ça, tu peux le faire qu'une fois. Hein. T'as raison. Je peux gagner 3 déjà. Bon, t'as quoi d'autre en main ? Je peux gagner 3 et après pour 4, j'achète ça. Merci, au revoir, on passe à la suite. T'as quoi en main ? Des dégâts de merde. J'ai 4 dégâts. Franchement, les couteaux de lancer sont un peu décevants. En fait, j'ai 4 dégâts, je vais tuer l'ivrogne. Ouais, tu l'ivrogne. Bon, 1, 2, 3, 4. Allez. Hop. Donc c'est 1. Je la laisse. Ouais. Je mets le 2-3. Et c'est bien. Donc ça, c'était pour 2. Et pour 4, j'achète ça. Et avec pour 4 dégâts, donc 1, 2, 3, 4. Tu livres rien. Ok. Bon, bah c'est pas trop mal. Bon, ah, c'était... Pas et fou, en vrai, quoi. Gagner des points de vie, c'est pas si mal. Bon, à moi, effectivement, donc la gemme, je la prends et... Qu'est-ce qui est posé ce tour-là, lui ? Non, tu viens de l'acheter. Non, c'est lui que je viens d'acheter. Ouais. Donc c'est bon, c'est bon. Donc j'ai une maîtrise qui me dit c'est laquelle ? C'est la blanche. Donc la blanche, c'est la bleue. J'assomme mon champion le plus élevé. Alors là, je choisis, on est d'accord. Oui. Je choisis entre de la thune ou un truc qui me permet de piocher. Bah, attends, je vais regarder. De toute façon, il va crever, mais bon. Vas-y, je vais retirer lui. Attends, il y a une règle sur le tu choisis. C'est vrai ? Ouais, aucune vanne. Putain. Aucune vanne, il y a une règle. Il y a une règle qui dit. Ouah, pour que je retrouve ça, ça va être un enfer. Il y a un truc, il y a un titre en mode en cas d'égalité. Départager les égalités. C'est une carte. Plusieurs joueurs. Commencez toujours par le joueur actif. D'accord. Puis procéder dans le sens horaire. En cas d'égalité entre des cartes d'un même joueur, c'est le cas. C'est ce joueur qui choisit. Merci pour cette intervention. je vais. En vrai, lui, coup de 4, lui, 3. C'est censé être un petit peu meilleur. Oh, mon prochain tour, c'est... Est-ce que je préfère mettre 3 ou gagner 1 ? Ouais, vas-y. De toute façon, il va sûrement mourir, l'autre. Hein. Puisque donc là, du coup, j'ai ça. C'est du bleu, on est d'accord. Oui, c'est du bleu. Donc en fait, j'ai deux. Non, je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire le. Ça. Donc là, j'ai 2 dans la pile. Mais de toute façon, il va crever aussi. Donc on s'en fout. Il y a un peu de chance qu'il s'en sorte. Voilà, voilà. Oh putain, l'homme de main. L'homme de main qui du coup est rouge, qui du coup met 4, donc ça me fait 6 dans la pile. 6 plus 5, 11. 11 moins 4, 7. Je prends 7 et je peux jouer mon tour. Alors, j'ai malheureusement une flèche sans arc. C'est un petit peu triste, mais c'est la vie. en fait, j'ai... De toute façon, les cartes de base, il faut les virer comme d'habitude. Merde, hein, j'ai une main de merde. Ouais. Ça, plus ça... En fait, j'ai une main de merde, sauf que... T'as une main de merde, ça va. Je vais quand même me heal de tout. On est d'accord, je peux pas te heal, là ? Bah si. Non. Bah si. Moi, j'ai rien devant moi, t'as rien devant toi. D'accord, que le seul truc qui me bloquait, c'est si j'avais un man devant moi. Ouais. Eh ben, tu vas gagner 12 points de vie, excuse-moi du peu. Merci. J'ai donc plus de victoires.
Ouais, mais ça me va. Ça me va parce que de toute façon, c'est plus ou moins toi qui es target. J'ai 5 de pouvoir d'achat. J'ai 5, ouais. C'est ce qui se passe. Alors, avec 5, je peux faire éventuellement un pisté et un homme d'armes. Les hommes d'armes, je commence à les collectionner. En vrai, ça peut être pas mal. Je vais prendre l'homme d'armes. Et là, j'ai le choix entre une taxation ou un pisté. Oh là là. 8, 7, 6. Ouais. Une taxation ou un pisté. Je reprends ma carte. En vrai, la taxation, le fait de gagner 6 points de vie, c'est vraiment, vraiment pas nul dans ce format. Ah bah non. Mais ça me fait chier d'avoir un qui est paumé. Et pister, c'est pas si nul non plus. Hein. Ça me permet d'avoir une bonne main au tour d'après. Donc, est-ce que je préfère avoir une bonne main au tour d'après ou une carte moyen tiers dans mon deck ? Je crois que je vais pister. C'est le bon moment pour pister, je pense. Allez. Je piste. 1, 2, 3. Et je vire un arc qui ne m'aurait pas servi puisque j'avais plus de flèches. Je crois. Attends. C'est le moment où j'ai le cul. C'est le moment où on regarde où sont les autres flèches. Ok, donc j'ai une flèche. Donc, c'est-à-dire que je garde l'arc et que je vire cet or pourri. Et est-ce que je vire le cultiste de la mort ? Ah oui, tu gardes l'arc. Non, parce que vous pouvez en mettre jusqu'à 2 d'entre elles dans ma défausse. Ah, garde les deux. Non, je pense que je vais quand même virer le cultiste. Bah, il donne que 2 dégâts, ouais, après ça, c'est un gars. Je préfère avoir des gros trucs. Enfin, je commence à avoir des trucs un peu chers. Donc, ouais, donc je vais juste mettre l'arc au-dessus, qui normalement a une autre flèche, si j'ai bien calculé mon coup. Ouais, normalement, il y a une autre flèche derrière. Et c'est bon pour moi. Blanc, oh putain, je suis bloqué. Blanc, donc bleu, donc 2, et je suis mon champion. Ah, mais de toute façon, les champions, tu les gardes pas. Hein. Ah, donc 2. Oh bah. 2 et 2. 2 et 2, plus de champion. Donc, 2 et 2, 4 et 5, 9. Ouais. À moi de jouer. J'avais pas des blessures à mettre, moi ? Non, j'ai rien fait, je crois. J'ai quoi ça ce tour-là ? Non, j'ai pas de blessure. La bonne nouvelle. Attends. J'ai envie de les enlever, les chaises, on est d'accord ? J'ai fait quoi à ce tour-là, moi ? Au niveau des dégâts ? J'ai pas fait ça. Je sais pas, gros. Je vérifie pas ce que tu fais. Y a rien dans la défausse, normal ? Oui, je viens d'en mélanger. T'as pioché une, qui est là. Bah, je tue l'élite alors. Attends, t'as 5 dégâts ou là, non, j'ai pas fait de dégâts, on est d'accord, j'ai pas fait de dégâts. T'avais combien de dégâts ? Donc j'avais bien 5 de dégâts, je regarde si j'avais pas plus. Non, j'avais bien 5 de dégâts. Normalement. Attends, tu vas trop loin là. Non, parce que j'ai. En gros, j'ai mis ça. Oui. J'ai mis. Stop. Or et cultiste dans ma défausse, oui. Grâce à pister. Puis j'ai joué une flèche. C'est ça. En fait, il y a 5, donc je tue pile l'homme de. Ah, excuse-moi de. Hein. Ok, pas mal. Ça me va. Ça te va ? Ça me convient. Du coup, est-ce que tu as mis les dégâts qu'il ne fallait pas encore ? Ah bah du coup, moi, je aurais dû en prendre moins. 5 de moins. Bon. Ah ! 29, 27, 36, c'est déjà un peu plus serré. Bon. On va la voir. J'ai 2 champions que je vais incliner pour dégager ça. Oui, de toute façon, je peux rien faire. Je peux rien faire d'autre. C'est bien. Et j'ai une action. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte, sauf que là, je crois qu'on n'a plus envie de le faire. Si, puisque de toute façon, on va pouvoir regarder. Et en vrai, ça, tu peux la laisser. Mais si c'était le truc de taverne, là, la 8-8. Ouais. Ouais. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte, donc je la laisse sur le dessus. Et du coup, tu fais pas et de prix, je fais 8. Eh ben 3, 4, voilà. 5. Il a... ça va là. Attends, 8, 9. Et pour 1 gold. Je me nique moi-même. Ok, d'accord. Ok, je le sens pas trop mal. Là. Je pense qu'on peut gagner. Ça met 3 points de vie sur lui. Attends. Ton loup qu'on botte avec le loup-garou. Lui. Oui. Il a 4 de plus. Oh oui. Non. En fait, le fait que j'ai fait ça, j'ai plus accès à ça. Alors non, parce que ça, c'est pas l'action d'engager. En fait, c'est pour ça que j'ai pas regardé le loup. J'étais en mode, bah non, il est engagé, il compte plus. Merci à Michinab qui regagne une vie. Hein. Et qui, du coup, nous fait passer à 26. C'est la première fois qu'on a des points, qu'on est au-dessus. Et surtout que moi, j'ai un bon tour. Puisque cette folie-là, je sens bien, te met 2 dégâts, donc pas beaucoup. Tu prends 2.
Et j'ai fait le gain. Ah, je repasse en dessous. Le gain de points de vie. Et enfin, l'homme de main. Ah bah, l'homme de main est un peu chiant, mais on va quand même le ruiner, je pense. Je pense que c'est le moment, c'est le petit tournant. Le tour d'après, il avale le sol. Là, je prends 8, ça me fait un peu chier. Mais je suis toujours là. Et alors, je vais me défausser une carte, c'est un peu chiant, mais j'ai un or qui me sert à rien. Ok. Et là, c'est parti. Puisque je vais jouer Christophe le Juste. Attends, ici, il de 3, là ? Oui. Ok. Je vais jouer l'homme d'armes. Oui. Du coup, je pioche une carte. Je vais jouer l'arc et la flèche. Du coup, je repioche une carte. Et là, c'est décevant. Je vais m'arrêter là. Enfin, je pourrais acheter un peu. Mais en vrai, regarde les dégâts. Ça commence à être pas mauvais. 2, 4, 6, 7. Alors non, parce que j'ai plus 1 pour chaque autre garde en jeu. Donc là, j'ai 2. J'ai 7, 8, 9. Pour chaque autre. Autre. J'ai 8. J'ai 8 et je fais gagner 3 points de vie. Bah, du coup, je vais les prendre. Ça te va ? Oui. Donc tu le tues lui. Oui. Et tu mets 3. Voilà. Et en thune, j'ai 1, 2, voire 3. Si c'est un... Champion. Nope. Eh bien, c'est le moment où je piste. Oui. Ça, en fin de partie, c'est fort. Oui. 1, 2, 3. L'or dégage. Et les deux qui sont là, tendance à les garder. Il faut espérer avoir du rouge. Il faut espérer avoir du rouge, du jaune. Vas-y. Ok, vas-y, dégage tout. On est pas mal, là, quand même. On est pas mal, on est pas mal. Maintenant, c'est le moment où il ne faut pas me tuer mes putains de champions. Laisse-moi tranquille. Ok. 4. Pour le moment. Ok. Alors, 4 et 2, on tue le champion le plus élevé. Du coup, on a... 4 et 2, 6. Et 4, 10. Je prends 5. On tient, mec, on tient, hein, on tient. Hein. Et lui, il descend. Mal au cul, quand même. Hein. Ouais, mais lui, il descend. Bon, et là. Alors là, c'est le big turn de Max Hidalgo, je le sens. Je sens que cette vidéo va bien se passer. Dans quel ordre je vous le fais ? Parce que là, je vais vous régaler, je vous le dis. Okay, on va commencer par lui. Petit bandit des rues. Allez. Deux petites pièces d'or. Ok, pour l'instant, ça n'a pas l'air insane. Mais. Le bénéfice. Qui, du coup, grâce au bandit... De commencer à faire des dégâts grâce au bandit. Et... La mise à prix, qui met 7, et qui assomme le champion ciblé. Donc, au revoir. Oui, c'est pareil. Et je mets 7 plus 4, 11, plus 2, 13. 13. Sauf si je veux éventuellement avoir 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un truc à 5. Non, donc je m'en fous. Voilà, donc j'aurai 1, 2, 3, 4, et je prendrai rien ou autre chose. Et donc j'ai 1, 2, 6 et 7, 13. 13 moins 4, c'est ça ? 13 moins 4. Je sens que, je sens 4, que là, là, les taverniers... 9, avec 4, tu peux et avec ça, 4 pièces d'or, je peux faire ça pour gagner 3 points de vie. Et du coup, il me reste 2 pour... Ouais. Allez, non, bah non. Prends une gemme, non ? Ça met 3 flats, ouais. C'est naze. C'est naze. Par contre, non, tu sais ce que tu peux faire, c'est défausser la carte, là. C'est le voilà la tire. Tu regardes la première carte et on regarde si on la laisse ou pas. Oui, c'est vrai que normalement, je devrais le faire. On la laisse ? Ouais. Ouais, jaune en plus, toujours. Voilà. Bon, c'est pas mal. À moi de jouer. C'est du jaune, il gagne 3. Ah, j'ai mis 9 dégâts, oui, et, c'est pas mal. Et on a 4 qui vont peut-être d'arriver. Okay. On va la voir, hein. Oh, maîtrise rouge. Parfait, ça. Puisque du coup, la maîtrise rouge me met 4. Ah, j'ai pris 2 dégâts de trop. Pourquoi ? Ceux de la folie. Non, en fait, c'est tout cumulé. Il faut. Et on cumule tout, en fait. Ah, non. C'est tout à l'heure, en fait, c'est les dégâts que je t'ai mis en folie. Oui, et ben. C'était moi, c'est une attaque maligne. Ouais. Oui, c'est une attaque maligne. Donc, et donc, ça passait pas parce que j'avais un garde. Il y avait un garde, ouais. Oh là là, vous êtes des boss. Donc, ça, c'est bon. Ah, ils sont. Qu'est-ce franchement, que je faisais, des fois. Donc, 4. Des fois, vous m'impressionnez. Plus 4, 8. Ça garde tous les deux. Souvent, même. On est d'accord que du coup, j'imagine qu'il non, parfois. Il va tuer ça. Par contre, lui, il peut pas le tuer.
Attends, j'ai une question là. J'ai 8 à mettre, je fais comment? Non, je vais tuer lui, je pense. Tu as 8 à mettre. Et donc, quelle est la question? J'ai 8 à mettre sur mes mecs. 8 quoi? 8 dégâts. Comment ça, sur mes mecs? J'ai 8, le mec, il me met 8 sur mes mecs. Ah, ok. Eh ben, il tue forcément le plus gros déjà de base. Tue le plus gros et après... Forcément. T'as pas de choix. J'ai pas de choix. Non, mais c'est, je t'étais pas sûr. Et du coup, il n'arrive pas à le tuer. Il n'arrive pas à le tuer. Parce qu'il a 3 à mettre dedans. Ok, à moi de jouer. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et ben, je crois que c'est le moment où je le défonce. Alors, je le tue pas, mais je vais quand même lui faire du mal. Puisque je vais avoir un autre champion. Malheureusement, je n'ai pas ça qui aurait fait vraiment plaisir. J'ai ce truc-là. Et j'ai ce truc-là et ce truc-là. Donc là, je me fais le plaisir. Puisque j'ai... Je le tue au prochain tour. C'est vrai ? Donc, si celui il pas et compagnie, quoi. Mais bref. Non, il va pas. Donc, j'ai en tout, en dégâts, ça me met quand même 11 de dégâts. Puisque c'est 5 plus 2 pour chaque champion en jeu. Donc j'ai bien 3 champions en jeu. Mm-hmm. Ça me met 11. Pas mal pour une carte 12, à 3. 13. 14. Donc, je mets 4 à lui et 10 au boss. Puis, comme il n'y a plus personne, et vraiment pour pouvoir l'humilier, eh bien, je nous fais gagner 6 points de vie chacun. Chacun ? Oui, 6 et 6. Je vais regagner moi 3 points de vie. Je ne sais quoi, je te les donne. Tu regagnes 3 points de vie. Et ensuite, comme thune, j'ai uniquement 4. Et pour 4, je ne fais plus rien. À toi de jouer. On n'est plus au moins. Ah si, je vais faire mon pisté. Vas-y. Voilà, pisté me fait mettre ça et ça à la poubelle. Je garde ça et ça. Vas-y. Vert. 3 et je me défausse. Vas-y, relou. Bon, bah, je crois qu'on n'a plus envie d'acheter en fait. Déjà, les non, c'est le moment où il faut tout mettre dans sa gueule et basta. 3 et je me défausse. Je vais prendre cher. Mon champion le plus élevé. Donc, je prends 3 plus 3, 6 plus 2, 8 plus 8, 16. Je prends 16 dans ma mère. Une égratignure. Ça fait mal. Mais j'ai une pièce d'or. Et ça ? J'en ai même 2. J'ai surtout... ça. Donc. Je crois que tu le tues. Hein. Là, j'ai que 3 pièces. Non, je le tue pas. Bah, évidemment, avec des merdes. Ah oui, bah oui. Quand t'étais en mode c'est bon, je le tue. Mais... Attends, on sait pas ce qui peut sortir là-bas. 3 pièces d'or. Je ne vais rien acheter. Par contre. Oh, coup, il y a un monde. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Donc là, je lui mets. Attends. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Ça met 8. Ouais, je suis là pour que tu la vires, je pense. Tu nous manques des gemmes. Allez. 8 et 3, plus 4. Donc 8 et 7, 15. Mm. Là, je lui mets 15. 15, moins 11. Tu lui mets 4. C'est con. Ça dégoûte. Ouais. Ok. J'aurais eu du bleu, là, c'était terminé. Et je pense que c'est le moment. Et pour 3 pièces d'or. Je vais encore regarder. Et je ouais, et j'allais même dire, vas-y. Folie temporaire, là, ça met 4 et ça met des points à toi. Tu peux garder de 5. En fait, il y a peut-être un monde où là, on fait aussi ça. Genre, tu te vires cette carte pour pouvoir lui redéfausser un truc. Ça a l'intérêt de... en fait, je pense que là, comme ça, si tu l'as pu recharger, il y a des grandes chances, vu les cartes qui restent. Là, il y a ça et une maîtrise. T'as très envie d'avoir ça à une maîtrise. Je crois. C'est de la merde. T'as pas d'ennemis à tuer. Et... je crois que je préfère avoir une maîtrise et un objet. C'est l'objet pourri là. Donc moi, vire là celle-ci. Et tu sais quoi, sacrifie ta forme de loup. Comme ça, on l'aura fait jusqu'au bout, quoi, tu vois. Ok, mais j'ai pu. Hein. Vas-y. Ok, donc celle-ci, elle reste. J'ai l'impression que ça servait. Enfin, c'était sûr que t'es une maîtrise. Déjà, ça pas peut sacrifier être... la forme de loup. Ça peut être maîtrise. Ou alors, ça peut être. Maîtrise et un autre le truc qui peut me bloquer là. J'entends. Ce que je veux dire, c'est que la proba que ce soit une maîtrise était très élevée. Oui. 2 chances sur 3. Tous les jours, il fallait garder cette mais carte. La proba avec laquelle tu repioches ta forme de loup, ça elle n'existe vrai. Pas. Donc, ok, de toute façon. Allez, go. Ok, à moi.
Donc, maîtrise, qui est la maîtrise verte qui me fait 3 et défausser une carte. Donc, je défausse une carte, il y a 3 dans la pile. Je vais défausser une flèche noire puisque on est d'accord que je n'ai pas d'arc. Ok. Ensuite, une autre gemme qui est cette fois-ci bleue qui va me demander d'assommer mon champion avec la... Vous aimez, c'est le garde forcément qui tape. Ok. Et du coup, on a 2 plus... Je crois que c'était 4. 2 plus 3. 2 plus 3, 5. 5, il me tue. Il me tue pas, donc il me tue juste le prêtre. Ok. Et je prends... 1. Est-ce que tu t'es défaussé une carte ? Oui. Joue. Et je le fume. Mais alors, de très très loin, nous avons gagné cette partie, mon cher Maxildan. Putain, on est à 1 sur 1. Bravo à nous. Une game, une victoire. Et ça, c'est beau. On l'a fait. Ce que prouve le talent, j'ai envie de dire. Voilà facile. Yellow, si vous pouviez peut-être équilibrer votre jeu, parce que je le trouve peut-être un peu facile. En tout cas, on a prouvé que c'était possible quand on jouait avec les bonnes règles. Parce que je pense que le fait d'avoir les maîtrises et machin... Tu sais ce qu'on a le plus prouvé, ce qui me fait plaisir, notre c'est abnégation. Que nous sommes tout à fait d'accord pour penser tous les deux que le jeu, le deck building, c'est bien, mais c'est peut-être un peu moins bien en coop qu'en compète. Mmh. Généralement, on a plutôt, notamment sur Shards, pris du plaisir à jouer en compète plutôt qu'en coop. Et que là, nous avons pris du plaisir suffisant pour pouvoir jouer 3 fois. 3 fois. En tout cas, je crois que de tous les jeux coop que j'ai fait, c'est mon préféré. Ouais, moi, j'avais bien aimé le jeu Harry Potter. On avait fait avec ma femme et on avait... Ce qui est bien, c'est que tu peux monter les niveaux, mais il est quand même beaucoup moins abouti que celui-ci. Il n'y a pas à chier. C'est juste qu'il est, on va dire, un peu plus croissant dans la difficulté. Et puis, il y a des trucs en plus. Bon, c'est sympa. Ça changeait un petit peu. Mais clairement, je pense que c'est... Ça fait partie de mes jeux deck building préférés sans l'extension. Et avec l'extension, je pense que c'est... On a fait qu'un mec, mais ouais, la mécanique, le fait d'avoir des classes différentes, le fait d'être dans l'orme, vous savez que c'est pas ce que je préfère. Alors, surtout qu'en plus, là, on l'a pas fait. Mais on va se le faire. Enfin, on va se le lire. Parce que flemme. Comme c'est une aventure et que nous avons gagné, voilà ce qui se passe. Excuse-moi, je ne te dis pas de bêtises. Oui. Mélangez les 5 élixirs, distribuez-en 1 à chaque joueur. Rangez les élixirs restants dans la boîte. Les élixirs sont tout là-bas. Alors, qu'est-ce qu'un élixir, Maxildan ? Marvel Champion, vous avez été assez. J'ai beaucoup moins aimé Marvel Champion que lui. Oh, j'aime bien Marvel Champion. Il faudrait que je rejoue. Il faut que tu rejoues, parce que franchement, c'est vraiment pas mal. Donc là, t'en prends un. Donc moi, j'ai élixir de chance. Ouais. Ça fait que la prochaine carte action dont je fais l'acquisition coûte 1 de moins. Okay. En fait, tu as toujours avec toi et tu la supprimes quand tu utilises. Ah d'accord, c'est un truc que tu as. Moi, j'ai l'élixir de sagesse. Dans le mode coop, tu as une zone en plus. En fait, tu as la zone de jeu, tu as ton deck, tu as ta défausse, tu as ta main. Et en plus, tu as un inventaire. La zone de commandement, là. Exactement. Ok, moi, l'élixir de sagesse me fait piocher une carte puis défausser-vous d'une carte. Oui, pourquoi pas. C'est quoi ? C'est un petit bonus. C'est quoi, toi ? Moi, c'est je paye moins cher une carte action. Oui, c'est un petit bonus qui va. C'est un petit bonus. Ça n'a pas l'air ouf, mais ça peut t'aider à gagner un tour. Voilà, donc tu as un truc qui te donne de la force, un truc qui te. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main et un truc qui te heal. Ok, voilà, tout était. Ok. Des petits élixirs. Ok. Ensuite, chaque joueur découvre une récompense de classe. Chacun mélange les cartes récompense de sa classe. Ah, mélanger. Récompense de classe, regarde ce que c'est. Je vais prendre les miens. D'accord, je vais te montrer. En fait, j'ai tout mis par classe. Mais. Attendez. J'ai tout mis par classe. Mais regardez. Là, c'est tous les changements de compétences et de capacités. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a ? Des objets qui sont liés à ma classe et un hub de points de vie. D'accord ? Enlever le hub de points de vie. Et donc, en fait, tu prends ces 4 cartes là, qui sont des récompenses de classe. Tu mélanges. Et donc, à la prochaine partie, j'aurai eu le couteau de lancer effilé. Il remplace un de mes couteaux de lancer et il met 3 plus 2 pour chaque autre couteau que vous avez lancé auparavant. Donc, il te met 2 plus. Plus 2. Pas mal. Moi, j'aurais eu quoi ? Alors, c'était l'archer. Le problème, c'est que je suis un peu le bordel. Je suis désolé. Là. Vas-y. C'est là. Pour ça que je t'ai dit. Oui, mais bon. T'écoutes pas. Je déteste. Donc là, j'aurais mélangé ça. Il y a aussi des récompenses qui sont communes à tout le monde. C'est ces 4 cartes-là. Il n'y en a pas beaucoup. Mais elles sont fortes parce que tu vois, elles coûtent toutes 6. Moi, c'est pareil. Ça me fait plus 2 sur ma flèche. Elles sont fortes. Elles font toutes 6. Et en fait, quand tu en prends une au hasard,
et tu l'ajoutes dans le deck. Ah oui. Donc en fait, il va falloir tomber dessus, mais quand tu tombes dessus, bah, t'es content de la prendre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et rendez-vous au prochain affrontement, machin, nanana. Voilà. Assommer un serviteur ciblé dans votre zone ou piocher une carte. Ouais, pas mal. T'as envie de l'avoir, ouais, t'as envie de l'avoir, mais... Vous pouvez mettre une flèche dans votre main depuis votre défaut, piocher une carte. Ah, c'est pas mal. Du coup, tu recharges en carco et tout, tu commences à tirer, à piocher. J'adore. Franchement, c'est un très bon jeu. Et je suis content de finir la saison sur ça, mon cher Maxilan. De toute façon, encore une fois, ça, c'est du deck building, donc ça me plaît. C'est fait intelligemment, dans le sens où c'est vraiment, ça se concentre pour le coup que sur du deck building, mais ça le fait bien. Et c'est plaisant, le petit univers qui plaît un peu plus. Et voilà, c'est toujours sympa d'avoir ces petites combos de couleurs là, qui sont à la base, viennent d'Ascension, et qui te disent, bah, tiens, vas-y, on va plus partir sur du rouge, blanc, machin, tu peux faire des synergies. Et entre guillemets, comme il n'y a que 4 couleurs, bah, du coup, tu vas quand même retrouver assez facilement les petites combinaisons. Je crois qu'on a fini l'année en beauté, en plus, avec un storytelling plutôt sympa, qui est de dire, à la base, on voulait, vas-y, vite, on fait un petit jeu... Ouais, rapide, tranquille, allez, en une heure et demie, c'est plié. Et finalement, il est bientôt 20h, ça fait 3h30, ouais, un peu plus même. Pas loin de 4h qu'on est là, et on a pris du plaisir, et ça, c'est ce qu'on voulait pour finir. Et on espère surtout que vous aussi, vous avez pris du plaisir, évidemment, à regarder cette partie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi tout ça. Pas d'Eorim, ça a gagné, puisqu'on l'a déjà fait gagner quand j'ai joué avec ma femme. Ah, donc, ah oui, d'accord. Calmons-nous. Et sur ce, je crois que on va vous remercier de nous avoir suivis pour cette première saison et je vous donne rendez-vous en septembre. On a une date ? Après le 5 ou pas ? Donc le 5 septembre, rentrée de le stream. Ça, c'est la date. Après le 5. Peut-être faut faire ça après le 5. Après le 5, donc c'est quoi ? C'est quoi la date ? Quoi ? Après le 5 ? J'aurais dit 5 plus 6, j'aurais dit 11. Ouais, tu crois. J'aurais piffé un truc comme ça. Ouais. Eh bien, ce sera donc le 11. Ce sera donc le 11, 11 septembre, rentrée. Et alors, première émission où on jouera un truc. Je ne sais pas encore quoi. Ça dépend des éditeurs qui nous signent. Ça dépend de ce qu'on aura envie de jouer ou autre. Donc, de combien de joueurs on aura. Donc, ça dépend de plein de choses. Et la semaine d'après, donc le 18 septembre. Qu'est-ce qui se passe le 18 septembre ? Je vous dis tout de suite, ça spoil. Oh, c'est un cadeau de fin de saison. Le 18, ce sera la première édition du tournoi Dune Imperium que nous allons organiser lors de cette prochaine saison. Et bon. Car Lucky Duck nous a fait confiance pour suivre le truc. Oui, c'est vrai que le jeu est là. Hop. C'est bon, il le voit. Là. Mais dès que je parle, non, ça va. Non, mais je gère cette émission. Et franchement, alors attends, juste puisqu'on en est dans les. Non, tu sais quoi, finis-toi. Donc je termine. Donc première émission, je peux même vous dire, pas tout le monde, je peux vous dire deux personnes qui seront dans le truc et les deux autres seront annoncées plus tard. D'accord, peut-être le principe déjà de ce tournoi. Oui, mais je crois que j'en ai déjà parlé. On va faire un tournoi d'influenceurs. Donc, on va faire 4 parties qualificatives avec à chaque fois 4 influenceurs dedans que nous allons nous commenter comme si c'était de l'e-sport. Donc, on va être dans une salle à part, on va pouvoir voir les mains des joueurs, enfin, c'est incroyable. Donc, rendez-vous le 18 septembre pour ça. Et je vous cache un peu les invités parce qu'on va les annoncer un peu au fur et à mesure. Mais franchement, il y a des mecs qui pèsent bien qui sont venus alors que. Je vous le dis, ils sont pas payés cher. Ils sont payés que s'ils perfent. Ils sont payés que s'ils gagnent, quoi. Donc voilà. Lors de cette première session, on aura. Je sais pas qui tu veux dire, donc je te laisse te faire. Je réfléchis à qui je dis. Ok, je l'ai. Marie Beko sera présente. Marie Beko, l'influenceuse. L'influenceuse. Celle qui. Marie Beko sera présente. Elle sera là. Je commence tranquille. Voilà. On monte après. T'en dis un autre du coup ou pas ? Non. Ah d'accord. Bon. Je annoncerai le reste plus tard. Ouais, donc c'est quand même... J'adore Marie, mais c'est un peu déceptif. Non. Justement. Je leur donne une patte.
Ça en reste plus c'est, tard. Pour info, c'est la deuxième plus grosse influenceuse qu'on a overall. Bah, s'il y a Marie Oraxari, évidemment. Allez, c'est lâché. Effectivement. Marie Oraxari pour cette première, avec donc deux autres personnes. Et comme, comme il vous le disait, on va commenter ça. Et en vrai, on a hâte de vous présenter. Bah, j'ai l'impression que c'est quand même un peu une première sur Twitch. Enfin, en tout cas, en France, il n'y en a pas eu beaucoup. Jeux de société. Deux mecs qui vont... Ah, il y a du commentaire de jeu de cartes, quoi. Qui vont caster des mecs qui, du coup... Enfin, des mecs ou des femmes, hein, qui vont jouer à Dune. Alors, ce ne sera pas sur l'extension, parce que le but... les gens qui vont venir ne sont pas forcément des pros à Dune. Donc, on va leur laisser le jeu de base. Mais ça ce sera par déjà contre avec la version de luxe. Ce sera avec la version de luxe, avec des trucs. Voilà, là, c'est, vous n'êtes pas prêts. Bref, franchement, ça va être une bonne expérience. Et puis, si jamais ça vous plaît, eh ben, du coup, on pourra peut-être éventuellement le faire sur d'autres jeux. Mais en tout cas, Dune se prête particulièrement bien. Et comme je vous le disais, 4 sessions qualificatives avec donc 16 influenceurs qui vont s'affronter à chaque fois par 4. Et le gagnant de chaque se retrouve dans une 5e et dernière game, où là, ce sera la grande finale. Et le gagnant remportera des thunes. Je ne vous dis pas encore combien. On fera la com le moment venu. En tout cas, donc ça, donc première phase du tournoi le 18 septembre. Après, il y en aura, je crois, un par mois, c'est ça ? C'est ça, un par mois. Et la finale sera un peu plus tard. Je ne sais pas si on peut le dire. Donc, ce sera plus tard. Mais donc, d'ici là, on se retrouve, nous, le 11 septembre sur cette... alors, sur cette table ou pas ? On ne sait pas. Normalement, non. Ça dépend de ça dépend du fabricant de la table qui s'appelle mesasparahueco.com, ouais, simplement. Mesasparahueco, c'est des tables pour jouer. Alors, c'est la traduction espagnole. On peut pas faire plus simple. Voilà. Donc d'ailleurs, allez sur leur site, hein, pour checker un petit peu ce qu'ils font. Mais ça, j'en reparlerai en long, en large, oui, en travers quand j'aurai reçu la table. J'ai mis des tweets aussi pour montrer, parce que la table est en cours de fabrication et ils m'envoient des images, des vidéos pour montrer comment ça avance. Franchement, ça a l'air propre de fou. Donc j'ai hâte. Et en plus, ils se sont fait chier, parce que je leur ai dit, ouais, je veux intégrer les cams dedans, machin, nanana. Ils se sont fait chier à modifier leur plan de fabrication pour pouvoir intégrer des emplacements pour mettre les cams et passer les câbles des caméras. Bref, c'était cool cette première année. Et donc, je voulais dire que, franchement, GG, mon cher Maxilla, notamment pour la Real. Parce que c'est pas celui qui gagne le plus au jeu, de manière générale. Mais il faut savoir qu'en plus de jouer, on anime, ce qui parfois nous fait évidemment perdre des petits trucs, et qu'en plus de tout ça, tu as une Real qui fait carrément le taf. N'hésitez on pas à lui dire. Bon, là, on est deux côte à côte, donc on n'est pas sur les plus grands changements de cam de France. Mais c'est bon. Sûr. Mais quand même, ne serait-ce que les zooms, les machins, le truc, c'est vraiment très cool. Bref, c'était bien sympa. Et puis voilà, l'année prochaine, bonnes vacances. Et vous n'avez pas tout vu, je viens d'enregistrer une dinguerie, mais vous verrez plus tard. Arrête, bref. Arrête, tu en donnes trop. Arrête, j'en mérite autant. On se voit en septembre. Allez, salut tout le monde. Ciao.